T'es point les odds étaient Ah bah. Bon, après, il y a eu que 6 votants, hein, mec. Genre, par contre, les 5 qui ont voté, gros, 25, 24 000, gros, ils ont vraiment perdu, hein. Eux, mec, ils ont tout perdu, hein. Contrôle C. On va mettre le lien du stream. Contrôle V. Arrobase IR. Cast du. Non, cast de. Du squadron? Allez, du squadron. Wouf wouf. Ça fait comme ça. Wouf wouf gang. VS. Mec, l'abricotine impériale? Mec, c'est pas mal l'abricotine. Incroyable. L'abricotine impériale. Est-ce qu'Arkip Avec. y joue seulement? Je sais pas si Arkip dit plus. Tu vois, j'ai sorti le truc des deux, l'arbre des 2v2, moi des teams que je jugeais plus fortes en 2v2 que Bah, Teamfight, y a etc. nous Mais déjà, tu vois, enfin, on les a, comme on a battu. vous, sauf Slime in Amber évidemment. Déjà Sandro vu. Destroyer, Almog Tornred, C'est vrai qu'il y a Almog Tordred, gros. Et d'ailleurs, si Kerfoss on. Mec, Outpost. j'en ai marre. Genre, regarde la gueule de notre arbre. Genre, tu sais que là, avec Ah, j'ai vu, j'ai vu. si avec Mimi on gagne contre Destroyer Sandro, on affronte Ah. Almog. Bon, parce que j'estime qu'ils vont gagner contre Omega Didit. On affronte Almog Tordred, gros. J'en ai marre. Notre arbre, gros. En fait, dès le deuxième tour, on a commencé par Automation Well. Notre arbre, c'était full. C'était que des finales. Mec, c'était full hardcore, notre arbre avec Mimi. Mais bon, finalement, on gagne tous nos matchs. Parce que vraiment, cet arbre était si difficile. On commence à se poser la question, tu vois. On commence à se Est-ce demander que ça si. n'en ressort pas, genre est-ce que tu n'en sortiras pas un champion plus. Parce que tu vois, genre il y a les champions qui ont affronté que des mecs AFK ou des forfaits, tu vois, puis il y a les champions qui ont affronté genre toutes les top équipes. Est-ce que tu seras ce type de champion? Parce qu'il y en a, ils vont arriver en finale de tournoi 2v2, ils ont affronté personne. Alors que nous, avec Mimi, nous, en fait, à chaque fois qu'on joue, c'est un match de finale, tu vois. Écoute, nous on était censé affronter JR et Noob. Ok, mec, il y a le lien. Attends, mec, je Heureusement join. qu'on a fait un training contre eux, hein, parce que maintenant ils sont perdus au fond du loser bracket là. Mec, terrible. Salut, heureux de Jet Jumper. Oh, connexion à l'autre perdue. Oh non. Oh non. Ah, il a supprimé le lien. Voilà. Mec. Senna 3 plus fort que Yasuo 3. Senna 3 plus forte que Yasuo 3. Tu joues là, mec? Ouais, je suis encore en partie là. C'est bientôt fini. Yaibanka, il voulait me recruter pour un tournoi, hein. En gros, j'ai pas tout compris. Ouais, j'ai vu. En fait, j'avoue que j'ai du mal à lire leur Discord. Il y a tellement de flou. Mec, t'as. Si on me parle, Quoi? il faut me parler en MP. Hein. Mais genre, je suis passé tout à l'heure et il est marqué qu'il voulait faire la tournoi de 2v2, je sais pas quoi. Ouais, mec. 2v2 LOL. Hein. Mec, mais du coup, c'est perdu. Ah, du coup, je fais pas, quoi. J'avoue que moi aussi, j'ai un peu du mal à suivre des fois leur truc. Mais bon. Du coup, quand j'arrive, j'écris, tu vois, je dis bonjour et tout. J'ai le choix entre mettre un emblème assassin sur Aphelios ou un deuxième dernier souffle. Attends, mais ils sont en vocal ou pas? Mec, on les join, ils sont en 4v4-3. J'arrive. Allô? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mec, y a personne qui veut parler ou quoi? Tout le monde est mute. Salut, salut, salut. Ouais, Salut, c'est Style. j'ai entendu Rikito, mais tous les autres, ils sont tous mute. Tout le monde est mute. Personne ne veut parler. Hello. Oh non. Hello. Mais pourquoi personne ne veut parler? Tout le monde mange. Mais c'est pas 1 heure pour manger 20h30. Moi, je mange actuellement. Ouais, ça Enfin, ouais. s'entend, ouais. Ouais, ça s'entend, ouais. Tu peux d'abricotine pour accompagner cette Non, nourriture là? non, pas les soirs de match. Après le match. Pas les soirs de match? Bah, non, ouais. Enfin, pas pour moi, quoi. Archétype, oui, mais pas moi. Je pensais que c'était un esprit d'équipe de boire l'abricotine pendant les matchs. Je pensais pas que c'était juste Archétype. En vrai, il y a tellement de matchs ce soir, par contre. Il y a tellement de streams, de cast et tout, c'est incroyable. Hein. Il y a Ulysse Sphinx, Cuite Impérial Barking Gang, il y a le 2v2 de Jack. Trop de matchs ce soir. Tu nous as choisi, c'est beau. Je vous ai full choisi. Tu sais comment je vous ai choisi?
C'est très simple, je me suis levé ce T'es matin. resté un spot? Je me suis levé ce matin. J'étais là en train de boire mon petit café, tranquille. Puis j'ai vu Michael qui dit, au secours, j'ai perdu la personne à qui je devais cast. Vas-y, j'ai fait, bon bah, let's C'est go. quoi Soft? Il m'a MP genre à 4h du mat, gros Michael, pour me demander s'il pouvait cast notre match. Ah Il est ouais? terminé. Mais mec, il était déjà hier au taquet pour cast votre game. Okay. Après, y a pas un. Non, j'allais dire, y a pas un décalage, mais s'il est en Roumanie, y a même pas tant de décalage que ça, tu vois. Non, y a pas beaucoup de décalage. T'as 1 heure? 2 heures en Roumanie? 1, 2 heures, ouais, pas plus. Oh, mais en plus, y a Fifi qui joue ce soir! Fifi. Fifi, démute-toi, s'il te plaît. Fais-moi ton plus beau ouhu. Mec, je peux pas me faire ça, Fifi. Je t'ai reconnu, check. Ah merde, je suis démasqué. Aïe aïe aïe. Bon, c'est qui que je dois soit Poulpe ou Krista, peu importe. Qui soit pas avec moi. Lequel de vous deux soit pas avec moi. Let's go. Swap, s'il vous plaît. Ah bah, il y a Michael qui m'a demandé. Eh ben, chais. Chais, Michael, chais. Me Oui. first. Nello. Oh, Deluxe, Salut. mec. Salut, Deluxe. Mec, Salut, oh, dis-moi. Soft. Oh, aïe, 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 aïe. Quel plaisir de t'entendre à chaque fois, Deluxe, c'est vraiment incroyable. Hein. Mec, faut qu'on se trouve un petit cast ensemble, un de ces quatre, là. Vas-y, on va essayer. Ça va être incroyable. Il y a Michael qui voulait être move là, c'est ça? C'est bon, il y a Chuck qui peut s'en occuper, tout va bien. Veux que je move qui? Non, je sais pas, j'ai cru entendre. Laisse tomber, tout va bien. De toute façon, Bonsoir, les serveurs 4 des 4, bonsoir enfin Bionan, 4 bonsoir ils Bjorn. ont tellement été déformés parce qu'il faut racheter des slots. Ouais, ce soir, mais ce Ouais. soir il y a beaucoup de À la castes, base, il y hein. avait 8 slots, et là je vois qu'il y en a qui a Là, 16 si vous avez slots, après plusieurs 10 slots, écrans, 14 vous invite à ouvrir tous vos écrans. slots. Ouais. Parce que ça va être incroyable, hein. Ce soir, nous on caste, Disto il caste Tully Je pense Sphinx, que c'est pas Malm mieux il en va faire caster beaucoup. le 2v2 de Jack contre Sprigg Nerevar. Genre, il y a vraiment beaucoup de Allô? castes ce soir. Allô? Bonsoir. Faites-vous plaisir. Bonsoir. Oh, JR, jure, tu joues ce soir? Ouais. Ouais, mec, frérot. Match. Après un cast de qualité hier, en fait, tu vas juste faire une autre game de qualité ce soir? C'est ça que t'es en train de me dire? Bah, je sais pas, ça va dépendre de la map, Aïe ça. aïe aïe, me dis Plateau pas deal. ça! Me dis pas Plateau ça. deal, jouez plateau deal. Ouais, y a pas de plateau deal Ouais, dans le quand map même, moi, je suis pool. chaud, hein. Ouais, y'a Y'a Small Continent, ça va, pas. moi, je Y'a suis Small chaud. Continent! Moi, je suis chaud pour un petit plateau deal, là. Je crois J'ai que vu la Small gueule de leur Continent, map. c'est la seule map qui a jamais été pick. Elle Ah est bon? nulle en même temps, mec. Genre, est-ce Elle que est tu l'as. trop bien, mec. Écoute, je vais faire un vote. Arrête. Je vais demander de remplacer Small Continent par Marais. Ah, qui host ce soir? Le lobby est déjà, mec, dans rendez-vous, machin. C'est moi qui host, JR. Michael, Team Marcel, là. Mais Michael, il est déjà dans la game, mec. Je sais pas pourquoi il Marcel, mec. Peut-être qu'il te trouve beau, mec. Et du coup, il fait du harcèlement, tu vois. Bref. Je vois, mec. Putain, il parle en français maintenant, Michael. Mec, tu verrais, mec, perso, s'il a. T'as vu les screens qu'il a Bah ouais, j'ai postés vu le chez. screen, incroyable, mec. Mec, les phrases de français qu'il Attends, apprend. comment t'as accès à ce chan? Bah, Ah, mec. mais oui, ok. Bah, mec, mais je suis sur le Discord de Sphinx, je t'en rappelle. Ouais, non, parce qu'en fait, on a un Discord secret et normalement, t'y as pas accès. Ouais, bah, j'ai vu, mec. J'ai vu que vous me faites des. Bref. C'est Mais c'est pas. le Barking, c'est le Discord Barking Cats, mec. T'es pas dedans, c'est pas grave. Bah, si, c'est grave, mec. Manque que vous en fait. Ah non, mec, toi t'es dans. Vous êtes appelé comment? Tweet. Nouveau parti impérial? Ouais, c'est ça. Mec, je suis même pas sûr d'être là pour jouer. Comment ça? Je serais peut-être en LAN. Je suis encore en train de calculer Oui, mes ça. frais. Mais c'est pas encore. J'ai pas encore pris mon Mais billet. mec, l'argent de la CRL, tu t'en sers pour payer la LAN? Mais comme je dis, en fait, la LAN c'est le même week-end que la CR. Ah, tu fais les deux. Donc c'est chaud Oui. quoi. Oh Fifi! Oh, ta gueule, Mec, putain. salut mec. T'es Style doux. en live là, t'es en live Deluxe? Hein? T'es En en live? live, pardon, Soft? Ah ouais, je suis en live, ouais. Bah, Oui. je peux faire l'annonce officielle. Firso, c'est Omega Bench en fait. Oh non, Oh t'es mec. non. Trop de UU là, c'est trop.
Je recherche une équipe archi ou. Mec, mec. Tu te rends pas compte qu'il y a des... Il y a des fois dans le vocal, c'est vraiment. Genre pendant 3 minutes, c'est. Tout le temps, mec, un quart d'heure, pas 3 minutes. J'ai juste envie de me tuer, mec. Mec, t'as raison, mec. Fifi, gros. Fais-toi plaisir, gros. Là, je vais te choper mon colisée. Ah, t'es vraiment un dog, gros. T'es vraiment un dog. Je te kiffe. Franchement, change pas, mec. Le but, c'est qu'à la fin de la semaine, là, ouais, ils soient capables de comprendre tout ce que je dis alors que je dis que ça. Mec, mec, fais comme un CWS, hein, tu rename tes villes, genre Kyobu, là, c'était pas mal en fait. Enfin, tu vois, bref. T'avais fait Grix. Ah bon, mec, c'est long de trouver. C'est long de trouver des. Non, c'était en squadron, on avait fait ça parce qu'en CWC, j'ai pris un warning parce qu'on s'est appelé Woof Woof Gang au lieu de Bar. Bah oui, mais ça c'est dans les noms des teams. Mais tu sais que la CWC, on a demandé visuel. Hier. On a demandé à Poulpe si on avait le temps. J'ai demandé à Poulpe spécifiquement si je pouvais rename mes villes. Oui. Et elle a dit elle est ville, tu peux rename ce que tu veux. Donc nice, match. Voilà. Toi, t'es offensant, là, moi je suis tout. T'es tout soft. Ah, je viens d'Amérique, là, je pense que ça se voit dans le fond. Ah, bah, je viens des alentours de Metz. Les noms des joueurs. D'ailleurs, en parlant de ça. Fifi. Tu t'es fait agresser, Fifi? Mais tout le temps. J'ai un nouveau pseudo. Soft. Tu l'as ah pas ouais encore, toi. Non, je peux encore mec. Une, donc c'est quoi, mec? Non, mec, c'est ça. Mec, est-ce que t'as un bloc-notes avec le truc pour le copier-coller ou pas? Non, je vais dans le serveur bar. Mec, t'as oublié de mettre Sasuke entre temps. X-Dark Sasuke. C'est sûr. On peut jouer ou... Ouais, de ouf, non. De ouf. Comme ça, avant que je crève, là. Pourquoi faire ? Hello, les petits potes à la compote. Comment ça va ? Les vieux en rajouter. C'est vrai, Krista, il est full. Oups, swap. Deluxe swap. Ouais, si tu veux. Qui fait la main chez nous ? C'est Azadi. Bon, bah, les mecs, bonne chance, j'ai la chef pour la game. Ça marche, merci. C'est du best. De quoi ? Azadi, t'as fermé New World, Azadi ? Cast un autre game, du coup, Softel. Bah ouais, je casse un autre game. Ça marche. Il est là par hasard. Ok. Mec, on va sur le Discord du lit, y'a plus de place tout en bas. C'est vrai, vous avez un truc. Ah, mais ils vont envoler votre place de caster. Ah, c'est pas grave, mec. Mais y'a un deuxième canal en stream. Viens, on se met dans caster avec eux et on casse l'autre game. Mec, attends, viens, vas-y. Yo ? Et yo ? Yo ? Mec, on a eu une idée brillante avec Chuck. Genre... On casse ensemble. Tous. Ouais, ouais, on reste tous dans le même channel et on casse deux games différentes. Allez. Mec, vous allez bien ? Ça va et toi ? Bon, mec, ça va, je sors de table, j'ai bien mangé. Est-ce que t'es passé challenger ? Non, mec, je suis pas passé de challenge, pas aujourd'hui. Putain. Il a gagné un point. J'ai gagné un LP aujourd'hui. au moins, t'en as pas perdu. J'ai gagné des games et j'ai perdu des games, ce qui fait que j'ai eu un gain de 1 LP total sur la journée. J'avais envie de mourir. T'as pas perdu de LP au final, c'est le principal. J'avais envie de mourir. Si tu fais ça jusqu'à la fin de la saison, il y a des chances que tu sois challenger. Ouais, mec. Ah bah là, dans un mois, si je prends que 30 LP, du coup, si je prends un LP par jour, je serai pas challenger. c'est dead. C'est Nidoc, t'as pas besoin de choisir. Bah mince alors. Ouais, toi, bon, tu enfin, comment ça va? Bon cast. Oui, ça va aussi. Tu joues à quoi en ce moment? Là, je suis sur TFT, j'essaie d'attraper soft. New World, non, pas tenté. Non, ça. Ça me bouffe trop. Ça me boufferait trop de temps si j'avais le truc. Ouais, je comprends, moi j'y joue un peu de temps en temps, mais j'essaye de pas trop y jouer. Allo, il passe ses journées sur New World. Non, mais c'est un mensonge, c'est pas vrai. Hein. 4 ans sur Cible, pas sur Cible, sur... avant de jouer à Cible, je jouais à Guild Wars 2. En 4 ans, j'ai joué genre 10 000 heures à Guild Wars. Je sais ce que c'est de farmer des MMO, tu vois. Ouais, mec, t'as plus trop dit. Ça commence, mec, faut qu'on y c'est quoi, vous, la map? Bah, ils sont en train de ban là. Nous, c'est Inland Sea ou Seven Seas. Ils sont en train de choisir. Mec, nous, là, ils viennent de ban Island. Ouais, c'est pas mal ça. On va se coucher tôt ce soir.
On va se coucher tous. Hein. Nice, moi nice. Aussi, je pense. Oh mec. Guild Wars 2. Ah, moi, tu sais que je n'ose vraiment pas acheter New World parce que j'ai peur que ça fasse comme World of Warcraft, gros, et que j'y passe, mais toute ma vie en fait. Bah, c'est ce qui va se passer. Bon, hein. Moi, j'ai acheté depuis, j'ai arrêté Civ. Bah, c'est pour ça que je n'achète pas New World en fait. Parce que j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur de ça. Au début, je voulais pas l'acheter non plus, et puis Sphinx, tout le monde y joue. Oui, je sais, j'ai vu. Bon, et du coup, bah, je joue plus à Civ. Mec, c'est terrible ça. Mais vous reviendrez quand vous aurez un peu joué au jeu. Voilà. Ouais, Inland Sea pour nous. Mec, nous c'est entre Inland Sea et Primordial là. Nous c'est une Inland Sea. Mec, c'est une. Ah bah c'est une Primordial. Ah bon. Putain. Wow, eh bon. C'est la même game en fait. Ouais, dommage, dommage. Bonne game, bon cast à vous. Merci. Bon cast à vous. Des bisous. On va sur le Discord du Discord. Bisous. Vas-y, je te suis. Des bisous. Bon. On est parti, petite Primordial, mec. Oui, on en voit jamais en plus, je suis trop content de voir ça. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu en cast Primordial. Mais je crois que c'est la map la moins jouée pour l'instant de... Est-ce qu'il y a eu seulement des matchs... Je crois qu'il y a eu des matchs Primordial en... Il y a déjà eu des matchs en Primordial, mais je crois pas qu'il y ait eu de cast avec une vision globale de la map. De vraiment à quoi ressemble, à quoi ça ressemble Primordial. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la map. Hein. Primordial, il y a eu Quit Imperial contre Tunuk to win en Ligue 1. On demande si Small Continent ça a été joué, mec. Attends, j'ai encore monté un peu ton son, j'ai l'impression que t'es encore un peu faible. Small Continent, ça a jamais été joué pour l'instant. Que ce soit Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. C'était pas à me dire si le son est bon. Quit Imperial qui a déjà joué la map, donc il sait peut-être déjà à quoi s'attendre. Qui a peut-être des idées sur la map. Et on est parti, alors. Quit Imperial qui banne Byzance, étonnant, alors que son first pick, peut-être pas à l'aise sur le pick, pas envie de le jouer, des raisons... Est-ce que c'est vraiment un first pick, je sais pas. Ah, c'est quand même Basile. C'est... Tu spawns à côté de quelqu'un, t'envoies des tagma et puis voilà, quoi. Ban Norvège. Tu quelqu'un, tu cliques sur Dormont... Ouais, voilà, si t'as... voilà, t'es à tour 27, mec, tour 26, tu les as. Incroyable, on a t'as deux tortilles, t'as les Dromos tour 26. Oh, yeah, yeah. Bon, ban Norvège, logique. Normalement, Barking Gang qui doit ban Norvège et Maori sur cette map. Ban City, ouais. Est-ce que c'est pas une map plutôt à sim primordiale plutôt que, non, c'est que une dans map, l'agression. Une map qui est très, très orientée navale. Et après, ça dépend des. En vrai, ça dépend vraiment des générations de map, mais nous, je sais qu'on l'avait joué en format squadron dans la semaine. Et en gros, on était genre les 8 sur la même mer. Genre, on pouvait quasiment tous s'atteindre. Et du coup, bah, on était tous obligés de faire des bateaux. Sinon, bah, c'était la mer. Et des fois, ça arrive que ça soit plus une 7-6. Ça ressemble plus à une 7-6 des fois. Et du coup, il y a quelques personnes qui soient costales, quelques personnes qui peuvent interagir en bataille navale. C'est rare que tout le monde puisse se mettre dessus, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ban City. City, ça me choque pas parce que c'est une civ qui peut avoir un plus 5 en aval et qui mine de rien ouais. Est assez. Bah, le truc, c'est que j'ai pas assez de data sur la map en fait. Du coup, je sais pas si c'est des bans pertinents ou pas. Mais je peux comprendre. Enfin, pour moi, la première rotation, ça va être que des pics naval ou avec bonus naval. Du et là, il y a vraiment. Me push, perce. Là, il y a plus de Sina en fait. Voilà, s'il reste le Japon. C'est Japon et donc, là, ça va. Là, il y a Victoria sûrement. Indo à Victoria, ouais. Je pense que c'est la meilleure réponse ici. Après, un dos quand même qui a été un peu nerf. Il y a l'Espagne aussi, hein. Espagne en vrai. Espagne aussi, Espagne c'est bien. Espagne peut-être à la place d'Indonésie, genre Victoria Espagne, je trouve ça actuellement, tu vois, avec le nerf des bonus de soutien pour les unités à distance, je trouve ça un peu plus solide que. Parce qu'il qu'un dos Victoria. Ce qui manque à l'Indo, c'est un petit contrôle des amiraux. Donc s'il y a une Victoria dans la partie ou une Angleterre Aliénor, en fait, l'Indo va trop galérer à avoir des amiraux. Mais si les cifres comme ça sont un peu bad, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Indo, moi je trouve ça toujours très bon, hein. Genre ça signe bien. Oui, c'est toujours bon. Timing, Mais c'est un chouïa moins fort, tu vois. C'est plus autant fortiche qu'avant, quoi. Moi je pense que c'est différent. Oui, c'est différent. Je pense que c'est différent. C'est fini, tu vois, les frégates à 16 de soutien, tu vois. Là où les autres aussi vont faire genre un gros rush caravel, le premier qui a genre 10 caravels, etc. Et puis au fait, si en face il a 10 caravels aussi, bah, ça stall. Et en gros, tu te fais chier pendant 15 tours parce que bah, tu peux pas taper dans le mec en face, quoi. L'Indo, elle pourra plus vite débloquer la situation, je pense, avec ses jonques. Même s'il n'y a plus de bonus soutien, t'es pas obligé de faire comme tu faisais avant. Tu faisais genre 10, un pack de 10 jonques avec une caravelle pour prendre. Oh, ça, c'était bien, ça. Ça, c'est le boost.
C'était bien, bien ça. C'était cancer, putain. Tu tapais dans des joncs à 12 de soutien, t'étais là. Pff. La jonque a plus de puissance que ma carrée là. En fait, Bizo, tu veux que je fasse un petit stream Discord? Comme tu veux, tu peux stream Discord, sinon j'aurai un petit peu de retard, je regarde sur ton stream. Je fais un stream Discord, j'ai le PC qui peut faire ça, et la co qui peut le faire. Hop. Et Rome, mec, on n'a pas pris Victoria, alors ça c'est marrant ça. Ça c'est étonnant. C'est-à-dire on laisse Victoria du coup, potentiellement. Là non, tu récupères Victoria, quoique... Tu peux récupérer, moi je pense que tu récupères Victoria... Bah moi je pense que tu récupères Victoria, de ce que tu me dis de la map, ça a l'air d'être une map quand même assez axée navale. Ouais. Donc Mais après c'est pas parce que la map est axée navale que tu dois all-in tes deux premiers picks forcément. Ah, oui parce bien là, sûr, vois, si, le truc c'est après Victoria elle va être ban, tu vois, il y aura plus vraiment de civ naval quoi. Oui mais après tu peux très bien te débrouiller en naval sans civ naval, mais là tu vois par exemple je pense que le Barking Gang il tend un piège en mode prenez Victoria parce qu'ils savent que le pick d'après ça sera quasiment Victoria. Et je pense qu'en deuxième rotation ils vont ban des trucs du genre Perse, Mapouche ou des trucs qui font un peu de culture, genre Gorgo. Et Japon et Victoria, ça a beaucoup de difficultés à décoller en stats, en culture. Parce que bah. C'est là, il faut penser. À part si tu pars Paint and Wash, évidemment. Mais... Bon, en général, sur. Enfin, tu m'as se trompe, mais tu vois, genre les maps comme 76 et tout, les maps dans ce genre, tu pars plus Paint and Brush en général que libre pensée. Enfin, comme d'habitude, ouais, ça dépend de la situation et tout. Mais ça dépend de la situation, comme je te disais, si c'est un océan où tu peux rejoindre ton adversaire, on va dire, en 5-6 tours quand t'as les caravelles, moi je suis toi, je m'aventure pas à faire un paint and brush alors que j'ai un voisin qui a 6 tours de bonsoir tout le monde, bonsoir dame, c'est je vais bien, je te remercie. Même si t'as comment allez-vous avant lui, même si t'as vous allez bien. Militaire avant lui, mercenaire avant lui, bah lui il aura les caravelles potentiellement 6-8 tours avant toi. Ah non mais je suis d'accord, mais ça dépend comme d'hab des situations, mais ce que je veux dire c'est souvent... Si t'as personne sur ton océan, tu vas partir Paint and Brush tranquille, quoi. Oui. Et ça, moi, je pense que c'est trop bien en civ naval partir Paint and Brush parce que tu vas débloquer tous tes dogmes, plus surtout formation militaire pour faire vétérance. Et là, tu commences à enchaîner tes ports et tes phares à 30% de coût réduit. Et c'est vraiment. Bah, c'est vraiment trop bien, quoi. Je suis d'accord. Si, je sais que t'as un BO qui se joue en ce moment. Enfin, en ce moment, c'est un BO qui a toujours existé. Qui consiste à faire 3 villes. Tu rushes tes ports, tu rushes tes phares pour avoir de l'eau douce, de l'habitation et des 3 bonnes villes, et ensuite tu spams des colons. Là où moi je suis plus team. Moi je pense que ça dépend des settles en fait. Et je pense que ça dépend de beaucoup de choses. Si t'as beaucoup de poissons, en fait le phare, ça, en dehors de faire de l'habitation, de la food et tout, ça fait un bouffe en plus sur tous tes poissons. Ça, du coup, ouais. Ça donne de la value si t'as beaucoup de poissons. Mais en général, moi j'aime bien rush celui de la cape au moins pour avoir 2 roues de co, tu vois, qui tournent. Parce que souvent, ouais, ça dépend des civs, mais moi, comme je joue pas trop Didon et tout, je pars souvent vite en route externe avec les civs navales. Donc je fais assez vite beaucoup de guns. Ouais, des bans un peu plus polyvalents. Ce que je t'ai dit à propos de Barking Gang, ils ont pris Rome pour avoir un peu la mamie sur la culture, et ils ont banni Mapouche, Perse, et ça m'étonnerait pas qu'ils prennent Gorgo ici. En plus, je sais qu'Azegui adore... Je pense que Gorgo devrait être un ban. Je pense que Quid doit ban Gorgo ici. Ils ont déjà ban Espagne en plus. Quand tu souvent, et c'est ça qui est marrant, souvent quand tu ban Espagne, tu ban Gorgo avec. C'est genre, les deux vont souvent ensemble, j'ai l'impression. Ah, c'est des bonnes cives. Ouais, mais tu vois, genre, soit on les laisse les deux open, l'Espagne-Gorgo, soit on les ban ensemble, tu sais, souvent. Je ouais. trouve au niveau des drafts. C'est et vrai, voilà, alors, Gorgo, mec, regarde, plus, tu vois. alors qu'en plus, elles n'ont pas le même rôle dans la partie, tu vois. C'est ça, elles n'ont pas du tout le même rôle, et souvent elles sont ban à deux ou open à deux, justement. Genre, c'est trop marrant à voir ça. Du coup, à la place de Parking, qu'est-ce que tu fais là? Une petite civ à foi, gros. Moi, je pense que tu peux jouer une civ à... Je pense que tu peux jouer une civ à foi, mais je pense que tu peux attendre le dernier pick, qui est peut-être plus intéressant à récupérer maintenant. Il y a pas... La Mongolie est pas ban. Pourquoi il marque par contre, je pense il peut pas pick. Il y a un bug. Prennent la Mongolie, très bien. Ouais, je pense que Mongolie sur cette map, c'est pas ouf. Bah, à voir après si elle spawn pas très loin d'une civ navale ou autre, c'est chiant. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un peu le gamble, tu vois. Mais c'est sûr que quand t'as Mongolie à côté de Victoria ou du Japon. Encore, je trouve le Japon, ça va. Genre, mais encore, le timing Keshik, je trouve, a été vachement nerf. Hein. Avec le fait qu'il n'y ait plus les bonus de soutien, surtout la masse de Keshik. Il y a quand même été... Avant, à l'époque, tu pouvais pas taper avec tes chevaliers dans les Keshik. Aujourd'hui, tu peux trade véritablement. Moi, j'ai jamais compris. Cette manie de défendre des keshiks avec des chevaliers. Parce que les chevaliers, tu peux te les faire voler par la Mongolie.
Et puis les chevaliers, c'est pas non plus si puissant, bah, je trouve. Bah, le truc, c'est que t'as pas d'autres unités corps à corps qui ah, se tech facilement, qui ont la puissance de pouvoir trade des Keshik. Il y a le piqué. Mais j'ai bien dit qu'il se tech facilement. Le piqué, c'est bah, sur... Ça demande de faire mathématiques et tactiques. Ah, c'est, mec, c'est chiant à faire. Hein. Je te jure que c'est plus simple d'aller sur étrier que sur, sur les piqués. Hein. Et en mathématiques plus... et tactiques militaires, c'est autant de sciences que juste étrier. Mais oui, mais le truc, c'est en fait, quand tu vas chercher les piqués, contrairement, tu vois, aux quand tu vas chercher les knights, etc., en fait, les techs sont mortes derrière pour toi, en général, sauf si t'es une cinavale. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est des techs qui sont chiantes, tu vois, c'est vraiment chiant à aller chercher le piqué. En fait, il est mal placé dans l'arme, c'est surtout ça son plus gros problème. Ouais, mais moi, tu vois, quand je sais que je suis à côté de Mongolie, je fais... général, après, je fais genre bah, apprentissage, je vais chercher les piqués après. Et contre des Keshik, bah, j'ai en général aucun souci. Sauf si hein, il a un timing avantageux sur son renseignement, tu sais, avec l'agence du renseignement ou ah, mais genre, vraiment, ça genre, ça peut être c'est nul. Les piquets, en plus il dit Omega gros, si c'est pas des chocs en fait, les piquets ils ont pas les PM pour suivre des Keshik. C'est trop nul en fait pour défendre. T'as pas besoin de les suivre. Et puis les Keshik ils sont obligés de te tirer dessus à 3 cases, tu vois. Enfin, à 2 cases, pardon. Oh, mec, coup, moi, écoute, Chuck. Mec, j'ai jamais vu personne défendre des Keshik avec des piquets. Tu ouais. me montreras. Moi, la, parce moi, que, la dernière genre, fois, c'est la tellement. Dernière fois que j'ai joué, la dernière fois que j'ai joué contre une Mongolie, j'avais le Kree, donc il y avait 0 bonus militaire. Et la Mongolie en face m'a fait un timing Keshik, et c'est moi qui l'ai rasé sur les piquets. Mec, mais je sais pas, mec, en fait, c'est pas instinctif. En fait, c'est ça le problème. C'est que c'est pas instinctif d'aller tech les piquets. Il est là le problème. Je sais, mais pour moi, genre, c'est le hard counter des Keshik, quoi. C'est ah comme quand d'accord, bah oui, c'est logique. Qui arrive avec cuirassé, ils ont le plus 10 contre les UT, machin. 3 piquets de tir, les cuirassés, ça fait plus rien. Donc, et du coup, alors, on n'a pas parlé, mais pique France et Australie pour cuite impériale. Ok, donc on continue avec les piques maritimes, l'Australie. Australie qui est intéressant, Australie qui est maritime. Bah, l'Australie, estime à la fois. Elle rentre bien dans la compo parce qu'Australie, ça va faire beaucoup de stats et. Ils ont déjà leur 2 Siva Gold, donc dans le BO, t'es même pas obligé de partir port juste derrière tes campus, tu vois. Genre, je pense que l'Australie, elle va faire des grosses stats, elle va boost la team et tout, c'est vraiment pas mal, je pense. C'est quand même bien, hein, partir sur les ports après les campus, moi je trouve que c'est le... Parce et que Brésil, de... mec Brésil Ah, mec. C'est JR. Aïe, 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 si hype pour le Brésil. Brésil, alors, mec, j'espère... J'espère qu'il va spawn dans la forêt tropicale parce que mec, les Brésils qui spawnent et qui ont pas de forêt tropicale, j'ai juste envie de mourir moi quand je vois ça. Hein. Je te le dis. La game dans la semaine là où on a spawn à 8 sur la même mer, j'avais le Brésil justement et bon, j'ai pas eu un spawn hyper high roll au niveau de la jungle. Mais ça m'a pas empêché de sortir les petits minas. Les petits minas quand ils déboulent dans ta flotte. Ah donc... les minas mec, ça c'est une belle unité. C'est vrai que les minas en plus ça vient tellement tôt. Genre avec le Brésil, c'est un timing gros. C'est. Il est tellement bien ce timing, il est tellement plaisant. Genre tu débloques le charbon, t'as les minas en général. Surtout si t'as des potes qui peuvent te faire un peu de charbon. Parce que en général, c'est le plus gros problème. Bon, en général, tu. Et les minas, j'avais des minas dans la semaine avec un amiral qui tapait presque à 100 sur des caravels. Bah, du coup, les caravels ça défend à quoi? À 70? On va dire 75 avec un amiral? Bah, y a pas photo quoi. Ah bah non, mec, tu peux pas défendre des minas avec des caramels, c'est pas possible. Les minas, en plus, les minas, je crois, de base sont plus fortes que les battleships. Exactement. Donc, y a rien qui les défend. Ah, y a rien qui défend des minas, ça, je suis d'accord avec toi. Faut aller chercher. Mais j'adore le pire, c'est trop triste parce que le Brésil, j'adore la cive, j'adore le principe de la cive, mais le problème en fait, c'est son bias actuellement. Et je trouve que trop souvent, elle spawn sans les jungles. Et juste le fait de spawn sur une jungle, ça fait que bah, tu joues une cive morte. D'accord. Et moi, je pense qu'il faut choisir la map où tu joues le Brésil. Donc, tu joues pas Brésil sur toutes les maps. Mais moi, il y a des maps où je pense que le Brésil est intéressant. Et je pense que Primordial, par exemple, est intéressante pour jouer Brésil. Je pense que Island, par exemple. Parce que Island, tout le monde a de la jungle. Tilted, j'ai fait quelques tests. Et je pense qu'il y a un truc à faire sur Tilted. Oh, Brésil, Primordial, nouvelle strat. Primordial, on rappelle, pour ceux qui connaissent pas la map. Et Season 6, en vrai, mec, ça pourrait pas se jouer Brésil, Season 6. Si, mais t'as moins de jungle que sur Primordial, parce que Primordial, c'est plus de volcans, plus de marais et plus de jungle. Ah mec, j'ai jamais lu la map à temps. 26. Primordial. Mec. Ah bah non, c'est pas marqué. Mais du coup, 76, moi, pour moi, c'est bien le Brésil.
mais t'as pas forcément de la jungle tout le temps, quoi. Alors que Island, t'as de la jungle 100% du temps, on va dire que Primordial et Tilted, t'as de la jungle en 80% du temps. On va dire que. Eh ben, on espère qu'il aura de la jungle dans cette map, parce que j'ai pas envie de voir un Brésil IRL. Comme toi, quand tu avais joué ton Brésil, lors... c'était la finale FFA, je crois. Finale tournoi FFA, ouais. Finale tournoi FFA. Oui. Avec ton vieux Brésil, là. J'avais une jungle sur tout mon empire. J'avais une grosse chaîne des montagnes qui me bloquait la jungle au nord. Elle était trop triste, cette moyen... game. Mais il y a moyen de faire des trucs quand même sans jungle avec le Brésil. Avec un des principaux bonus du Brésil, moi je trouve que c'est les points de personnages illus que tu récupères. Parce que je sais pas si tu te souviens des bonus du Brésil, tu récupères 20% des points de personnages illus que tu dépenses quand tu achètes un personnage. Donc si tu achètes genre un ingénieur à 100 de points de personnages illus, bah tu vas en regagner 25 directement. Ce qui fait qu'en gros, quand tu pars sur un build avec des plateformes co par exemple, bah tu peux très facilement mettre la mainmise sur les deux voire trois des marchands de la deuxième ère. Surtout. Attends, donc ça c'est une primordiale. Ok. Je vais peut-être fermer des trucs, j'ai peut-être un peu trop de trucs ouverts. Je vais fermer quelques trucs. Pour la sainteté de mon PC. Australie sans port, tu défends comment tes villes côtières, mais t'as pas besoin de port pour faire des bateaux, hein, down. Tu peux très bien faire des bateaux, puis hop des caravels. Ok. Bon. Oh mec, et là tout de suite là? On spawn au milieu de la map, et là t'as un setup Japon-Victoria. Particulier. Mec, c'est trop bien en vrai, c'est le copain avec qui tu veux trade, et ils sont freesim. Hein. Et ils sont total freesim, gros, y'a personne pour les emmerder. T'as même en plus... Oh là là, ce spawn australien. Oh, t'as des beaux attraits en plus. Là, là tu cliques campus, là. Là le non, petit récif. Tu cliques élevage, bat first, parce que je sais pas, t'as vu la cape, là? Ah, j'avais pas vu les moutons. Mec. Waouh! Bon, tu fais élevage et après tu fais les campus parce qu'en effet, beaucoup plus. Oh là, attends, j'aime. Voilà, c'est ok. Et en plus, mec, j'avais pas vu! Oh, il regarde sa B2! Non, mais attends, c'est incroyable! What the fuck? Et regarde, il va poser sa B2 genre vers la vigne et regarde le petit campus sur le salpêtre là en bas. Ah ouais, mec, je l'avais pas. Oh, ya ya. Oh, bon, un spawn australien, mec! Au petits oignons là. Alors là, si quitte, c'est Poulpe. Donc alors Poulpe qui a un très très bon spawn, excellent spawn australien même je dirais, des pâturages, des campus insane. Elle va passer une bonne game. La jungle, elle a pas de marée, pas de plaine, pas de foot plaine, des plaines inondables. Des foot plaines, ouais, des plaines inondables. Et voilà. Donc à côté, juste à côté, donc nous avons donc Rigi qui est dans l'équipe à Poulpe, donc qui est avec l'Australie, qui a lui aussi un excellent spawn, une petite tortue en plus, genre on demande rien de mieux, il y a beaucoup de tortues, un settle de 2, des 2-2 à travailler, peut-être un petit problème sur les expands, mais bon ça devrait aller je pense. Quoique mec, les expands sont un peu gênants. Hein. Est-ce qu'ils peuvent se partager, mettre une ville canal chacun là, sur le bras de terre? Enfin, je crois pas, hein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, oh c'est une pile. Non, la cape anglaise, vu qu'il a bougé. Il pourra pas, vu qu'il a mis la cape. Mais voilà. Ok, encore à droite, nous avons donc le Japon qui est toujours dans la même équipe. C'est toujours la même équipe, ça. Hein. Le Japon qui a lui aussi poisson récif, une B2 avec full tortue. Je pense que cette B2 doit aller au Japon. Il y aura du coup quelqu'un avec qui trade très tôt dans la partie. Et ça, en vrai, c'est vraiment pas mal. Hein. Quand tu peux faire beaucoup de gold assez vite, il y a. Des cités-états, il y a une CSA, deux CSA kills. Bon, après l'Aventa, ouais, si l'Aventa ça va en vrai. Bon, il y a deux CSA kills. C'est un port, un campus, t'as pas besoin de plus. Hein. Et voilà, un spawn peut-être un peu. Manque un peu de place peut-être. Ouais, je pense qu'il va galérer à trouver à les settle rapidement des expands. Ah, je pense que tu rush construction navale et puis on y va quoi, ouais, c'est parti. T'as la B2 à droite vers le cacao. T'as une B3 sur le bras de terre à gauche, mais du coup ça deny des settles à l'Angleterre. Ça va être intéressant de savoir comment ils vont se répartir l'espace. Ok, alors au nord de tout ça... Est-ce que tu peux regarder s'ils ont mis les ridges en standard? Ils ont mis les ridges en standard, j'ai vérifié. Enfin... mec, attends mec. Primordial, parce que sinon les volcans n'explosent pas. Mec, voici le mur de la mort. Donc là nous avons à gauche la comté. Alors, donc, au nord de tout ce beau petit monde, nous avons donc, je sais pas si c'est qui joue quoi. Ça c'est Firso, ça c'est JR, ça c'est Titit.
C'était qui le quatrième? Et c'était Azagi. Non, ça c'est Azagi. Et ça c'est Azagi. Donc Azagi, Azagi sur sa Mongolie, qui a un bon spawn. Il a du tabac à travailler. Il n'aura pas besoin de mettre la carte. Tu pourras mettre la carte Unprod. Il part bat first. Il a beaucoup de pâturage. Bon, il ne sait pas encore. Il a un petit poney ici. Il a une chaîne de montagne. Par contre, cette chaîne de montagne va le gêner. Oh, il a surtout une petite case de foie là à gauche avec la teinture. Ouais, ouais, le tabac il là. Il va travailler et... rapidement et bloquer le DS des pâturages à l'Australie. Parce qu'en général, avec l'Australie, t'aimes bien avoir DS des pâturages. Mec, par contre, il est sur le continent à épices. Regarde là cette ville dans la choke. Bon, c'est chiant parce que t'as pas beaucoup de cases à travailler. Mais genre, tu mets une ville ici et une ville là pour contrôler la choke. Pour pouvoir ensuite te déverser avec les keshiks sur tes adversaires. Mais un map, un land un peu lent, je dirais, parce qu'il a pas beaucoup de settles, enfin il a tous les settles à droite sont bloqués. Ouais, et puis quand tu vois la tronche du land en haut, il est un peu obligé de settle au sud, quoi. Ouais, là, bah, après, ouais, c'est vrai qu'elle donne pas envie de land en haut. Là, le petit désert, en fait, le petit désert qui fait chier là. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre après dans la map? J'ai vu ici qu'on avait du coup l'Indonésie. L'Indonésie qui partira, settle truffe, une banane 3-2 à travailler. Ça c'est des belles cases. Ça c'est des belles. Oh, le Japon qui crash. Sûrement le bug HUD. Je pense qu'il y a le bug HUD, ouais. Je vais baisser encore un peu le son de la musique. Et tout le monde qui déco carrément. Il y a un relobby, j'ai loupé quelque chose. Je crois que j'ai dû louper quelque chose, non? Tout le monde a déco, tout le monde rejoigne. Attends, parce que du coup, ils sont en train de rejoindre sur toi. Attends, je vais quitter, mec. La game, elle a avancé entre temps. Mm-hmm. C'est là que t'es content quand tu joues un K. Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi, ma dude? Ils sont en vocal quelque part? Riggy, remets un lien. Mec, on est d'accord, moi j'ai pas vu de MP, enfin j'ai pas vu des gens parler. En tout cas, et mec, un cas ça doit être sympa dans cette map, un cas en vrai aussi. Je sais pas trop, vu que c'est une map que moi je juge assez navale, l'Inca a pas beaucoup d'arguments pour lui en jeu naval. De ce qu'on voit, mec, c'est pas tant naval que ça, quoi. Il y a du naval, mais ça va en vrai. Ça va en vrai. Bon, du coup, alors l'Indonésie, on pense quoi, mec? Settle sur une ivoire, une banane 3-2 à travailler. Je pense que c'est des bonnes cases en early. Après, mec, bonne case à travailler rapidement. J'ai pas l'impression qu'elle avait d'autres 2-2 à travailler rapidement, mais bon, elle va partir. De toute façon, elle va prendre Dieu de la mer, elle va deny Dieu de la mer. J'ai vu qu'il y avait pas de poisson récif, donc ça sera pas du high roll non plus. Elle a pas des très bons poissons. Il y avait pas mal de petits poissons dedans. Ouais, il y en avait pas tant que ça non plus. Je trouve en termes d'high roll au niveau du poisson, tu vois, il y avait vraiment pas beaucoup de poissons sur son land. Ouais. Pas high roll sur l'ivoire en 3 et les boissons. Bah si mec, enfin... mec, quitte à se faire plaisir. Autant se faire plaisir sur tout, la totale. Il fallait streamer pour ça, le fameux streamer spawn. Je sais pas si Fifi est dedans. Et qu'on n'a pas vu comme spawn aussi, on n'a pas vu le Brésil. On attend tous avec impatience de voir ce que le Brésil ça va donner. La France on n'a pas vu et Rome on n'a pas vu, c'est ça? C'est les trois spawns qu'on a pas vu. On n'a pas vu le Brésil, la France et Rome. En train de chialer dans vocal. Ah, Firso, putain, quel dog. En fait, je crois qu'il va perdre, en fait, il va perdre son pseudo lorsqu'il va rejoin. Bah, c'est vrai qu'ils avaient tous rename. Bon, JR, lui, qui a rename carrément Steam, hein. Il a pas rename juste dans le lobby. JR qui a rename Steam, gros. Bah, quel écoute, dog. Il a bien raison, il sait comment contourner les problèmes. Là, je vois deux personnes d'écho là.
Attends, je vais juste rejoindre au cas où. Pain, 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 point, point. En tout cas, c'est cool de voir une petite primordiale. Restez pas là, on a... Au niveau des drafts, toi, est-ce qu'il y a une draft que tu préfères à l'autre? Moi, je préfère la draft avec le Brésil. Forcément. Et moi, j'adore les drafts qui ont des pics un peu qui sortent de l'ordinaire. Et bon, le Brésil, on peut pas dire qu'on en voit très souvent. Quoi? Mais comment ça? Ça sort pas de l'ordinaire, le Brésil, qu'est-ce que tu me racontes? Ça sort pas de l'ordinaire. Quand je vais proposer de le sortir avec NPA, on me regardera. Même chez NPA, on me regardera, on me dira, ouais, mec, tranquille, tranquille. Mec, tranquille, tranquille. Mais moi, en vrai, le Brésil, j'adore cette team. Hein. Je la trouve trop stylée. Hein. Elle est super forte. Tu sais qu'à l'époque, je crois, quand je commençais à jouer Civ, vraiment quand je commençais, hein, j'adorais jouer le Brésil. Je trouvais cette Civ trop bien en fait. Mais à l'époque, il n'y avait pas ce bug de... En fait, tu spawnais tout le temps dans ta jungle. Donc du coup, il n'y avait pas ce problème de... ouais, j'ai peut-être pas mes trucs. Peu importe la map, t'étais dans la jungle, gros. Peu importe la map. Parce que c'est vrai que c'est quand même le pire point de la Civ actuellement. C'est... tu joues une Civ des fois sans bonus, quoi. Enfin, c'est quand même dommage. Puis Brésil, meilleur OST de jeu après le Maori, bien évidemment. Et après, Chaka a crié. Non, pas le cri. Quoi? Mais le cri, c'est trop bien, mec. What the fuck? C'est la fête, c'est comme le Chaka. T'es là, on s'ambiance. Pendant 2 heures, t'as des mecs qui psalmodient là dans tes oreilles, là. T'es là. Tu ressors, t'as. Fais des sons de tam-tam et de tambour. Ah, ça y est. Il manque que de luxe. Ok. Ok, on va pouvoir y aller. Let's go. Let's go. Ça vient de quoi ce bug ATH déjà? Je crois que c'est qu'il y en a des specs, non? C'est un truc comme ça? C'est possible que ça vienne du mode spec. Tente de corriger ça. Et ça fait un moment que j'ai pas vu Jack Generator. Je sais pas ce qu'il est devenu. Mec. BBS a été abandonné? C'est... je sais pas. C'est terrible. Surtout que Jack Zanator il gère pas BBS, il gère pas que BBS, il gère BBS, MPH et Vector Spectator Mode. Oh non, notre modeur a disparu, mec. Recherche modeur BBS, afin d'assurer au Brésil de spawn dans la jungle. Pour voir plus de Brésil. Parce qu'en vrai le Brésil, mec, ça fait des stats, hein. Peu importe ce que tu pars, hein. Tu pars de culture, science, gold, tu fais des stats, hein. Ça fait pas mal de stats et... Parce que mec, quand tu poses un hub à plus 5 là, pouf. Ah, c'est pas mal, hein. J'aime bien que le Brésil, c'est justement partir plateforme co. Et tu peux faire une de ces lèvres pensées avec le Brésil. C'est comme le Mali, je pense. Incroyable. Parce que des fois, les lèvres pensées avec les 6 plateformes co, c'est un petit peu poussif, tu vois. Et là, t'as tes plateformes co à plus 3, plus 4, à côté de ta place de goût. Au Brésil, lui, c'est plus 5, plus 6. Ah, ah, voilà un joli spawn brésilien. En plus, il a de l'ivoire. Oh, pff, pff, pff. Oh, ça, c'est... Il a juste été meilleur. Oh, God Gamer, ça, hein. J'ai reconnu, hein. Un spawn diff, hein. Oh, mec, il est joli, son spawn, hein. Attends, qu'en plus 6 ici, ah, là. Il est stylé, son spawn. Il y a des trucs à faire avec son spawn. Mec, Est-ce qu'il y a des voisins J'ai l'impression qu'il est frissime, hein. Oh, mec. Oh, attends, je viens de voir une petite dinguerie, là. Ok, j'ai vu une petite dinguerie. Alors, Brésil, qui a un très bon land de Brésilien, il a de la forêt tropicale partout pour lui mettre... pour qu'il puisse avoir des agency avec ses quartiers. Et ça, c'est incroyable, ça. Quel plaisir. À gauche, en haut ou au sud. C'est vrai que même les settles sont pas bloqués par les montagnes. Ça, c'est très important au de le préciser. Il y a pas beaucoup de jungle, mais par contre, il pourra settle le sud et mettre ses quartiers vers le haut. Mec, regarde, tu vois, genre, il s'est mis une ville ici, mais un campus là, tu vois. Hop, petit campus plus 4. Tout à fait d'accord avec toi. On est bien. Donc, du coup, alors, ce qu'on n'avait pas vu, c'était la suite du spawn. A l'air d'avoir un spawn ok. Moi, j'avais pas vu la des moutons. Bon, ça devrait aller. Ça devrait aller pour l'indo, pas de problème. Et surtout, mec, j'ai vu une arène. J'ai vu une arène. Parce que là, t'es Rome, t'as une ville au sud. Là. Elles sont où tes prochaines villes? Elles sont vers la France. Et là, t'as pas trop le choix, là. Et là, mec, c'est ouais, qui joue Rome? C'est pas la cible la plus démunie face... Avec c'est JR. Tu poses la question, qui joue Rome chez Parking Land? Alors, on sait jamais, peut-être que JR aurait pu être inspiré et jouer une autre cible. Je voulais y croire.
En plus, il a bien spawn, hein, que ça soit 2-2-1, qui lui permettra d'avoir le monument. Soit 2-2-1, ici on a servi des 2-3. Mec, on a des spawns qualitatifs chez tous les joueurs, en vrai. Ouais, tous les joueurs ont des bons spawns. Après, le Japon, ouais, qui a manqué peut-être un peu de place. Mais tout le monde a des bons spawns, globalement. C'est une bonne map, Primordial. Attends, mais je regarde les spawns de tout le monde, c'est une bonne map. Pourquoi on joue pas plus cette map? Primordial, c'est une map où, en général, les joueurs vont plus souvent spawn dans la jungle. Et ben, quand tu spawns dans la jungle, en général, t'as des jungles 2-2, tu vois. Mais mec, on va jouer Primordial tout le temps chez NPA maintenant. C'est... Moi, je veux rien entendre. Alors, qu'est-ce que ça part? Astrologie first. Juste avant, est-ce que tu peux regarder si la France et Rome sont sur la côte ou sur la mer d'un des jours navals? L'Indonésie, si c'est à la gauche, et bien sûr le Canada. L'Australie, si c'est à la droite. Ok, donc ni le Japon ni Vikid ne peuvent intervenir, on va dire, sur la France. Si, mais dans très très longtemps. Ah non, même pas. Si, non, même pas. Pas de ville canal. Attends, si, il y a une ville canal. Il y a deux villes canal. On peut faire un canal de ville ici. Il faut les voir. Il faut les voir. Mais bon, t'auras déjà remis le Brésil avant, quoi. Rome sur le même continent que la France. C'est vrai que, mec, dans cette arène, gros, si on en arrive aux gardes, je te jure, c'est la France qui gagne. Après, le land n'est pas non plus incroyable. Pour push, t'as deux tiles à gauche, une taille à droite. Ah bah c'est plus pour Rome, mec, si là, tu viens, là, mec, tu mets une ville sur le bétail. Bon, c'est chiant parce que, du coup, t'es sur l'océan de l'Indo. Mais là, tu mets une ville sur le bétail, t'enlèves beaucoup de settles. Même tu mets une ville un peu plus près, hein. T'enlèves tellement de settles à Rome. T'enlèves les settles de Rome, mais l'Indo va arriver avec les jonques, là. Mais c'est des villes qui atteignent pas les gardes impériaux. C'est des villes qui atteignent pas les gardes impériaux, je suis d'accord. Moi, ce que j'ai un peu peur aussi, c'est Deluxe. Il faut que. C'est important qu'il garde cette choke là. Parce que ça serait terrible qu'une unité vienne se poser dans cette choke en early. Et que tu puisses pas. U de la jungle. Le nom de la cave de Fifi. De la jungle. Alors, bon, je vois pas de hutte de dingue pour l'instant. C'est parti, navigation pour beaucoup de gens. Astrology first pour Firsos quand même. Azagi, j'ai vu qu'il était parti. Azagi Batista. Astrology first pour le Brésil, c'est un DBO qui se joue avec le Brésil. Que moi, je suis pas très aficionado des plays avec les Lucens de la foi, mais Brésil, Lucens, Chemin Sacré, c'est un plays qui est tout à fait jouable. Firsos a posé son premier Lucien, qui est un Lucien plus 4. Il sera, s'il prend Death des Rivières, plus 6. Mais tu prends pas Death des Rivières. Astrology first avec le Brésil, du coup, c'est. Je sais pas, est-ce que tu prends Death des Rivières? Si, tu peux prendre Death des Rivières. Regarde toutes tes villes. Vont pouvoir poser des lieux sains adjacents à la fois à de la forêt tropicale et à de l'arrière. Regarde, s'il met une ville sur le bétail comme tu disais en bas, il met un lieu sain en bas de la badane, plus 4. Ouais, c'est vrai. Et en tout cas, ça veut dire que tour 7, il a eu astrologie, donc ça veut dire qu'ils ont trouvé une merveille. Ah mec, et là mec. Et là, Gérard, il voit son petit sud, il se dit merde. J'ai pas de settle au sud, j'ai la France au nord. Et là, mec, en plus, regarde cette ville, hein. Deux tortues, t'as envie de la poser cette ville. Hein. Deux tortues et un servidé en 2-3. Bah, et un servidé en 2-3, mec, tu la poses, là, c'est ta B2 avec Rome, normalement, ça. Tu la poses sur le marais, hein. Ah, mec, hein. Incroyable, cette ville. Alors, est-ce qu'il y a une des teams qui voudrait remap, en vrai? Peut-être JR pourrait râler un petit peu par rapport à son spawn, ouais, comme quoi il est vachement box. JR va râler dans le sens où il ne faut pas poser 10 villes. Ouais, voilà, c'est ça. Peut-être JR va râler un petit peu sur son spawn, mais je les vois mal remap. On a quand même un. Ouais, quoique Azagi en vrai, pas un land facile non plus. Hein. Mais après, globalement, tout le monde a des bons spawns. Hein. T'as pas trop envie de remap ça. Hein. Peut-être ce Deluxe, pour le coup, et même. C'est qui joue? C'est Riggy, même l'Angleterre en vrai. Hein. Ses expands sont pas évidents à Riggy. Il a 3 scouts, hein, l'Angleterre. Il a 3 scouts l'Angleterre. Moi je vois même peut-être un remap, mais bon, ton Australie elle a un spawn godlike. Enfin, je sais pas. Mais est-ce qu'elle voit ce Kilimanjaro au sud ou pas, Paul? Elle ne l'a pas vu normalement parce qu'elle a fait bat first et un guerrier est parti au nord. Elle a pas vu ce Kili. Elle a pas vu le Kili. Ah, ça c'est le truc de partir bat first, hein, c'est que tu vois pas grand chose. Hein. Et voilà, et remap du coup pour cuite. Enfin, je te disais, c'est pas évident, tu vois, les expands de Riggy, même s'ils ont overroll des bons lands, les expands de Riggy pas évident, la France qui est box sur une île, le Japon, pas coup, évident son land non plus. JR qui était prêt pour la bagarre. JR qui était prêt pour la bagarre, mec, bah...
Il était parti Astrology First. Il était full prêt pour la bagarre, j'y ai. Ils ont bien fait, ils étaient dans la gigasauce. Ah, c'est vrai qu'en termes d'espace, quand même, Barking Gang avait un meilleur contrôle au niveau de la map, au niveau de l'espace, ils avaient un meilleur espace. Krista a eu peur des grosses couilles de JR. Je pense pas, Krista il a très vite compris qu'il était sur une île. Enfin que Seattle était potentiellement que Coastal. Avec la France, t'as pas trop envie d'être Coastal. En fait, avec la France, tu préférerais par exemple être au milieu là. Comme un Brésil au milieu de tout le monde. Oh, c'est dommage, hein. Enfin, Barking Gang, ils avaient des vraiment bons spawns. Hein. Je pense que globalement, tout le monde avait... Oui, tout le monde avait un bon spawn. Tout le monde avait des spawns jouables. Hein. Ouais, je pense, ouais. Spawns, ah ouais, carrément. On est loin des spawns 102-2 ou des spawns... On est loin de des... On est loin des blancs de petits continents, quoi. Des spawns sur plateau d'île. Ouais, bonsoir, je viens de remap. Qui a remap? C'est Cuit Impérial qui a remap. Ah, mec, ça ressemble plus à une 76 pour le coup. C'est vraiment des belles maps. Et on va jouer plus souvent Primordial. Hein. Mec, j'aime beaucoup la gueule qu'ont les maps. Hein. Oh là, je vois pas. Oh, l'accident. Je viens de voir l'accident. Est-ce que ça remapperait pas tour 1 là pour le Brésil? Mec. Regardons un peu ce spawn, recherchons les forêts tropicales pour les bonus du Brésil. Et voilà, typiquement, voilà le problème du Brésil actuellement. En plus, il spawn, sa cape est collée à deux montagnes. Voilà, quand tu spawns sans jungle, en fait, tu spawns avec une Sylvania. Tu vois, genre, pourquoi ça? Pourquoi Jérusalem spawn ici? Pourquoi c'est pas le Brésil qui spawn là? Mec. C'est un spawn comme ça, se trouve, il y a un autre voisin. Même pas, non. Non, mec, il y a personne. Regarde ça, il y a personne. Il y a Japon ici, mais il y aura... Bon, bah alors le Brésil qui a un spawn nul. Hein. Mec, moi je demande à ma team de rime. Là, tu joues une Sylvania. T'as aucun bonus. T'as zéro bonus. C'est très triste. Tu vas dire, les gars, je vais settle la case d'en haut. Je serai peut-être sur mes chevaux. Mais même pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un japonais. Japonais qui peut settle Olive. En vrai, moi je pense que je décale et je settle Olive. T'as tes deux à côté. Pas. En plus de l'autre côté de la nerf là. En plus ce settle Olive t'ouvre le settle Mercure au sud. Il est en spawn ok. Et il y a un settle B3 en haut avec une banane 3-2. Et il y a un settle en haut avec une banane en plus. Mec il a un bon spawn le japonais. Ah ça y a une nouvelle Wonder. Mec, elle fait quoi cette Wonder? Elle donne juste deux cultures. Elle fait la culture c'est tout sur les cases de... désert et de désert play inondable. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Londres qui est sur un bras de terre qui est à côté de son ami l'Australien. Donc, ils sont encore dans un setup très agréable hein, ici. J'ai vu un truc en dessous de l'Australie, c'est encore mieux que le Kilip avec l'Australie. Après, les attraits sont pas très jolis. Hein. Là, il y a Oh non, c'est terrible. Il y a, des marées, mec. L'autre case, l'autre case sur le. Marée marre. Terrible. Mais un spawn pas très ouf en termes d'attrait pour bon si là il y a la petite île là. Ouf en termes d'attrait et c'est surtout pas ouf en termes de snowball en early parce que t'as un bétail alors qu'en général t'as qu'un bétail ça ouais. Après t'as des top poissons récifs, t'as des bons expands. Après c'est plus l'attrait qui me dérange sur l'Australie, genre tu veux vraiment des spawns comme la game d'avant avec énormément d'attrait. Oui, après l'attrait ça se travaille, hein. Il y a par exemple, tu prends le spawn australien, tu mets un campus en bas à droite là, sur la montagne. Tu peux mettre genre une petite place du théâtre, une petite merveille pour travailler ton attrait, je pense que ça se fait assez facilement. Ouais, je suis d'accord, mais bon, un spawn qui est ok, mais sans plus. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a Londres qui est sur ce petit bras de terre qui n'aura pas beaucoup de settle, mais je pense que ça va remap hein, du côté de Barking Gang, juste ouais, à cause du spawn du Brésil. Parce que là, le Brésil, en vrai, c'est vraiment c'est trop dur, mec, de jouer ça. Ok, ouais, alors du coup... Vite fait, il va voir si sa B2 sera dans la jungle, ce qui ne sera même pas le cas. On a la Mongolie qui ne pourra jamais... Mais... Oh. Mec, pourquoi cette Wonder est au milieu des montagnes, là? Ok, on a la Mongolie qui ne pourra jamais aller embêter... En fait, si, non. La seule personne qu'elle peut embêter, c'est la personne qu'elle n'a pas envie. La France.
Donc une Mongolie qui va être pas useless, mais qui va pas jouer avant les tanks et les artilleries. Qui a un spawn plutôt ok, qui a des bons campus, qui a des très bons campus, il est dans les montagnes. C'est settle, il a des rivières partout, c'est un bon spawn en vrai. C'est vraiment un bon spawn qu'on a pour le moment. Ok, après la position est pas celle qui... La position est pas idéale. C'est pas la position qu'il veut quoi. Settle sur quoi? Sur un coton, on a l'Indo qui part bat first, qui va du coup prendre Dieu de la mer. Qui s'est settle sur un coton, qui a un land... Je dirais pas ouf pour l'Indo parce qu'elle a pas vraiment des campus rapidement. Genre faut qu'elle tech. Elle a son campus tout le bétail là par exemple en bas. Ouais mais tu vois pareil, elle doit tech, elle doit forcément tech, tu vois, soit bétail, soit équitation, ouais. Soit travail du bronze, ouais, soit machin. En vrai, ce qui est vraiment dérangeant quand tu dois poser des campus, c'est aller travailler du bronze. Mais juste minage ou juste élevage, en vrai je trouve que c'est pas si dérangeant parce qu'en général le temps que tu sortes tes deux colons, le temps que tu commences à peut-être te sortir un monument, t'as toujours la tech qu'il faut pour poser un campus. Ah ouais. Mais bon, Varol, sinon un bon spawn, elle a quand même beaucoup plus de poissons qu'avant, et on est surtout sur le... Ah non, on n'est pas sur le continent Apis, j'allais dire. C'est la Mongolie qui est le continent Apis. Ok. À droite de tout ça, on a Rome, qui est encore une fois sur une sorte de bras de terre, mais cette fois-ci avec beaucoup plus d'espace, qui est encore une fois en front de la France. Qui a un spawn, ma foi, le spawn, oh c'est le spawn Apis, il va pouvoir settle coastal pour pouvoir trade avec son copain l'indonésien. C'est dommage, c'est DK, le fait c'est DK et mouton, mais bon ça il le sait pas, il s'est niqué sa settle truffe. Dommage. Point d'interrogation. Oh ça y est, JR qui taunt. Ok, on a la France, alors moi on m'a vendu. Cette merveille, c'était la meilleure merveille du jeu, mec. Mec, deux de science, vous vous rendez pas compte. Cette merveille, elle est incroyable. Les cases autour, faut pas. Les cases autour sont ok. Mais... Et par contre, quand ça aura explosé trois fois et que ce sera des 3-2, 1-3, là. Parce que c'est comme le Vésuve, cette merveille. C'est comme le Vésuve. Ça peut aussi donner de la culture sur les explosions. Ok. Mais par contre, si ta ville est à côté et qu'il y a une explosion, la pop est ravagée. Hein. Bon, cette fois-ci la France qui a un bon spawn et qui a surtout un bon positionnement. En général, quand vous piquez la France, vous voulez plutôt aller embêter vos adversaires. Et là, il est dans la position qui est idéale pour faire ça. Et en plus, surtout, il est dans la position idéale, il est face à la Mongolie. Mongolie qui a des bonus militaires par rapport à la visibilité diplomatique qu'elle a contre vous. Or, la France a plus 3 de visibilité de diplo, quoi qu'il arrive. Elle a plus 1 de niveau de renseignement sur vous, quoi qu'il arrive. Donc du coup, la Mongolie, c'est très très rare. On est tour 3 et ça commence. Ah ouais. Ah ouais. Ensuite, ouais. Là, genre, tu vois, tu poses ta B2. Là, tu poses ta B2 ici, là. En plus, c'est les cases où tu mets une ferme. Putain, moi, les couilles, t'es même pas obligé de mettre une mine, hein, tu mets une ferme. Elle est pas mal cette merveille finalement, j'ai rien dit, j'ai été médisant. Après le côté négatif de cette merveille, c'est qu'elle spawn. Il a regardé. Voilà. En plus il va la voir direct. Là mec, putain les gars. Je suis volcan avec deux de chance. Oui, c'est une merveille qui spawn costal, donc la plupart du temps la moitié au moins de ces cases sont inexploitables. Moi je pense qu'il y a un petit remap de Barkingan quand même. Alors surtout, regarde, en plus le guerrier d'Azagi, gros, il est parti, il sait qu'il peut rien faire au sud. Il a sûrement vu qu'ici il y avait des montagnes, donc il sait qu'il ne pourra pas intervenir à gauche. Firsos a zéro jungle, il n'a pas de bonus sur sa cive, je pense qu'il va quand même avoir un remap du côté de Barkingan. En plus, normalement, ils vont le voir. Ouais, ils vont peut-être pas le voir en fait. Mais ils ont la France qui peut les venir les embêter. Genre vraiment, en termes de positionnement, Barkingan, ils n'ont pas un positionnement idéal sur cette map. Même s'ils ont overall des bons spawns. Et Firsos qui repart à nouveau sur Astrologie avec le Brésil. Ah mais bon mec. Avec Ah tu prends à la limite les attraits, mais bon, enfin. T'as pas de jungle. Pourquoi ils ont pris Brésil? Eh, on parle pas mal du Brésil. Le Brésil sur Primordial, c'est une bonne civilisation. Mec, regarde, petit tube, mec. Pas mal, hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu settle cette case en B2? Est-ce que tu settle ça en B2 là? Est-ce que ça te gêne de settle 3 de science?
Bah moi, c'est la case au-dessus, là, la 1-3-1. Ah ouais? Sans eau douce? Parce que je suis proche de... Tu fais grenier first? Oh, ouais, mec non, oui, jure. Oh! Une relique pour Krista. Et une relique pour Firsos. Le même tour! Alors ça, mec, en même c'est temps... La... Alors ça, c'est ça, marrant, c'est le... ça. C'est la déesse du feu qui part pour Krista. Mec, mais tu prends une déesse du feu, t'as une relique, gros. Bah, tu cliques. Mec. Ah, est-ce que, du coup, cette relique, ça serait pas le bait pour ne pas remap en mode je go déesse des attraits? Ah, c'est dur, quand même, hein. C'est dur de jouer ça avec un Brésil. C'est dur. Moi, je serais pas content. Là. Ah, mais est-ce que cette relique, justement, c'est pas, mais... c'est pas le bait, cette relique, en mode OK, les gars. Si, ça peut être le bait, surtout que lui, il veut... moi, pour moi, genre à sa place, ça aurait pas été le bait, parce que moi, mec, je sais que je peux pas jouer foi, en général, avec le Brésil. Mais lui, lui, il va peut-être jouer foi, donc il va peut-être dire, bah, les gars, j'ai une relique, donc plus de foi en early, mon panthéon plutôt. Encore une relique ! Poulpe ! Mec, il y a trois reliques déjà. Ok, qui va avoir... À la place de Krista, tu fais un lieu saint, reliquaire, dieu du feu, pour... Mais mec, tu fais tellement ça. Pourquoi le Brésil a le polo spawn Teddy Bulmus? Ah bah parce que le Brésil a bien été codé, cake. Tu sais qu'à propos de Teddy Bulmus, c'est ce que Lège, il joue... Oui. Le match en même temps... Il le joue, non? Jure. Il y a Ulysse contre Sphinx, et il joue Teddy Elan. Mais j'en ai discuté l'autre jour avec lui. Je crois qu'on n'était pas en stream. On discutait comme ça tranquillement, lui et moi. Et il m'a parlé de son Teddy Bulmus et il m'a montré des screens et tout. Ouais. Avec et... Après, je suis d'accord, c'est une bonne cible, ça fait des grosses stats, etc. Mais t'as besoin d'être flexible. Oh non tour. T'as besoin d'être flexible pendant 60 tours sans pression. Mec, je me sens tellement triste pour ce Brésil. Envoie-lui un petit message, tu fais force à toi, Fifi. Je vais lui envoyer. Il est où? Il est où, Firsos? Attends, pas que je me trompe, hein. Usos, là, rien vrai, mec. Force à toi. Usos. Ok. Mec, par contre, s'il prend pas Death des volcans et il settle pas ce volcan, la France, je le comprends pas, par contre, hein. T'as envie de chialer. Fallait remap. Est-ce que c'est eux qui avaient le remap? Oui, en plus, c'est eux qui avaient le remap, ouais. Ouais. Après, en vrai, avec le Brésil, bon, c'est clair que ça fait chier de pas avoir de jungle. Bah, surtout, en fait, mec, ils le savent pas, mais il y a deux reliques en face. Ouais. Mec! Et surtout qu'en plus, c'est le bait dans le sens, les gars, on a une relique, et c'est le même tour que l'équipe en face, donc ils savent pas que l'équipe en face aussi a une relique. C'est vrai. Ça. Parce que des fois, tu sais, tu vois le petit onglet qui ouvre les chefs-d'œuvre là-haut, tu te dis, ah, l'équipe en face. Alors, c'est qui a son panthéon en premier? Krista qui vient de pop dans une hutte. Il est à 4 de pop, tour 10. Non mais par contre, hein, vraiment, s'il prend pas Death du feu et qu'il settle pas le volcan, je vais vriller. Hein. Je sais que t'es la France, mais faut le faire, hein, par contre. Hein. Des fois, faut le faire. Des fois, faut savoir s'adapter. Je pense que c'est le genre de panthéon trop fort. Où... Mais surtout qu'il l'a hyper tôt, genre là, il l'a... Bah tiens, voilà. Ah oui. Alors. Mec. Il a pris quoi? Death du feu. That's my boy. Comment le colon va partir? Il va courir sur les trois de science. T'imagines, ça sera un settle en 2-3-3. 2-3-3, 4-4. Non, 2-3-3, 4. Et mec, mais là, tu mets un petit... Tu mets un pin de Petra. Non, il peut même pas poser de Petra. Il y a que des cases de jungle. Il y a que des cases de colline. Tu peux pas mettre de Petra. Après, c'est pas très grave. Comme t'as dit, je mets des fermes, t'achètes... Fait que regarde, t'as des 2-3, il y a une tempête de sable, t'achètes la 2-3, tu travailles les cases autour. T'es tranquille. Fait que, tu vois, tu gros à 2 de pop, et après, tu mets une ferme. Tu vois, par exemple, tu mets une ferme, travailles cette case, tu mets un petit machin. Enfin, tu vois, il y a des trucs à faire. Et puis, il va repéter le volcan, il va mettre des stats en plus. Est-ce qu'on a pris des attraits pour Fifi? On a pris des attraits pour Fifi. Tu penses que c'était le meilleur choix, s'il veut partir sur des lieux saints? C'était carrément le meilleur choix. Et moi, je pense vraiment que, comme je disais tout à l'heure, que le Brésil, même sans jungle, on sait clairement plus chiant, mais il y a moyen de faire des trucs. Bah, heureusement que... Une première monumentalité, into une grosse libre pensée pour rapidement aller sur les Minas. La guerre est déclarée. Ah. Ok, ça c'est mythe. Non, c'est ici. La France a scouté Rome, mais c'est surtout voilà pour empêcher d'avancer dans la choke. Et on a le premier le saint qui est construit par Firsos. Que prend Poulpe? Cercle de pierre. Voilà.
Ah, beaucoup de cailloux. Martenor, il dit le Krakatoa va tuer le premier colon. Faut savoir que ça a été ça, ça a été patché sur, sur BBG. Normalement, ça a été patché. Les naturels ne peuvent plus tuer des unités civiles, donc les bâtisseurs, les colons, etc. Donc les volcans, les crues, etc. Encore ça. Une relique, c'est de luxe. Mec, s'il vous plaît, vous avez trois reliques dans votre équipe, il y en a un qui pose un lieu 5 qui part reliquaire. S'il vous plaît, de luxe. Dis-moi que t'es parti lieu 5. De luxe. Ah mec, il y a trois reliques dans la team, tu fais un lieu saint là, il y a quelqu'un qui parle lieu saint. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a est-ce que Lindo a eu Dieu de la mer? Lindo a eu Dieu de la mer, ouais. Ça aurait été turbo rigolo qu'avec les reliques, c'est genre le poulpe qui a pris Dieu de la mer. Ah mec, ils ont trois reliques dans l'équipe, s'il vous plaît, qu'il y en ait un qui pose un lieu saint, je vous en supplie. Vraiment, je vous en supplie, posez un lieu saint. Faites un reliquaire. Aïe 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 aïe. Par contre, en vrai, là, le spawn de Victoria est quand même un peu triste. Hein. Est-ce que tu peux faire le filtre des continents et voir si au nord, là, quand il aura la construction navale, c'est un autre continent? Non, c'est son continent, il est big. Par contre, à gauche, c'est un autre continent. Okay. Parce qu'avec Victoria, des fois, t'aimes bien avoir d'autres continents settle parce que les ports dessus sont plus puissants. C'est 2 d'or en plus par port, je crois. C'est, ouais, c'est ça, ouais. Bon, Azagi qui se frotte les mains. Là, il se dit, ouais, je vais avoir Death du Feu. Death du Feu, malheureux. Malheureux. Aïe, aïe, aïe. Là, ouais, ça a bien explosé. Hein. Ça a pété au moins 6 cases. Ah, c'est un beau volcan. B2 pour le Japon. Japon qui a. Mec, là, tu vois, sa cape, elle est en 3 d'activité, puisqu'il a ses 2 luxuries. C'est pas mal. Ouais. Regarde, il va avoir le setup qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la B2 au sud sur le Mercure, ouais. La B3 en haut sur la banane, enfin à côté de la banane. Le Mongol a 2 cibles. Non, le Mongol il a personne à taper. Le Mongol il rentre pas dans la gamme avant les blindés et les artilleries. Enfin, si, non, il va embêter un peu la France. Et en plus, il aura même pas de temps de settle que ça, hein, parce que à gauche il est tout de suite bloqué. Y'a pas un monde où le Krakatoa est la seule merveille qui peut encore tuer des colons car elle vient d'un autre mode. Tu sais que ça, c'est vraiment possible. Ah! Déclaration de guerre, un bâtisseur 3 charges qui est récupéré auprès de Jérusalem de la part de notre ami Fifi. Bon, je pense que c'est bien, en plus ça reste. Mais attends, mais c'est un peu bizarre cette map parce qu'on a la France ici, mec, qui est toute seule du coup en Frissim. Enfin, en Frissim. Enfin, je veux dire qu'il peut pas aller à droite, enfin si, mais c'est la merde pour aller à droite, il y a des chaînes de montagnes qui bloquent. Et là, pareil, ici, gros, on a la Mongolie, chaîne de montagne, elle peut pas aller à gauche. Genre, en mode, ils sont tous les deux en mode, mais mec, il y a une sorte d'arène à 3, là. En mode, on fait la bagarre, les potes. Qui c'est qui a pété? En fait, je regarde lequel volcan pète, parce que j'ai envie de voir si c'est le Krakatoa qui pète. Aïe, aïe, aïe. Combien on a de fois par tour, déjà, pour... 9 fois de par tour, déjà, pour Fifi. Oh, j'ai tellement hâte que cette B2 settle là. Mec, on... Ouah, Fifi sans jungle sur... Bah ils ont pas voulu remap après hein. Ils avaient un remap Barking Gang, ils ont pas voulu l'utiliser. Voilà bah, hein, c'est possible de jouer comme je t'expliquais, c'est possible de jouer Brésil sans jungle. C'est juste bah... En début de partie t'es un peu Steve Vania, mais il y a moyen de faire des trucs hein. S'il arrive à faire un setup costal où il se sert des minas. En plus là dans sa position, ses minas vont lui servir à rien je crois en plus. Oh mec, regarde, attends, regarde les yields déjà de l'Australie. 17-19. Déjà en 17-19. Elle travaille, elle a pris 2 des carrières. Elle a pris 2 des carrières, ouais. Ça baisse la traite des cases à côté. M'en fous pas lui. M'en fous pas lui. Bah là, on va avoir un Australie qui va pas être focus sur la traite, quoi. Hein. Le contre-coup de ce Panthéon en début de partie, c'est qu'en gros, ça travaille des cases à beaucoup de rendement de production, mais pas beaucoup de food. Et du coup, tu peux pas travailler beaucoup de cases. Sauf que là, sur sa capitale, il y a 2 poissons récifs. Ouais, c'est des belles cases. Marseille qui travaille cette case. Marseille elle gros pas. Juste elle gros pas. Vas-y, il faut qu'elle achète la 2-3 quand même. Ah ouais, la 2-3. Et tu travailles la case du dessus quand t'as 2 de pop, mais... On est d'accord qu'il faut pas travailler la case du dessus tout de suite. Pas tout de suite, non. Bah c'est comme si tu s'étales à côté du Gobustan et tu travailles ta case de Gobustan tout de suite. Ouais, JR qui est parti de galère first. JR est parti... Ah ouais. Ah ouais. Il a posé B2, il a fait galère fin. Ah, il a vu la France. C'est pas bête. Ouais, avoir des galères tôt, ça permet d'avoir pas mal de vision. Il peut éventuellement trouver un adversaire, il peut trouver une cité-état. Là, il a pas l'air d'avoir de cité-état. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais bon, c'est un peu étonnant quand même. Bah, c'est une... Rome, c'est une cité, t'as pas besoin de faire de monument. Krakatoa, il a encore pété. Fertilité accrue sur 3 cases. 4 de science, la ville. La ville à L de science, c'est un campus, gros.
Mec. Mec, il est en 8-2, gros. Oh, c'est grave, hein. Et 4 de science, non, c'est très très grave. Et en plus quand t'es à 2 de pop, tu travailles même pas la case qui est juste au-dessus, tu peux acheter la case encore au-dessus qui est en 2-1, tu vois, tu te dis juste c'est une 2-1 flat. Comme tu veux qu'il fasse quoi d'autre qu'un mec. Il y aura 3 de science, 4 de fois. Tu veux qu'il fasse quoi d'autre qu'une galère, mec, un grenier. Parce que là, il taffe l'épice, il va gros super vite, il va déjà être stock en top. Il a pas poutré, il est parti sur les portes au-dessus, je pense. Petit grenier là. Ouais, parti, tire à l'arc first. Tire à l'arc first, ok. Ouais, qu'est-ce qu'on fait campus. Pas de connant, il a vu la France proche. Regarde le petit campus sur le bétail que j'avais call tout à l'heure. Ah, ça, c'est un beau campus, hein. Regarde ce qu'il travaille. Il travaille des perles, il travaille des poissons récifs. Ah, voilà. Il a un bon spawn, je pense. Il a un bon spawn, Titi. Et d'ailleurs, il va pouvoir se frit en aval. Et ça, il le sait pas, mais il y a un 2v2 naval qui se profile. De Rome Indonésie contre Australie-Angleterre. Quand il va y avoir des bouchons de Carvel, les chocs en haut là. Voilà, mec, ça va être ici. Ah bah s'ils veulent stall le front, ils peuvent le stall, hein. Ça, il y aura pas de problème. Ils peuvent le stall, ouais. Mais je veux dire, il y aura un fight. Oh attends, il va où? Ok, il va s'étaler ici. Je pense qu'il va s'étaler inland et il va poser un campus direct. Azagi qui va forward settle la France. À France c'est qui va poser cette ville inland là, Titit, c'est pas con parce que ça va bloquer l'expand de poulpe à droite. C'est vrai. Presque poulpe avait envie d'aller plus à droite, ça je sais pas, mais c'est vrai que c'est pas con. Je sais pas, mais Titit, s'il le sait pas forcément qu'elle a pas envie d'aller à droite. Bien sûr, mais oui, non, c'est un bon call. Fifi, comment il s'en sort? Première galère qui est sortie par Deluxe. On n'a pas regardé, est-ce qu'il a une cité tatuée? Il a pas de cité tatuée, Deluxe. Si, il a Kaoka, qui est un peu loin. Ah, mais j'avais pas vu, mais d'ailleurs, oh, attends. Le ah, putain, mec. Du coup, le Brésil, c'est open. Au Japon, un front naval. Par contre, du coup, il a un front qui est facilement défendable parce qu'on voit qu'il y a une choque en haut, une choque en bas. Ouais, ça, c'est assez. Du coup, il peut, s'il arrive à voir assez tôt qu'il y a des galères japonaises, bloquer cette choque et se renfermer chez lui en attendant les Minas. Et quand il va sortir, si jamais il arrive aux Minas en étant en contrôle de ses eaux côtières, je pense qu'il peut vraiment 1v2 l'Angleterre et l'Australie. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Ouais, il lui dit n'a aucun sel. Mec, ça serait marrant qu'ils mettent tous les deux une ville là et qu'ils se tapent avec des bateaux dans le Chinac. Ça serait trop drôle. Parce que là, JR, tu vois, il peut faire une ville canal lui ici. Là, il fait une ville et là, il se tape avec des bateaux dans le lac, gros. J'avoue que la ville canal, genre, lui, il le sait pas, mais JR, bon, demain, il aura les carvelles et les frégates. Hein. Bordeaux. Après Bordeaux, mec, on rappelle que notre ami Christa a déjà 9 de science. C'est vrai qu'il aura les gardes impériaux quand... Mec, les coursiers, ils peuvent venir très vite dans cette game. Mec, quand tu s'étales une ville qui a 4 de science et tu peux travailler une case qui t'en donne 3, je te jure que c'est l'équivalent de 2 campus, là, ça peut venir très vite. Hein. Enfin, quand tu poses une ville et que tu vois monument 7 tours, est-ce que c'est pas le meilleur feeling? Ah si, mec, c'est parce que t'as pas de problème d'activité. Mais comment ça se fait qu'il n'a pas de problème d'activité? Peut-être quelqu'un lui donne une activité dans son équipe. Il s'est settled sur du bétail, sur une 2-2, je pense qu'on a dû lui donner... Oh mec, non, c'est trop. C'est trop! Mec! Non, c'est trop. C'est trop. Et tu sais que ça a explosé le tour avant qu'il gros un de population. Mec, non mais attends, mais regarde cette ville! Deux de culture, là! Attends, il rapporte combien cette ville? Cette ville lui rapporte 7 de science, 5 de culture. Ça fait 7 de fois. Oh, c'est bon, c'est bon. Arrêtez. Juste que Krista est un meilleur joueur. Regarde, il est en 12. Oh, ya. Il est en 12-10, gros. Regarde, tout le monde est là en mode. Et on est tour 22. On est tour 22. Gros, même Titit, qui a fini un campus, il a moins de chance que Krista. Ouais, Des fois, t'as des grosses stats comme ça en early, tu dis ah bah c'est bon, c'est le Vietnam qui a son triangle de campement, c'est l'Australie qui a un gros campus. Mais non, là c'est la France. Plus il y a des pâturages. Là, aucun modus. La France, c'est genre Vanilla, 12-10. Et là, tu vois les stats en face, tu dis mais sur quoi il s'est. Là, tu commences à psychoter parce que quand tu vois un mec qui a des stats comme ça en early, ça fait pas plaisir. Il a explosé combien de fois? Il a déjà explosé 3 fois le volcan. Si vous voulez, on peut compter combien de fois il explose. Combien de science aura la case avant la fin de la game? Elle est trop bien cette merveille. Il y a des volcans qui s'éteignent, les volcans classiques qui s'éteignent au fur et à mesure de la partie. Enfin, ils s'éteignent, ils se rallument, etc. Et les volcans merveilles, eux, ils restent allumés toute la partie. Hein. Ouais. Alors, mec, moment, ils peuvent s'arrêter de...
Mec, j'ai pas l'habitude de le voir, cette merveille, mais vraiment beaucoup de plaisir hein, à la voir. Faudrait qu'elle spawn plus souvent dans les maps. Est-ce que tu peux faire un petit tour des autres merveilles? Parce que je crois qu'on a vu que celle-là de merveille. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ça comme merveille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a vu le Pamukkale pour poule. Le Pamukkale, en effet. Ça fait deux. On a ici un Rorema. Ouais, et il y avait la merveille du désert sur une île en bas, je crois. À gauche de l'Angleterre. 4, et il nous en manque une. Du coup, pas de merveille, il nous en manque une, du coup, une merveille perdue quelque part. Perdue dans la cambrousse. Mec, pas de merveille. On peut voir, on n'a pas été voir les cités-états, mec. On n'a pas été voir les cités-états. Qu'est-ce qu'on a? On a qu'une cité-état bleue qui sera complètement vue et contrôlée par Cuite Impériale. Est-ce que c'est pas de leur avantage de la garder tout le coup de. Ah, c'est. Voilà, c'est la dernière merveille, 5. Ah oui, c'est la merveille encastrée dans les montagnes que personne ne verra. Si l'Australie. Ok, donc on a une cité-état bleue qui sera vue et contrôlée par Cuite Impériale. On a sinon pas. On a Ayutthaya, je sais plus comment on dit. Oh, Ayutthaya. Fifi, certainement plaise. Qui sera également contrôlée par Cuite. Fifi, c'est la seule. Civ à foi. Et il y a 4 cités pour lui. Il y a 4 cités d'avant. Moi, le Japon, il a pas mis de sein. Mec. Vous avez 3 reliques. Il y a vraiment personne qui va partir reliquaire. Alors vous avez 3 reliques, les potes. Genre vraiment, c'est ça? C'est ça qui se passe? C'est ça qui se passe. Ok, on a Zanzibar que j'aime beaucoup. Zanzibar qui est très forte. Hein. Peut-être, je pense que la meilleure cité état jaune. On a Shinguiti, gros. Shinguiti, par contre, elle peut être huge. Hein. Parce qu'avec un reliquaire, tu fais un lieu sain, tu fais des routes avantageuses as fuck pour cuire cette map. Je suis d'accord. Mec, en plus, regarde, voilà, tu fais un grenier pour gros. Et comme ça, tu pourras travailler cette case il également. Il a fait une route interne direct. Ah non, mais il a raison, mec. Hein. Oh, la game de Krista, gros. Là, il faut vraiment qu'il centre sa game autour de cette ville. Comment la maximiser et comment la. Ouais. La faire la plus rentable possible, quoi. Parce que c'est vraiment cette ville qui va donner à Krista toute son impulsion, toute sa tempo en early. Mais je pense que là, ouais, s'il arrive à bien gérer ça, il peut faire un petit timing Quartier assez sale sur Rome. Même sur la Mongolie, hein, je pense. Bon, après, la Mongolie est partie campus first, donc ça m'a l'air compliqué de lui faire un timing coursier. Ouais, mais Krista aussi, il est parti campus first. Oui. Regarde Marseille, il est positionné une case de campus. C'est vrai qu'il est parti campus first, Krista. Qu'est-ce que ça tech? Maçonnerie chez Krista. Maçonnerie, il veut déjà chop. Oh, il a beaucoup de carrière. Hein. Il aurait eu un cercle de pierre incroyable aussi, hein. Lundara, je vais regarder à chaque fois si c'est le Krakatoa qui explose, hein, je te le dis. Est-ce que tu peux faire voir la capitale de Poulpe, ce que ça donne maintenant qu'elle a travaillé ses pierres et ses poissons massifs? Poulolo. La cape à 15 de prod, 12 de foot, c'est une belle cape. Hein. Après, c'est Poulpe, comme on dit, cape. En fait, le problème, ça va être... Allez, encore. Une fois que t'auras cut les marées, là, ça va pas être un problème que ça. Je pense vraiment qu'avec l'Australie, ça se travaille l'attrait. Ouais. Elle va avoir une cape productive comme ça, elle va pouvoir chier des colons à plus savoir qu'en faire, parce que là, il y a quand même... Combien il y a de pierres sur l'onde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a beaucoup de pierres. Même les marbres. Même les marbres. Ouais, et les deux marbres, ouais. Elle a énormément de cailloux, hein. En vrai, c'était le bon panthéon, je pense. Je pense que c'était vraiment le bon panthéon. Des fois, t'as un peu peur, tu te dis, ça va me forcer à travailler mes carrières, ça va me baisser mon attrait, mais là, je pense qu'il n'y avait pas photo. C'était le bon choix. D'ailleurs, on finit sur les panthéons. On a vu. Enfin, on vient de voir du coup Dieu de la guerre du pillage. On avait eu Death de la ville chez le Japon. Et la Mongolie, rite de fertilité. Ça donne toujours un bâtisseur, ça donne un peu de cases de foot sympathiques. Ok, et pour Rome, Death des festivals, mec. Il va travailler ses épices, il va travailler ses bananes, mais c'est tout ce qu'il a. Je pense que c'est lui qui a choisi son pantalon en dernier. Je pense qu'il a choisi son pantalon en dernier, il devait plus rester grand chose. Mais du coup, c'est étonnant, tu vois, genre t'es Rome, t'as déjà de la culture assez aisément. Peut-être ouais, plutôt, mais... tu vois, genre un dieu des artisans même, c'est toujours sympa. Bon après il a pas trop tech fer et tout. C'est vrai qu'il est parti irrigation first non? Attends. Ouais je pense qu'il y a son bâtisseur qui attend sur la case d'épices, je pense que. J'ai pas l'impression mec il est équitation de tour. Qu'est-ce qu'il fait? Mec équitation du tour, il est pas parti Par contre ce qui me fait peur c'est qu'on a Krista maçonnerie, là où, mec, Mongolie équitation, Rome équitation. Par contre les points d'air, JR. Oui mais Krista il est sur maçonnerie mais c'est parce qu'il a déjà fait équitation. Il a déjà fait équitation, Krista? Non, il a pas fait équitation, Krista. Attends. Non, il a pas fait équitation. Qu'est-ce qu'il a fait avec cette science qu'il a depuis tout à l'heure? Il a juste fait tir à l'arc.
Bien sûr qu'il a fait. Mec, regarde les techs, hein. Krista, il est ici. Krista, il est là. Non, normalement, s'il avait maçonnerie, Krista, il serait ici, avec Riggy et Deluxe. Krista, il a pas équitation, hein. Il est sur fission nucléaire. Quand, par contre, dommage qu'il ait pas acheté la deuxième caisse de volcan pour la faire travailler à la capitale, par contre. Moi, c'est ce que j'aurais fait, je pense. Après, il a pas de poney, en fait. En fait. En fait, il a pas de poney sur son land. Il a juste un bétail pour faire le Rika. Mec, Krista, il va se prendre beaucoup de poney là. Hein. Mec, ses deux voisins sont partis pony first. Je comprends pas ce tech maçonnerie perso. Il veut faire les murs directement à Bordeaux pour être safe. Mec, tu fais avoir pas les murs avant d'avoir une unité d'air classique. C'est quand mec, c'est mieux de go. Enfin, même là, il peut go spad en fait. Avec la science qu'il a, il aurait pu go spad first. Enfin, tu vois, il arrive direct poser la vie de canal là. C'est un peu bizarre le choix de tech. En fait, il se sent pas menacé. Genre, t'as une Mongolie, Rome à côté de toi, tu te sens pas menacé. Moi, je me sentirais quand même assez menacé. Hein. Je me sentirais assez sous pression quand même avec un Mongol et... avec une Mongolie et Rome à côté, gros. Qu'il a dû scouter genre vers la droite de chez lui et il sait qu'il n'y a pas de porte de ce tour-ci. Hein. Ah là, et la scout, il sait qu'il c'est fini. Il n'y a pas rien à droite. Oh mec, 3 de pop, achète la case. Mec, tu demandes là, tu dis guys. Et moi, comme je te disais tout à l'heure, moi je pense que la case, tu la donnes à ta cape là. 4 de pop dans ta cape, tu peux te permettre de travailler une 2-1. Mec, Krista, frérot, fais pas le con. T'as une bonne game. Ne ruine pas ta game, s'il te plaît. Krista, qu'est-ce que tu fais? Son early game dépend de sa monumentalité, je pense. Ou alors il part sur un paint and rush classique et juste il va se servir de sa foi pour mec. Acheter genre des généraux. Mais mec! Je vais vriller, hein. T'as un panthéon? S'il te plaît. Demande là, tu dis à ta gueule, guys. Guys! Il tech maçonnerie, je pense, pour chop toutes ses pierres, peut-être. Ouais, mais achète au moins cette casse! Par pitié! Je suis d'accord. Au secours! Parce que là, il faut voir qu'en gros, il a pris un panthéon, mais il en retire pas tous les bénéfices. C'est comme si vous preniez, genre, Dieu des artisans et vous décidiez de pas travailler vos poneys, quoi. C'est dommage. Oh, et t'es kit direct? Ah ouais! Il a peut-être beaucoup de marées. Alors, ouais, mais tu veux les chop, non? Tu veux pas les garder, les marées avec. Non? Elle a vu une ville à droite, la ville à droite sur le pétrole, là, à droite du pétrole. Ouais, je comprends, mais ça te bouffe de l'attrait, tous ces marées-là. Ça bouffe de l'attrait. Après, les Temenanki va faire en sorte de travailler la case de campus que je te disais tout à l'heure, de plus 1. Entre les deux bois et les deux montagnes, là. Mm-hmm. Regarde, là c'est une case qui doit être à 3 d'attrait, puisqu'il y a 2 des montagnes, 2 des forêts et moins 1 de la jungle, moins de la forêt tropicale. Pas de la forêt tropicale, de la floodplain. Ouais. Je pense qu'elle travaille son attrait, là. Ok. À voir ce qu'elle va en faire, moi je sais pas si je l'aurais fait du coup. Krista, comme tu disais, qui est parti sur le travail du fer. Bah, le truc c'est il a pas de poney. Donc, le Reka pour les poney il peut pas le faire. Le Reka travail du fer il peut le faire, mais il a pas de bâtisseur. Enfin, il a bâtisseur, mais loin. Oh, s'il te plaît, Krista, je t'en supplie. Je vais insister là-dessus, hein. Je vais insister, mais ça c'est des petites erreurs, vous savez, ça coûte cher. Hein. Ça, c'est de la foi qu'il accumule pas pour sa monumentalité. Et il a posé Bordeaux et il a acheté la case de marée direct. Non ? On vient de le voir acheter la case de marée. Ah ouais, j'ai vu. Je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'il a pas envie que JR pose un campement dessus, peut-être ? Peut-être. Après, de toute façon, cette ville est exposée. Hein. Genre là, il peut mettre. Catapulte ici Bordeaux, et elle tire. Hein. Il peut mettre un bateau. Mec, bah tiens, regarde le bateau. Il fera pas bon vivre à Bordeaux pendant cette partie. Mec, moi j'ai un peu peur pour Krista là. Hein. Krista qui peut avoir une game insane, mais même regarde dans sa team, hein. il part en fait, il se part spad, il n'y a pas de fer. De toute façon, quand tu es dans cette position là, de toute façon, dans l'équipe, normalement, c'est le call que toutes les ressources doivent faire en sorte que Krista. Et le meilleur early game possible, puisque c'est lui qui est le seul joueur en position de fight en early. Donc pour moi, c'est important d'investir sur lui, de lui acheter un bat pour aller travailler son fer, de lui acheter un bat pour chop sa place de goût, pour avoir son victor ou des choses comme ça. Oh, Zaggy qui enchaîne directement sur bibliothèque. Ça c'est marrant, ça. Il y a des sieves avec lesquels je le fais.
le rush bibliothèque, mais en général, c'est parce que j'ai une quête dans une cité tableau, par exemple. Et là, Azagi, il a pas vu Onchan. Enfin, je pense pas qu'il ait vu Onchan. Je sais pas pourquoi il rush sa bibliothèque. Il se dit, comme ça sera fait, et j'aurai plus à m'en soucier. Je sais pas, mec. Moi, je préfère faire toujours un petit bâtisseur en early, je pense. Alors, tu fais un bâtisseur 3 charges, tu te chopes une fois la forêt pour ta bibliothèque. Tu mets une mine, tu travailles ton riz là-haut. Ta bibliothèque est plus rapide. Je sais pas, après la bibliothèque, ça m'étonne aussi. Moi, il n'y a que avec la Suède que j'aime vraiment rush les bibliothèques. Après, ouais, toutes les autres cives, j'attends d'avoir plus de prod quand, genre, elle coûte. Tu les fais en 2-3 tours, quoi. Ça me dérange pas de faire des bâtiments des premiers quartiers quand j'ai une quête dans une cité-état de la couleur, tu vois. Ouais, mais quand même, tu vois. Anchan, ça m'étonnerait qu'il l'ait vu. Ouais, je pense pas non plus. Mais ouais. Les galères qui sont passées, non. Oh non, mais JR, ramène ta galère. Ah bah ouf, frérot, qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il scoute jusqu'à Titit pour avoir la vision pour envoyer des routes commerciales. Et je pense qu'il va partir en route Extendia. Oh là, t'as vu la tronche de Hobart, là, la ville australienne? Ouais, j'ai vu, mec. Genre, bah c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé cet été là. Là, vous avez en direct voilà, les feux de forêt en Australie. toutes les cases de poulpe, ça sera des cases insane. Genre, ces pierres, ça sera des cases insane. Ces poissons massifs, ça sera des cases insane. Ces collines et ces fermes, ça sera des cases insane. Bah, finalement, Christin, en fait, qui grid, ça va passer parce que on ne punit pas en fait. Peut-être que Azagi, en fait, il attendait d'avoir la carte des colons et il s'est dit, plutôt que commencer un colon où j'aurai la carte au tour d'après, je vais mettre ma prod dans un truc où j'aurai jamais la carte de toute façon pour build, donc une bibliothèque. Bah, je pense. C'est possible. C'est pas bête. Moi, j'aime bien faire ça, maximiser vraiment les cartes et essayer de tout produire avec une carte. En fait, JR, comme il a dit, JR a dû en fait enlever le. Mais d'ailleurs, c'est un peu bizarre parce que le scout il est pas passé là pour enlever la vision. Genre, il a pas longé la côte, le scout. Ah non. Je pense que moi, le scout tout à l'heure, je l'ai vu partir en haut. Ah le scout non. De c'est pas. Non, mais le scout ouais, mongol. Par contre, il troll, genre, il a vu. Mec, il a laissé le. Il a laissé les trois cases qu'il faut pas laisser. Non, à mon avis, Titit, il a dû dire vas-y, je vais amener mon bâtisseur. Par contre, Barkingham qui pourra mettre en place une très bonne économie. Hein. Azagi qui va mettre une ville sur le T en haut. Ils vont pouvoir faire un petit triangle là de commerce maritime. Ouais, je suis d'accord. Après, il y aura ici aussi. Même le Japon. Hein. Le Japon est pas très loin. Hein. Regarde, Bristol. Oui. Il y aura pas de problème de gold normalement dans cette game. Ça, c'est marrant. Titis qui est parti sur Magnus, son deuxième gouverneur. C'est vrai qu'on n'a pas regardé les gouverneurs. Alors, attends, juste, on a ici Moksha, classique. Moksha. Et c'est vrai que du coup, t'as dit Magnus. Après, il y a quand même pas mal de shops, hein. Il y a pas mal de shops, mais je sais que c'est assez rare les gens qui font Magnus en deuxième gouverneur. En général, les gens ils font Magnus en premier gouverneur en disant je vais jouer route interne. Mmh. Et si les gens partent mec, Moksha, moi ce que j'ai constaté c'est que les gens partent Moksha, Pingala, tu vois, et puis Magnus. On a eu les âges d'or. Tout le monde a l'air de l'avoir eu. On a eu du coup Peyton Brush Rome, Monu. Vas-y. Monu, Brésil, Peyton Brush pour l'Indonésie, Peyton Brush Azagi, Monu pour la Mongolie, Monu pour la France, Peyton Brush Poulpe. Libre pensée pour le Japon et libre pensée pour Rigi. Alors ça, okay. Marrant ça. Ça anticipe peut-être le besoin d'avoir pas mal de science, peut-être faire les optis pour les postes. Peut-être ouais. Ah et là mec. Et là. Il va être difficile à déloger cette galère. Et là mec. C'est quand j'ai compris pourquoi est-ce qu'on a cliqué libre pensée. Qu'on veut faire la bagarre. On veut pas, bah je pense que le Brésil c'est le bon call, hein. C'est vraiment pas de mec, pas de laisser s'installer dans la partie. Krista qui n'a toujours pas acheté cette carte. Oh du coup c'est Krista qui ramène la galère, mec. Mais putain, mais what the fuck. En fait il fait des bons choix, entre guillemets militaires. Ah, équitation quand même, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de fer. Mec. Ça c'est trop marrant. Mec, je t'avais dit, il allait avoir des bateaux dans cette mare là. Je te l'avais dit ou pas? Le lac du Bourget. Le lac nul là, le lac du Bourget, des petits bateaux. Qu'est-ce que c'est? First Campus pour JR?
Campement. Non, campement, campement, pardon. Et qu'en plus, il y a déjà qui sont sortis. Ah, c'est bon. Ah, mais pourquoi c'est... tu fais un campus, t'en as déjà 3 dans la ville? Non, je comprends. Et il a fait une mine sur la case, du coup, plutôt qu'une ferme. Après, bah, elles ont de la bouffe, les explosions dans le camp. Elles ont donné de la food. Oui, c'est vrai. Et moi, c'était plus, plutôt pour l'habitation, je pense, dans cette ville. Après, on voit qu'il y a déjà 4 de population. Il a déjà fait un grenier. Il a déjà fait un grenier. Bon, ça va sim partout. Ça va beaucoup sim, sauf ici. Parce que là, ici, les positions sont prises. Très dur à déloger. Oh, ils prennent Kaioka. Ça, c'est bien joué, ça. Ça, c'est bien joué. Est-ce qu'il la donne à l'Angleterre? On va voir. Si c'est pas sur le continent de l'Angleterre, je pense que c'est bien de la donner à l'Angleterre. Ça marche quand même. Au port. Le port, en fait. Ah oui, c'est vrai, ça marchera sur le port. C'est vrai. Le port que tu vas construire, déjà, va te spawn un... Ah non, c'est quand tu settles une ville sur un autre continent, ça te donne un spad. Enfin, unité corps à corps de l'air où tu es. Et quand tu fais ton port, le port aura plus 2. Parce qu'il sera sur un autre continent. Et du coup, ça va rapprocher l'Angleterre du Brésil, mais... Beaucoup. En vrai, attends, parce que... Moi, ça me fait un peu peur, hein. Parce que quand même, il y a un poney... Oh non, ça devrait aller. Le problème, c'est les ressources strat, en fait. Il y a vraiment pas... En fait, les ressources strat sont pas travaillées chez Cuit Impérial. Il y a que le Japon qui fait du poney et Krista qui fait du fer. Les autres ne travaillent pas leurs ressources stratégiques. Ça, c'est un mauvais. Ça, c'est mauvais, ça. En teamer, c'est important de travailler vos ressources stratégiques pour les copains. Hein. Après, tu sais ce que c'est, genre les gens qui partent à libre pensée, ils partent sur les ports en premier, après ils sont là. Ils... Mec, mais en fait. Ils rechignent à taquer le fer parce que ça. Mec, il y a un fer en fait sur le land anglais. Y a en pas plus, de poney. L'Angleterre qui a le fer doublé. Ouais, mais elle en a qu'un. Elle est ring 3 de sa B3. Putain, ça c'est chaud qu'il n'y ait aucune strat 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, c'est un fer assuré à 5 cases de cap et un cheval assuré à 5 cases. Bah, pas de poney. Attends, peut-être sur la place de groupe. Non, bah non, on verrait l'icône. Pas de poney sur le land du machin. Même là, hein, regarde, le premier poney, il est ici. Pour l'Australie. Ouais, c'est étonnant. Ça serait bien qu'il prenne. Je sais qu'il a pas trop envie de s'avancer, mais qu'il prenne la position. Pour éviter que la galère rentre. Ok, on a le spadassin. Rien ne devrait se passer. On est déjà en 22-22 pour Kristam grâce à ses 3 campus, grâce à son opening 3 campus. Il a plus de stats que l'Australie. Il a plus de stats que toute sa team. Par contre, Lando a des belles stats hein, quand même. Il a dû poser Lando a des très belles stats. Il a 2 campus, 3 campus, 3 beaux campus. Un campus plus 3, un plus 4. Non, plus 3. Et la capitale qui est déjà à 7 de population. 7 de pop déjà. Place de Gouve, port. Attends, est-ce que le port il est fini ou il est pas fini? Le port est en construction, je crois. Ah, non, non, il est en construction. Et tu vois, ça, je pense que c'est le Magnus qui est passé par là. Hein, qui a aidé à sortir tous les quartiers. Non, il est parti Moksha et Magnus dans la B2. Okay. Et en fait, il va tout chop, tu vois. Genre, c'est un Magnus colon, tu chop tous tes colons. Après, tu vois, en plus, c'est un Magnus qui peut, il peut faire tourner, il y a vraiment pas mal de chop. Ouais, je suis d'accord. Donc, non, c'est pas mal en vrai, c'est pas mal ce qu'il a fait. C'est pas mal du tout. JR qui a fait la fameuse capitale place de Gouffre campement. La célèbre. Oh, attends, mec. Petit bateau mongol. Hein. Petit bateau mongol. Hein. Et tu sais que ça peut être dangereux parce que si Cuit Impérial trouve pas une seule ville de Azagi, il aura un plus 6 sur son adversaire gratuitement. Plus 6 et, plus 12, et ça m'étonnerait qu'ils aient une ville. On va juste se mettre dans leur POV. Ah, je pense pas parce qu'il y a des. Après, il y a le scout de la France qui essaie de s'infiltrer pour voir une ville. Mais bon, il va être très déçu quand il va voir qu'il y a vraiment beaucoup de montagnes. La cité-état qui a été vaincue et qui a été filée à l'Angleterre. Et du coup, ça fait un bonus de proxy de. Ça fait. Non, tu verras quand le port sera construit. Ah, c'est quand il sera construit. En fait, il faut attendre que le port soit construit. Oh, la galère est niveau 1. Alors là, mec, galère japonaise niveau 1. Mama, pour la déloger celle-là. Va falloir y aller, hein. Je pense qu'ils auraient vraiment du rima pour leur Brésil quand même malgré tout. Je pense aussi, le Brésil c'était un peu dommage. Pic exotique de la map. Et c'était le pic le pic façon, le moins mec, flex. Ça se voit hein, regarde. Hein. Le pic le moins flex de leur... 8-16, bon, après, ça, c'est parce ouais, qu'il est en menu mais 43 fois par tour, du coup il fait pas de lieu ça. Enfin, tu vois c'est une menu bas de gamme tu vois. Si monumentalité, la France est aussi en monumentalité hein. Mec,
Au niveau des yields, c'est pas le Brésil hein, qui est le plus à plaindre. Je te jure, mec, Chuck, parce que tu t'occupes des squadrons, je te jure qu'après cette game, tu vas avoir quelques plaintes par rapport au Krakatoa. Hein. Ouais, mais ça, c'est la même chose que. T'imagines, tu settles sur un Kili qui a explosé deux fois. Ah oui, non, mais t'arrives, tu settles ton colon, t'as des cases en 6-4, c'est pareil. Ou le FLFU cool. Elle a fait la map de cool, bien sûr. Il spawn sur. Bah, c'est qui c'est bah, bah, je crois, c'est Destroyer et Sandro Game sur le 2v2 qu'ils ont fait contre Galilée et Hightech. Sandro, ou c'est Destroyer, je sais plus, a settle sur un Edge of Jada cool, T1. Et ça, c'est une merveille qui, quand elle spawn pas dans la toundra, qui est son bias naturel, bah, c'est vite débile. Ce Panthéon qu'on demande de nerf depuis des lustres, mais moi je suis tout à fait d'accord que ce Panthéon devrait le nerf, on devrait faire en sorte que la foi, tu l'aies pas sur les casques qui soient pas aménagés, ou alors tu réduis la foi de 1 déjà, et tu attends de voir ce qui se passe. Parce que là, moi je suis plus pour... Moi je suis plus pour les cases aménagées en vrai, parce que... Ouais, quoique après c'est dur hein, pas aménagé ça veut dire que tu dois faire bâtisseur. Oui mais... Ton dieu d'artisan, est-ce que t'es ton fer et ton poney ils font de la prod sans l'aménagement? Je sais pas mec, c'est à débattre, c'est à débattre une autre fois. C'est à débattre, et je pense que le débat est interminable. Première plateforme co chez Krista. Ok, il part plateforme co. Colon. C'est moi avec ce mec, avec ce surplus de science. Sachant que mon opposant a 13 de science, j'aurais cliqué coursier. Bon. Après, c'est chiant les coursiers là. Après, c'est chiant les coursiers parce que tu peux que aller sur la Mongolie quoi. Tu les envoies à gauche. En vrai, quand tu sais comment jouer Azagi, tu peux vraiment faire un timing coursier très. En plus, avec la France, tu fais un timing sur 5 villes avec les coursiers, tu prépares un petit Magnus pour chop. Et c'est vraiment un timing qui est très très difficile à contrer, qu'importe la cive qui est en face. Que ce soit la Mongolie ou pas. Surtout avec le boost en science, en culture qu'il a via son volcan. Si tu setup tes 5 villes, un petit Magnus, genre 4 pré-builds de coursier en général. Oh, j'avais pas vu. Ça peut arriver très vite. Hein. Singapour qui a été récupéré par l'Indonésie. Ça se met bien. Ah. Et peut-être qu'ils vont. Bah, ils savent qu'ils sont sur la même mer. Puisque le guerrier indonésien. Oui, ils sont vus, ouais. Qui a l'air de... Par contre, c'est l'Angleterre hein, qui sont pas dû rencontrer. On va se mettre dans leur POV de fait. Ils ont aucune info de où est l'Angleterre. Si, ils voient que Kaoka a été. Et ça peut les induire en erreur. Mec, en mode, ah bah ok, tu vois, genre l'Angleterre elle est juste à côté de Kaoka et tout. Ou peut-être au sud, tu vois. Genre à côté du Japon. Alors que pas du tout, alors qu'elle est plus proche de l'Indonésie que ce qu'ils pourraient penser du coup. Il y a 3 reliques qui dorment, c'est triste. Ah, je suis d'accord, hein. Là, un petit Japon. Un petit Japon qui part, en plus, tu poses un petit vieux saint, tu te fais une petite monumentalité first là, parce que là, son land, avec une monumentalité, il peut faire des colons, il peut faire un colisée. Tu sais que les plays un petit peu bizarres comme ça, c'est très difficile à C'est très difficile à voir. Il y a les joueurs, il y a plein de joueurs qui n'osent pas sortir de leur zone de confort et qui se disent... J'ai jamais fait ça de ma vie. Alors que c'est là, je pense que c'est vraiment, comme tu as dit, le bon call, hein, que ce soit le Japon ou n'importe qui. En vrai. Même l'Australie, je pense, elle peut faire des lieux sains à plus 6 ou plus 7 là, sur des cases à très époustouflants. Je pense que c'est vraiment un call à faire, reliquaire, une petite monumentalité. Il y a un truc à faire, mais les joueurs, je sais pas qu'ils n'aiment pas sortir de leur zone de confort, mais c'est du fight. Ils osent pas, tu vois. Ils se disent, c'est une game de squadron quand même. J'ai envie de bien faire, j'ai envie de maximiser plutôt mon impact naval. Je veux pas trop me disperser. Titube, avant qu'il soit au courant qu'il avait une ville brésilienne sur son océan, il avait le temps de partir le sein. Genre, là, mec, puis, mec regarde, attends. Le Brésil, il est full costal. Tu me dis, il y a du fight naval, gros. Il est monumentalité, hein. Ah oui, il a fait Copacabana. Bah, moi, pas au courant, bah justement, j'aurais posé des lieux sains et puis tant pis, monumentalité. Il y a le Brésil qui a fait complexe de loisirs first dans sa ville Magnus, donc tu sais ce qui arrive. Hein. Ah ouais, mec, petit colisée là. Petit colisée pour Pyrsos, il y a déjà des bâtisseurs qui traînent. Bah, il a raison, mec. Colisée tous les jours. Personne va faire le colisée dans cette game. Complexe de loisirs du Brésil qui est vraiment incroyable, puisqu'il donne 2 d'activité de base. Donc, c'est moins fort que l'hippodrome de Byzance, mais par contre, il prend pas de slot de quartier. Et ça veut dire que c'est des quartiers que tu peux spammer dans toutes tes villes et qui vont te faire 2 activités dans toutes tes villes. Sans arena. 71 de food. Très très bon quartier.
71 de foot sur 4 villes, Titit. Il est vraiment bien, Titit. Hein. Ah non, 5 villes, pardon. Il a 3 bonnes villes. Il a Singapour qui l'a ramassé. Il a son Magnus qui tourne dans une ville où il chope de la jungle. Donc au final, la pop ne descend pas quand il fait des colons. Ouais. Et regarde les yields de l'Angleterre là, 36-35 au tour 40, c'est vraiment très très peu je trouve. Alors qu'il a pris une ville en plus. Hein. Oh, la flotte qui va être récupérée par le japonais. Ça, ça fait pas les affaires de Firsos. D'ailleurs, j'ai mec, voilà, il y a Upati qui a été pris par l'Indonésie. Ok. Et ça a été débloqué par Azagi du coup avec ses campus, donc bon plays à tous les deux là. Ouais, bah en même temps, il est parti campus, il avait d'excellents campus. En général, avec la Mongolie, t'aimes pas trop tirer en early, t'aimes bien faire justement tes campus pour aller chercher ce petit timing mid-game. Même si c'est un timing qui est moins fort maintenant. Voilà, les trier 5 tours. Est-ce qu'il va vraiment faire des keshiks? Je pense pas qu'il va faire des keshiks. Après, c'est vrai qu'il peut pas mettre, il peut pas mettre d'espions le français. Et ça, ça change tout en fait. Bon, je pense quand même qu'il va, il va faire quelques keshiks, ne serait-ce que pour le, que pour la forme. Ça, ça change beaucoup de choses. Le fait que le français ne puisse pas mettre d'espions, ça peut changer vraiment beaucoup de choses hein, sur, sur la Mongolie. Tellement de grande sa pauvre gamerie. C'est vrai que sa gamerie, elle est pas simple. Hein. Rigi, c'est pas le Japon? Non, le Japon, c'est non, le, c'est, là, c'est la, l'Angleterre. Et ouais, ouais, la game de Rigi qui est un peu lente. Elle est pas simple parce qu'il a spawn sur le bras, là, en fait, sur le bras d'un map. Genre, par exemple, s'il avait spawn là, ici, sur l'île du Mont Roraima, avec les deux cités-états, elles avaient spawn ici. Ah, il aurait eu une game ok quoi. Après, mais là c'est vraiment dur. Hein. Et là on voit qu'ils ont fait direct une trade route externe avec Poulpe. Peut-être ouais. Qu'il aurait dû privilégier le faire une route interne sur sa B2 par exemple pour aller chercher son phare plus rapidement. Et monter à 4 de pop, avoir un peu plus de population, de production. Moi je pense que c'est un truc que je fais quasiment à chaque fois maintenant, c'est ma B2 récupère la première route commerciale. Alors que je sais que là il envoie des trade routes chez Poulpe, ça doit lui faire des bonnes trade routes je pense déjà vu qu'elle passe par la mer et tout. Je pense que des fois, quand t'as un land un petit peu lent, un petit peu low food comme ça, c'est important d'avoir une première route interne. Même sans partir Magnus. Hein. Tu peux faire la route interne sans partir Magnus. Ouais, ouais, ouais. Ok, comment est-ce qu'on est en stats? On est plutôt bien, on est très bien en science par contre du côté de chez Cut Imperial. Là où on est un petit peu derrière, mais c'est normal. On est derrière en culture parce qu'on a quand même deux personnes qui sont parties libre-pensée. Et je pense que Rigi n'aurait pas dû partir libre-pensée d'ailleurs, by the way. Les deux personnes qui sont allées au pensée, c'est les deux qui ont le moins de science. C'est vrai ça en plus. Je pense que, à la limite, que Deluxe, il part libre-pensée parce qu'il a peur, il a vu qu'il avait voilà, le Brésil à côté, pourquoi pas, tu vois. Je pense, ouais, que ça, Rigi... galère, hein. Je pense que Rigi, il aurait dû partir Paint and Brush et aller chercher justement. En fait, comme il a un lendemain lent. Et un peu nul, ouais, il doit compenser par le fait qu'il ait des bonnes cartes, tu vois. La carte pour prod, tu vois, par exemple, ses phares et ses ports 30% plus vite. La carte pour prod les colons, la tournée de bâtisseur à Féo. Et ça, c'est un truc qui va lui manquer. Et ça va se sentir. Il a déjà une game lente. Et le fait qu'il a pas de culture, ça va être encore plus lent sa game. Je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est un peu dommage. Pourquoi on fait des projets du côté Indo? On prépare éventuellement un Rajendra? Ou alors il se dit qu'il va pouvoir après, il est tout, en fait... projeter pour le premier amiral qui marche avec les jonques. On rappelle que les 4 premiers amiraux de l'ère classique marchent avec les jonques puisque c'est classique Moyen-Âge et la jonque est une unité de l'ère médiévale. Bah le truc c'est, ce que j'allais dire c'est en fait il est... Pardon. Excusez-moi, pardon. Pardon, excusez-moi. Il est tout seul sur les ports, donc dans son équipe. Donc du coup, il n'y a personne qui sait qui viendra lui débloquer, machin, donc il doit gérer tout seul les amiraux. Et ça, c'est très très dur quand vous êtes tout seul. Surtout que l'Angleterre a pris Dieu de la guerre des pillages. Ouais, en plus, donc l'Angleterre n'aura jamais besoin de faire de projet toute la game. No bonus save, but still who? No bonus save, but still who? Mec, elle est trop triste, sa game. Soyons honnêtes, enfin, il fait une bonne game avec cette traître, mais elle est vraiment trop triste. Genre ton Brésil là, il est trop trop triste. c'est pas ce que tu voulais faire avec le Brésil. Là regarde, il va aller stétal sa jungle, ça y est. Enfin des bonus. Des campus. Il va peut-être même récupérer Jérusalem, je pense, avec les cavaliers là, on voit qu'il y a un cavalier. Je pense qu'il va aller récupérer Jérusalem. Et ça fait pas trop l'affaire. Oh mec. Attends, mais y'a pas de unité pour escorter les colons qui arrivent là.
Non mais il y a construction navale. De Luc, je pense qu'il va partir sur... Oh no. Oh no mec. Les... Oh no. Le port qui va être scout. Il y a une galère qui va se poser dessus. Des bisous, ciao, bonsoir. En plus, il y a une galère brésilienne qui est là au mode haha, je tiens la choke. Oh no. Ah, ça y est. Le Colisée qui va être chop chop. Il y a beaucoup de chop, hein. Ça devrait aller. Titatin, titatin. Qu'est-ce que ça prépare chez Azagi? Travail du fer. Il y a campement qui sort. Je pense qu'il va faire des keshiks du coup. Après, normalement, il a des... il va avoir étrié bientôt. Du coup, peut-être pas de keshik. Il n'est pas encore prêt. Il n'y a pas ses ordres de sortie. Il n'y a pas les campements de sortie. Je pense que du coup, non, il n'y aura pas de keshik. Mais on vise peut-être un timing un peu plus... juste après, genre cuirassier. Je pense qu'il va quand même faire des keshiks, mais il va pas en faire une masse pour all-in dessus, quoi. Je pense qu'il va quand même en faire genre 6, 7 peut-être, histoire d'aller poke l'adversaire, prendre des promos. Parce que mine de rien, quand tu commences à avoir des keshiks level 1, level 2, c'est pas facile. Enfin, c'est pas facile à défendre. Je suis d'accord. Il y a le timing. C'est vrai qu'il a des très bons timings, hein, vu qu'il n'y aura pas d'espion chez la France. D'ailleurs, est-ce que tu irais pas tech? Là, toi, t'as ton scout ici. Est-ce que tu irais pas tech? Genre, vite fait. Construction, t'as 48 de science, mec. Tu tech juste vite fait. Regarde, là, on voit qu'il est en train de faire le château. Ah ouais, mais tu vois, justement, c'est ça le truc. Genre, en fait, comme il a 48 de science, c'est que c'est déjà boost par Poulpe et Riggy. Sans toute honnêteté, ça doit lui prendre un ou deux tours. Tu fais juste un petit détour. Comme ça, avec ton scout, tu le fous dans l'eau et tu peux aller voir une ville. Parce que c'est vraiment très important. Parce que là, il va avoir château. Bah, ok, mec, mais il peut pas mettre l'espion chez Rome, peut-être. Ouais, mais du coup, ça serait mal joué, tu vois. Il va mettre son espion chez Rome et faire un... Il fait une caserne d'ailleurs dans Bordeaux. Il commence d'ailleurs ses prébulles. Est-ce qu'on aura les goals pour up? Il fait déjà moins 3 goals par tour. On fait quand même pas mal de goals par tour. On en a un petit peu en banque. On pourra up des coursiers. Mais en fait, le problème d'aller push Rome. Le problème d'aller push Rome, c'est que. C'est des chokes quoi. C'est des chokes qui sont vraiment très très durs à passer. Hein. Là, il faut des arbas pour déloger tout ça. Hein. Si t'as pas d'arba, ça se déloge pas. Hein. Ouais, après tu sais, un coursier qui prend la position à gauche, qui commence à slam Mediolanum. Mediolanum avec un petit bateau qui tape en parallèle. C'est vrai que par contre, lui, les coursiers, je suis d'accord. Vite, hein. Les coursiers ils vont taper fort dans la ville, s'il arrive à prendre les positions. Mais il faut déjà enlever ses unités. Parce que là, c'est un Victor. Ça va forcer un chop de mur, ça va forcer des trucs comme ça. Ah, Krista qui fait des murs. Au niveau du compte de ville, donc je vois JR qui est sur 6 villes. On peut regarder ici. Alors, 6-6-6, tout le monde a 6 villes chez Barking Gang. Le gros avantage quand tu compares avec qui en face. Là où on a 4-5-4-5. Après, là, il y a deux colons de sortie, donc il y a 6 villes ici. Je crois que Poulpe aussi, elle avait ses colons qui couraient. Il y a un colon qui va sortir. Après, c'est surtout Riggy. Riggy, il a pas de colon de sortie et il est sur 4 villes. Et ça fait des pop, ça fait des projets. Pourquoi ça fait des projets maintenant? C'est un peu trop tôt, je pense, pour faire les projets. Et Deluxe est sur 4 villes. Il a pas fait sa salle de bâtisseur, sa salle de colon. Et du coup, en fait, faire les projets maintenant, en fait, ça fait en sorte qu'il va prendre du retard sur toute la suite de la game. C'est dommage. Ouais, c'est dommage les projets maintenant. C'est un peu tôt. Surtout qu'en plus, comme t'as dit, il a dieu de la guerre du pillage. Donc il fait les points naturellement. S'il sort ses phares, il fait encore plus de points naturellement. Enfin, il a vraiment pas de problème, quoi. Krista a cliqué construction navale apparemment, bah il a fait le place que t'as dit. Ouais, bah donc, c'est vraiment important qu'il voie la ville. Very smart Krista, qui lit dans le futur. Et au niveau des alliances, Lando va les avoir avec la Mongolie. Et en face, chez Kuitamal, personne ne les a pour l'instant. Kuit adore faire plein de projets d'amiraux. Par contre, Krista, je me rappelle le parti contre Barking Gang où tout le monde chopait les amiraux pour l'air des Carvels et il y en avait plus rapidement. Il y en avait plus rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? Zonadus, d'ailleurs, tout le monde commence à faire des merveilles là. Dans 10 tours, on a l'âge d'or, un petit point. Pour l'instant, personne n'a un âge normal. Ce que je disais tout à l'heure, c'est Poulpe qui doit faire 51 points d'air pour être en âge normal. Elle doit faire 62 points pour l'âge d'or. Elle a explosé son âge d'or, son premier âge d'or. Alors, elle fait une pest stat, ça lui donnera des points.
Ah, c'est vrai qu'elle va devoir taffer un pool pour son âge d'or là. En sachant qu'elle aura certainement pas son digger et elle aura peut-être pas son. Si, elle aura, quoi, oh, mais mec, tour, attends, mais j'avais pas vu gros. Cartographie, 2 tours, 6 tours, c'est. Cartographie chez tout le monde en fait. En fait, c'est pas les coursiers qui vont web, c'est les bateaux. Ils vont y aller à Caravelle. C'est un petit peu loin pour y aller à Caravelle quand même. Ah, je pense que c'est un petit peu loin. C'est le genre de place que j'aime pas trop moi. Après, pour le Japon, je pense que c'est fine. Tu vois, il va mettre un colon à côté. Ouais, je suis d'accord. Après, voilà, il y a qu'une ville à raser. Mais... c'est. Pff. Je pense que c'est le genre de place qui est, mine de rien, assez facile à défendre. Ouais. Et qui, à moins que tu spawns à 10 cases vraiment de la cive maritime en face et que tu sais que t'as un timing de 5 tours d'avance sur lui, que tu pourras vraiment claquer ses prébules. Genre Titi, s'il a 50 de chance. Les longues distances comme ça, c'est vraiment. Il a contrefort prochain tour, il aura quasiment les caravelles en même temps. Et je crois qu'on a vu le Colisée déjà chez Tassos, ouais. C'est ça. Il a déjà fini le Colisée, il a fini le jardin suspendu, il refait un carnaval. Mec. Pour l'activité, pour avoir des meilleures places du théâtre. Moi vraiment, je pense que c'est un quartier qui prend pas de slot dans sa ville. Et là, dans c'est ville, vrai. Attends, il marche comme le campement du Vietnam. Oui. Mec. Pas d'emplacement de ta ville. Et c'est là, tu trop vois, dans bien. Sa cape, qu'est-ce que tu veux qu'il construise dans sa cape? Non mais mec, c'est trop bien. Mais juste en fait, tu le fais. Enfin, tu réfléchis même pas en fait. Tu veux qu'il fasse un moulin à roue en 2 tours? Bah, il s'est dit, bah, je vais faire un campement, un carnaval de rue en 3 tours, qui lui va me donner 2 activités. Mec, c'est trop bien. Et qui va me faire une grosse agency de place du théâtre. Il y a une grosse diff financière entre les deux teams. Il y a une grosse diff financière. Quand même, ouais. Ouais, il y a. On a presque 100 gold ici. Là, on en a que 50 par tour. On a presque le double chez Kuit. Azegi qui a moins 4 alors qu'il est en Paint and Brush. C'est vrai qu'Azegi il est en moins 4 Paint and Brush. C'est vrai qu'il y a, par contre, il y a un énorme différentiel de gold. Mais surtout, on a les Keshik Sae qui sortent. Combien de tours les coursiers? Après, normalement, voilà. Là, il a vu la ville, Krista. Il va mettre son espion. Je pense que des coursiers espions, ça va largement reboot les Keshik. Je pense aussi, mais je pense que Azegi, il est assez intelligent pour savoir qu'il va pas tuer Krista sur les Keshik. Non, mais je pense que du coup, Krista devrait plutôt aller sur Azegi que sur Rome. Ouais, mais après, push une Mongolie, c'est jamais facile. Bah, de toute façon, faut que t'en push un des deux. Et je trouve, à titre personnel, que le land le plus simple, entre guillemets, à push, c'est Azegi. Parce que là, ici, il faut vraiment. Oh, quoique, en vrai, tu me diras. Non, c'est... en fait, ça dépend s'il va sur les Arbas. S'il va sur les Arbas, c'est facile à push ici. Moi, tu vois, à la place de Krista, je comprends ma position, je sais que ça va être la bagarre et tout. Mais je me dis que justement, il faut juste faire quelques coursiers pour aller défoncer des ressources en haut, défoncer des ressources à gauche. Mais vraiment, je pense que Krista, il a un shot pas sur les coursiers, c'est sur les gardes impériaux parce qu'Azegi est sur son continent. Et je pense qu'en gros, il arrive à 2 personnes. Ouais, non, je suis d'accord. Il arrive à être l'égal de ses deux adversaires et les ramasser sur les gardes impériaux. Je pense que c'est le timing qu'il faut viser avec la France là. Ouais, je suis d'accord. Coursiers, c'est mine de rien, c'est difficile à. Ouais, juste pour aller embêter. Ouais, et puis c'est pas un question de push simple. Mais je pense que Krista maîtrise le push coursier. Mais ouais, t'as raison. C'est vrai que les gardes. C'est difficile à passer. Il y a des chocs. Pour aller à Mediolanum, bah, c'est une case. Une case où JR il va pouvoir mettre des légions avec un fort romain dessus. Est-ce que JR il est parti sur un mec, j'allais dire, gros, on est tour 47. S'il y a une cité qui a été suse, et là il y a une deuxième qui vient d'être suse. Attends. C'est laquelle qui a été suse? Titit, je l'ai vu. Ah non, il y a que Shingoti qui a été suse. Mec, elle a été suse par Deluxe. Il n'y a aucune cité suse tour 47. Ah ouais, quand même. En chat, t'as pas forcément envie de la montrer. Il y a Zanzibar. Est-ce que Zanzibar a été vue au moins? Zanzibar, il la cache, mais bien sûr, elle a été vue. Elle est collée à Firsos. La première caravelle qui a été bulle par Poulp. Mais bon, on a cartographie 3 tours pour Titsits, donc il ne se passera rien. D'ailleurs, on fait des projets pour Poulp. Qu'est-ce qu'on a? On a déjà donc un amiral qui a été recruté par l'Angleterre. Le deuxième amiral qui a été pris par le Japon. Et attention, l'Indonésie, elle fait des projets, l'Indo? Ok, elle fait des projets, elle sera pas à voir. Et c'est qui aura du coup Rajendra? Oh, si c'est l'Indo qui a Rajendra, c'est mal joué de cuite. Hein. Ah, c'est mal joué de cuite. Hein. Parce que elle est toute seule sur les amiraux et c'est elle qui va avoir Rajendra? Très mal joué de la part de cuite là, par contre. Hein. Tu vois, je pense que Titit, il avait laissé 2 projets en tour. Ouais, exprès. Ouais.
Et après, ouais, non, ça, je suis d'accord. Quit qui s'est pas méfié, qui s'est dit bon, l'Indo fait que 3 points par tour, il ah ouais, non, pas mais c'est. Si on les débloque vite. Très très mal joué, hein. Très très mal fait de la part de Quit Impérial. Hein. Enfin, l'Angleterre aurait pu refuser, le Japon vient débloquer tranquillement. Enfin voilà quoi. Genre perdre Ajandra alors qu'on est 3 sur les ports là où le mec est tout seul en face, c'est vraiment très mal joué. Hein. Et Maradonior qui pose une bonne question, qu'est-ce qu'il a pris comme croyance sur le Brésil? Parce qu'au final, on a même pas regardé. C'est vrai, mec, il a fait une religion, reliquaire et au pèlerinage. C'est finalement, c'est lui qui a pris reliquaire. Bah, c'est peut-être pour ça qu'ils ont pas pris reliquaire. Mec, il a posé tellement tard son lieu saint, Fifi, en vrai. Genre, je pense vraiment que le Japon, s'il était parti lieu saint, il aurait pu le faire. D'ailleurs, les quartiers diplo, mec, tour 47, c'est quel tour, toi, Jack, tu calls le quartier diplo? Moi, je pense que c'est bien si tu le fais entre le tour 45 et le tour 50. Moi, je pense qu'il faut le faire avant le premier âge d'or. Après. Alors, quartier diplo chez Deluxe. Bien joué, Deluxe. Parce que pas de quartier diplo chez le Brésil. Nous, chez NPR, on Balm, il aime bien le faire le call avant le tour 45, mais des fois, avant le tour 45, en fonction de ta, de ta situation, c'est quand même compliqué, hein, le tour 45. Pour le ah, mec, le tour 45, mais... franchement, c'est par contre. Excuse-moi, hein, mais c'est un peu dur. C'est faisable. Alors, ouais, mais mec. Enfin, c'est relou, quoi. Avant le tour 45, c'est vraiment relou. C'est relou, mais c'est ce qui fait la différence sur le premier congrès. C'est très relou. Imagine, toi, tu le poses tour 42, là où en face, il le pose tour 52. Et bah, tu gagnes 10 tours de 3 faveurs, donc tu gagnes 30 faveurs sur tes adversaires. Et 30 faveurs sur le premier congrès, c'est bah, la différence entre un vote. Ok, l'espion qui est parti, ça y est, on a château pour Krista. On n'a pas de pré-build, donc c'est clairement, il fera pas de ta... Ah, attends, il est parti prendre l'or. Ah, il y a un colon qui part en bas. Ah, il va settle ici, mec. Il va settle le volcan là pour faire encore plus de fois. Ah, j'avais pas vu la case de fer aussi de Marseille. Hop, Marseille qui travaille deux gars. Oh non, le volcan a pété. Oh, jure, mec. Quelle belle ville Marseille quand même. 3 campus, 18 000 de fois par tour. Oh, une très très belle ville Marseille. 7 de pop, hein, tu vois qu'elle a pas eu de mal à croître. Ah, bah c'est normal, elle a explosé. Le volcan lui a donné de la bouffe. Et du coup, c'était quoi la deuxième croyance du Brésil? Il a pris. C'était pèlerinage. Et pèlerinage. Donc il a juste maximisé la foi. Ouais, bah en plus, il savait qu'il allait poser beaucoup de villes. Combien de fois par tour il fait avec ça? Ah, il a pris Jérusalem, comme on avait dit. Il fait 80 fois par tour. Ce qui est pas mal. En vrai, ses attraits, il reste joli, hein. Même malgré le fait qu'il ait posé des quartiers et tout, qu'il est chop. Pas du gros high roll, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis d'accord. Surtout avec un lieu saint. Mais du coup, attention aux cavaliers, là, Jérusalem, qui vont pouvoir se déverser sur le Japon. Bon, là, le timing de poulpe hein, ne servira à rien. Ça va juste forcer peut-être la de tech et d'arrêter les pré-builds, mais ça en fera rien de plus. Attention, parce que là, je vois une zone Adus. Ah, il est malin. Un petit arsenal de Venise. Il est malin parce qu'il sait ce qui se passe quand les batailles navales s'éternisent. En gros, c'est le premier qui a l'arsenal qui a gagné en général. Bah surtout qu'en fait, il a Rajandra pour plus tard. Ouais. Donc, Moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand tu sais que t'es pas en bataille navale vraiment early caravel. C'est vraiment setup un arsenal assez tôt dans la partie. Petite ville Magnus, là tu chopes. Et ça te met bien toute la partie, même si t'es en 1v2, 1v3. Quand tu commences à prendre des bateaux à 100%. Il pose lieu saint, place de théâtre et carnaval, donc ouais, ses attraits restent bien. C'est vrai. Ouais, ah ouais, c'est vrai. Il pose cosplay Japon. Cosplay Japon, mec, mais c'est incroyable. En vrai, par contre, le fait que le carnaval ne coûte pas de. Comme le Vietnam, là, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Mais pourquoi on joue pas cette team avec ta. En fait, tu peux ne. Enfin, t'as jamais de problème d'activité normalement sur le Brésil. Normalement, t'as pas de problème d'activité, et c'est pour ça que moi, ça me choque pas de partir genre sur une salle ancestrale avec le Brésil. Tu sors tu sors des villes où tu fais genre une plateforme code, tu fais ton marché, la route interne, et après, direct, tu poses un complexe de loisirs. Ta ville est en bonus d'activité. Poulpe à start, bulle d'oracle. Où est-ce qu'on en est des âges d'or? 5 tours. La Mongolie qui l'aura assez facilement. La France qui l'aura assez facilement. Et je suis un peu déçu, tu vois, de la France qui n'arrive pas à suivre juste en science la Mongolie, tu vois. C'est vrai, après, la Mongolie avait quand même des beaux campus. Hein. Des beaux campus, je suis d'accord, mais. Mais bon, mais je suis c'est un peu dommage. Y avait de quoi faire un truc un peu plus explosif là sur les volcans avec la déesse du feu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et là, par exemple, tu vois, il a attaqué maçonnerie très très tôt. Et on voit qu'il y a pareil, il y a encore deux pierres à chop là. Ouais. Oh, il fait un lancier.
Oh non. Ah, il m'a entendu, il sait que pour défendre les piques, il sait que pour défendre les keshiks, il faut des piquets. Tu vois, Zagi qui a deux keshiks et qui en fait pas plus, je crois. Et il a bien raison. Et ça y est, donc on a tout, nous sommes tous 51, nous voyons tout. Et du coup, quel Steeta ils n'ont pas rencontré? Ils n'ont pas vu Yerevan, mec. Ils n'ont pas vu Yerevan, nous. J'ai eu un émissaire dans Yerevan, ils n'ont pas vu Yerevan. C'est aussi simple que ça. Azagi est si proche de la croisée. Ah, ça y est, les Steeta commencent à être sus. Rigi Atuyaya, Anshan qui est contest. C'est dommage quand même de se faire contest Anshan alors que non, la team adverse avait jamais la vision. Poulpe et Titits qui sont sur Anshan. Samarkand pour Azagi, Zanzibar pour Firsos, Riggy qui va se positionner sur Apanui. Firsos, entre ses complexes de loisirs et Zanzibar, il va avoir une. Et son colisée, je pense qu'il doit être en plus 5 d'activité dans toutes ces villes-là. Non, on peut. Plus 6. Je sais plus comment ça marche. Si, c'est ça. Ça veut dire qu'il est à plus de. Non, parce qu'en fait, c'est à plus 3, je crois, en gros. Là, il est à plus 3 dans sa ville. En gros, c'est les paliers. Donc, c'est soit t'es à 0, donc t'es entre 0 et 2 d'activité. Soit il va te marquer plus 3, donc t'es soit à plus 3, soit à plus 4. Soit il te marque plus 6, ça veut dire que t'es à plus de plus 5, en gros. Salut, Poulpe, faire l'oracle. Oh, attention de pas se faire voler l'oracle, Poulpe. Est-ce qu'il y a des chops? Il y aura pas de chops. Qui a dit que des golds n'allaient pas être un problème, ce DM? Ben non, il n'y aura pas de problème de gold. Hein. Là, en fait, c'est juste le temps que JR il est un peu en retard sur les ports. Enfin, il avait pas sorti. En fait, JR, non, c'est pas qu'il est en retard, il avait pas sorti ses ports. Donc, il a pas sorti ses phares, donc il a pas sorti ses Rutko. Pareil, Azagi, là, tu vois, par exemple, il y a 7 de pop. Il va pouvoir passer une petite forme. Ah non, il a posé un campement. Ok, Azagi ne fera pas de gold dans cette game. Ok. Azagi qui est en cosplay Jack là. Attends, il est où l'espion de la France? Ok. Il est en transit, je pense. Ouais, il était en transit. Toulouse. Belle ville, Toulouse. Roger pour les généraux. 4 tours, un coursier. Il a pas. C'est pas possible, il est pas en droit divin là. Oligarchie. J'aime pas trop faire des unités quand on n'a pas les bonnes cartes, hein. À titre personnel. Ouais, moi aussi. Genre faire un coursier en 4 tours là. Un peu fatigué quand même, hein. À se faire des golds avec notif que. Bah écoute, mec, pourquoi pas? Tu poses une petite plateforme co. En plus, genre, il y a un truc. Moi, je trouve très pertinent de faire des plateformes co avec le mongol. Parce qu'il y a un moment, t'as le marchand de la vie pied diplo. Et celui-là, gros, quand tu l'as avec la Mongolie, ça dérouille, ça va tout seul. Donc, c'est pour ça que j'aime bien poser des plateformes co avec la Mongolie, quoi. Tu fais des plateformes co au 35 et tu refuses tous les marchands qu'on te propose jusqu'au marchand de la visibilité diplo. Non, quand même pas. Mais moi j'aime bien en tout cas, j'aime vraiment bien avoir des plateformes co sur ma Mongolie justement pour avoir ce marchand. Après, du coup, moi quand je joue la Mongolie, je suis pas à 73 de science pour 52. Du coup, on est d'accord. Donc du coup, qui c'est qui a raison des deux? Sûrement Azagi. Sûrement Azagi qui a raison. Et c'est pas moi. Mais ouais, je mets dans... Qu'est-ce qu'on attend de lui dans la partie? C'est qu'il fasse un timing saignant à un moment donné de la partie. Donc soit sur les Keshik, soit sur les cuirasses et bombardes, soit sur les tanks d'artillerie. Donc qui dit timing, dit bah, en gros, il doit maximiser science, culture, production. Ah ouais, bien sûr. Et il se dit, bah, les goals à quelqu'un d'autre. On peut voir Titi Tsepoulpe. Non, il se passera rien chez Titi Tsepoulpe. Hein. C'est pour ça que je le montre pas. Après, il se passera rien là-bas, tu me diras aussi. Qu'est-ce qui manque dans l'eau là? Des jonques. Il manque des scouts. Des scouts! Là, on sent que c'est vraiment la bataille navale du pauvre. Mec, y'a pas de scouts là? Pas de scouts, non. J'ai envie de mettre un pin sur cette case là et dire scout. Non, ouais, non, il faudrait pin toutes les cases. Non, mais je mets un pin pour que les deux puissent voir, tu vois. Where is the scout? Comment est-ce qu'on est en science? Fais Ouh. Voir la ville brésilienne, tu sais, qui se faisait attaquer par le Japon. Est-ce que Deluxe a fait des caravelles? Oh, la flotte de étoiles. Oh, elle est morte, cette ville-là. Ouh. Mais Fifi, qui lâche-toi, hein. Fifi qui se dit, je vais quand même finir. Ah bah, il peut rien y faire, gros. Là, cette ville, il peut rien y faire. Hein. Genre... Mec, même si tu fais des murs, cette ville, je pense qu'elle meurt. Est-ce que c'est la ville de l'Alcoolisée? Non, c'est pas la ville de l'Alcoolisée. Hein. Non, non, c'est il l'a fait dans... Non, non, il l'avait fait dans Campinas, l'Alcoolisée.
Oh, ça serait terrible, mec, si c'était la ville colisée. Oh non. Il va se passer que l'UU de Titus va push. Ouais, quand Titus aura son UU, par contre, il va push. Ça, je suis d'accord. Mais pour l'instant, il se passera rien. Tant qu'il n'y aura pas les frégates de Titus, il se passera pas grand chose. Chop les murs, mais je pense que chop des murs quand t'as 25 de dev dans ta ville, bah, ça change, ça retarde l'inévitable. Ouais, il retarde et il a plus de chop en fait, surtout. C'est surtout ça le problème, c'est qu'il y a plus de chop dans la ville. Il sort un bat, il a chop là 1-2 en bas. Mais... Oh, il va raser Shingwetti, jure. Il peut pas la donner à quelqu'un, genre il y a un petit scout là, Romain. Il peut pas la donner à quelqu'un, il peut la donner à Rome. Parce que Rome, je crois, n'a pas pris de... Non, il faudrait quand même sacrément timer le... Ah, il faut sacrément le timer. Oh putain, jure, attends, Lahor. Il était pas parti raser Lahor? Si, mec, et Lahor, elle a fait des murs, un spade. Ah ouais, Lahor, elle était au taquet sur la défense. 3 tours les murs? Ah, non, ça suffira pas. Il aurait fallu un petit chop. Le Corgo qui a pété... Ici, ça se tape pas, ça veut pas avancer, ça va attendre tranquillement les caravelles. D'accord, on tech quoi là? On a déjà mercenaire chez Titit, je suppose, non? Avec autant de culture, avec 62 culture. Il est reparti sur théologie. Le truc, c'est du coup. Oui, j'ai vu qu'il était en train de tech exploration. Il fait pas de pré-build. Il est loin en culture quand même, mais il a peut-être pas de salpêtre. Le premier chevalier chez Firsos. Est-ce que du coup, ça. Ah, sur un low roll. Avec la regen de la ville et tout. Ah mais en 3 tours. Prochain tour il pourra chop les murs avec son bâtisseur. C'est une colline ça? Attends, c'est une colline. Non il pourra pas chop prochain tour. Alors peut-être... Si il lui achète la case de forêt à gauche du cheval. Là. Ah oui. Alors peut-être. Peut-être. On se permet d'y croire. Après, comme je disais, ça va juste retarder l'inévitable et la ville finira par tomber. Alors, qui n'a pas son âge d'or, mec? Mec, il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas son âge d'or dans la game. Et ça va être très dur. Ça va être très dur pour Iggy là. Déjà qu'il passait pas une bonne game. Pas avoir le deuxième âge d'or. C'est prochain tour, ouais. Et il va être en âge sombre par contre. Mais il y a quoi comme bien comme carte d'âge sombre pour Iggy qui pourrait se servir là pour Sim? Okay. On n'a pas, hein. La seule carte qui est bien pour Sim en achat, c'est la carte isolationnisme qui fait des routes internes à +2/+2. Mec, attends, c'est quel âge qu'elle vient la carte d'achat pour faire les bateaux à +100%? C'est pas le premier, hein. C'est pas le premier, je crois que c'est à partir du troisième, je crois, troisième ou quatrième. Et encore, c'est les bateaux à 100%, mais c'est que les corsaires. Oh, Riggy, c'est les raiders. Il a 47 de science, alors qu'il est en libre pensée. Riggy, il est out de la game, moi. Genre, il est IRL jusqu'au bout. Oh, mec! Oh non! Oh non! Miam 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 les petits gueules. Miam 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 les roues de co. Oh non mec. Mec, cette galère d'Azagi, tu sais qu'il a prod il y a 50 tours. Qui se retrouve là. La ville? Les murs? Pas de PM. Tu sais ce qui s'est passé? C'est qu'ils sont passés, ils sont plus en monumentalité, du coup ils peuvent plus chop sa forêt. Mec, c'est vrai ça! C'est vrai ça! On ira voir les âges d'or une fois que tout le monde aura choisi. Sur un low roll, du coup, tu m'as dit que ça passait pas la caravelle? En même temps qu'il y a le chevalier dans la ville, ça passe pas. Ah, ok. Avant, il n'y avait pas le chevalier dans la ville. Mais là, on l'a smooth first move, normalement, il peut prendre la ville. Au niveau des guilds, qu'est-ce que ça donne pour l'Angleterre qui a des années-lumière de tout? Ah, mais là, faut qu'il arrête de faire des galères. Il laisse Poulpe gérer le naval. Et il faut qu'il fasse des colons là, faut qu'il fasse des colons, des villes, qu'il remonte. Il faut qu'il fasse des colons, plein de villes et qu'il s'étape des gueules parce que là il est en âge sombre. Il se dit, bah mon out dans la partie c'est faire plein de villes, plein de ports, plein de routes co et d'être en libre pensée, pas en libre pensée, en réforme de la monnaie prochaine. Mais putain, les routes co là, Zagi qui est là, putain. Il peut pas manger la deuxième parce qu'elle est sur une case de profonde. Ouais, mais elle va avancer à gauche là, ou là, ouais. De toute façon, il a juste à attendre ici et elle viendra toute seule la route. C'est vrai. First move en parlant de luxe. Mais je te trouve un peu médisant, mon petit pote Titube là. Pourquoi est-ce que tu crois pas toi? Moi des fois je vois des gens qui font des first move alors qu'ils les ont pas. Ça devrait pas t'étonner normalement. Il y,
Regarde les stats du Brésil, hein. Il est en 70, 102 quand même. Ah, mais il est super bien, ça, Game Versus. Hein. Alors qu'il n'a pas de jungle, faut noter. Il n'a pas de jungle, et comme je te disais, on peut faire des très bonnes games avec le Brésil. Donc là, il a décidé de faire une game avec des complexes de loisirs et pas mal de cultures, donc des théâtres. Ce qui est un bon choix. Et alors, 70 de science. Un congrès qui n'aura pas beaucoup d'impact, un congrès pas très important. Et là, tu sens qu'ils n'ont pas su de citer éteint. Regarde leur faveur. Ils sont 3 ou 4 à 40. A, mi B. Il y aura en effet aucun impact ce qu'on voulait. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait enlever. Kofi et Mimi. Ok. Café. Café. Il y a pas de café. En bas peut-être. Non. Et no coffee dude. Je me disais bien que j'avais vu personne s'étaler sur du café. Vote un truc, Michael. Dis-moi un truc, Michael. Jade, vote pour le jade. Salt. Ok. Du sel. Du sel, tu es là. Alors, sel, Michael. Ok. Alors, est-ce que Deluxe va pouvoir faire ce move après le congrès? Attention, est-ce que Titube a été malveillant de se moquer de... Enfin, Titube, t'es comme moi, quoi. T'es un mec bienveillant, normalement. Ça me choque que tu te moques de Deluxe comme ça. Genre, vraiment. Enfin, je pensais que toi et moi, on était la définition de la bienveillance même. Ah, mais attention... Attends, mais comment ça se fait? Il a eu un surplus de probes. Pas dire moquer, oh, mec. Il a chop. Non. Les murs, c'était un tour, non? Ah non, il a chop, je sais pas, mec. C'était un peu bizarre l'animation. Parce que, genre, les murs sont apparus après le chop. Enfin, avant. Je pense que c'est parce que toi, t'as chargé plus lentement que lui. Ouais. Ah, Deluxe n'a pas voulu faire ce move. Moi, je dis qu'il a pas voulu. Voilà. Je. Mec, attends, il s'est passé quoi là? Le Keshik? Le Keshik qui fait la smooth first move à tous les tours? Voilà, je pense que le Keshik tous les tours il fait la smooth first move. Ouais, mais mec, tape vent de dieu avec ton corsier là! Depuis qu'il n'a pas encore chargé là. Mec. Ah non, mais comment ça se fait qu'il a que un plus 3 Il a un espion, Azagi? Azagi a imprimerie. Il a pas tech imprimerie, Krista? Ok. Je l'avais vu commencer imprimerie. Mais il l'a pas fini du coup. Ok. Ou alors peut-être que son espion est en train de pex plutôt que... Ça serait bien qu'il arrive à monter en stade pour, comme tu dis, les gardes impériaux. Là en fait il est entre guillemets stable en défense et il fait trop d'unités, tu vois, là où Azagi, lui, il fait bah voilà campus, plateforme co, campement, il sim, tu vois. Est-ce que tu peux voir l'espion s'il pex ou est-ce qu'il est en mise sur écoute? Je pense qu'il est en mise sur écoute. Il est en mise sur écoute. Ok. Il n'y aura pas d'espion level 2. Il n'y aura pas d'espion level 2. Sauf Terracotta. Sauf Terracotta. Ok. On a une quadrirem. Est-ce qu'il fait du salpêtre, Titi? Toujours pas. Tout à l'heure, personne n'en faisait. Il fait du salpêtre. Un salpêtre. Rome a du salpêtre aussi. La Brésil a du salpêtre également. Il commence à faire des prébules des quadrirem pour aller déloger cette petite armée. Et par contre, j'ai un peu peur. Attends. Ouais, 32-34. Il faut vraiment qu'il ressorte des colons là, notre ami. Hein. Bien, regarde les galères. Et mec, les galères mongoles à plus 6. Ah oui, ce qu'il a imprimerie. Oui, je sais qu'il a imprimerie, mais c'est. Krista qui avait commencé à tech imprimerie et qui du coup l'a pas fini. Mais regarde, du coup, galère à plus 6. Mec, les bateaux mongols, la nouvelle meilleure unité du jeu. Quoi, après, c'est que. Genghis en naval, je suis pas convaincu, mais tu sais que Kubilai, je pense que Kubilai c'est une cible navale qui est ok. Parce qu'elle a sa carte jaune qui permet de mieux sim. Oh attends, moi body, on a gagné la diplo chez Barking Gang. Ok, il faut que tu la diplo d'ailleurs. Le Brésil est marrant. Les frontières du Brésil qui ne pourront plus être up. Et parce qu'avec la culture les baleines. Et les baleines qui ont été enlevées.
Fifi met une bille à tout le monde, on score de ouf apparemment. Quelqu'un dit dans le chat. Tu peux regarder un petit peu les heals. 153 de foot pour notre ami Fifi. C'est lui qui a le plus de villes, je crois. C'est lui qui a le plus de stats et. Point d'air, en effet, c'est lui qui a le plus de villes dans la game. De 8 villes. 53 de population chez Firsos. Et il fait des campus, alors, encore deux campus qui sortent. Et là, c'est les campus qui sont dans la jungle, c'est pas la même chose que les campus de là-haut. Renault, la ville. Je pense que Deluxe va passer un sale quart d'heure là sur un timing chapelle. Mec, c'est bombard, là. Moi ce que je trouverais très marrant, c'est que là, Fifi il sort deux catapultes, il déloge cette galère, il reprend le contrôle de sport et là il fait il le fera un moment, mais tu sais, il va les acheter à la fois, il va acheter Trébuchet. Mais là, regarde, il est en train de faire un projet général et il va faire un plays. Ouais, bah j'ai vu, il y a des chevaliers qui ont été en fabule. Chevalier coursé sur le Japon. Après, peut-être. Samouraï, hein. 105 de culture, oui, parce qu'on rappelle, les Minas se débloquent à nationalisme. Ils se débloquent sur l'art de la science. C'est vraiment, dans 3 tours, s'il achète des catapultes, qui reprend le contrôle de sport et qui me fait des Minas, je vais prendre beaucoup de plaisir dans cette game. Après, ça m'étonnerait pas que la bataille navale soit pliée de l'autre côté par Titis, qui a l'air... Après, Poulpe, 86 de science, elle aura, normalement, elle aussi les... Elle aura les frégates, mais après elle a que deux villes costales, là où Titis, lui, a une unité unique sur la mer. Ça serait un GG de cuite sur Minas, je pense que s'il y a des Minas qui sortent, c'est à la fin de la partie, clairement. Mec, agence d'enseignement, Poulpe. C'est pas Riggy avec ses 35 de science qui va défendre les Minas. D'ailleurs, attends, je peux regarder ça genre, donc Paint and Brush. Une nouvelle libre pensée pour Deluxe, ok. Paint and Brush. Le moment de la game où tout le monde fait un Paint and Brush. Et par contre, mec, agence de renseignement, Poulpe. C'est pas ouf en vrai. Moi, je suis pas fan. Moi, je suis partisan de faire le ministère dans toutes les situations. Sauf contre la Mongolie, par exemple, où t'as un besoin de l'espion, genre vraiment, genre le plus vite possible. Parce que là, Poulpe, elle est pas menacée par la Mongolie. Ou en tout cas, elle est pas menacée sur le timing des clichés, quoi. Elle aura largement le temps de faire un espion plus tard dans la partie. Mais ouais, je pense que Titid va pouvoir bien ramasser le naval. Riggy, il pourra rien faire, il a que des gars. En plus, Riggy, mec. Il va commencer à accumuler des jonques, plus 1. Bah, surtout que Riggy, gros, est 37 de science. Si t'as qu'imprimerie, il commence des pré-bulles de quadrirem. Mec, avant de faire tes pré-bulles, je fais des bâtisseurs, fais des campus. Regarde. Regarde Bristol. Qu'est-ce qu'il a aménagé à Bristol ? Il n'y a pas de cases. Bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de cases qu'il peut aménager, mais regarde, il a deux quartiers, gros. Il a une place théâtre et un campus qui sont pas sortis. Il n'y a pas de cases aménagées, oui. Tu peux chop ça, là ? Tu prends Bristol, tu as deux poissons, un crabe, deux collines où tu mets des mines. Non, mais je suis d'accord. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases aménagées. Non, mais je suis d'accord que là il doit pas faire ça, mec. Genre là il doit. Mais regarde, son nom n'est pas, mec, il y a encore des chops partout. En fait, il est déjà IRL et. Et il fait des trucs pour être encore plus IRL. C'est ça en fait. Genre il est IRL et il continue de faire des trucs pour être IRL. Regarde, Poulpe aussi, tu vois, tu fais une petite vague de bâtisseurs là, t'as encore tellement de chops dans ton land. Genre, let's go quoi. Bon, après, c'est vrai que t'as, sur les attraits, t'as pas envie de tout chop quoi. Je plus soi. Mais au moins aménager, tu vois. Limite, tu chopes quand t'as les outback. Parce que les outback donnent aussi un attrait. Ah, les gens qui sont là. Poulpe qui a perdu une caravelle d'ailleurs. Ah, ça va faire la police là. Ça va nettoyer tous les tours, ça va gratter un truc. Parce que Poulpe, elle attaque imprimerie. Prochain tour. Elle a encore que 3 pré-bulles de. En fait, elle a pas fait beaucoup de pré-bulles, Poulpe. En fait, tu vois, et c'est ça le truc, c'est qu'ils ont été trop vite en fait. Genre, ils ont été trop vite sur cartographie, donc du coup, ils ont pas pu faire beaucoup de pré-build. Bon, sauf Riggy, bien sûr, mais bon, Riggy, il est un peu IRL. Enfin, il est même totalement IRL, il est pas qu'un peu IRL. Et Poulpe, du coup, voilà, elle a pas de pré-build. Elle finit imprimerie prochain tour, donc elle aura plus 3. Mais elle a pas les frégates encore. Et elle fait pas de pré-build. Plus 3 parce que je pense que Lando a déjà l'imprimerie. Bah après elle a fait un. Si elle aura plus 3 parce qu'elle a fait une agence de renseignement. C'est vrai. Il y a un petit cavalier qui se balade chez Lando. Petit cavalier qui se balade chez Lando. Bam 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 bam. Oh non, le trébuchet. Tu vois comparé au Brésil,
comparé à l'Indo, ou même à Rome, hein. Rome qui était quand même boxée par la France. Rome, Rome, elle avait du land, tu vois, elle pouvait bien s'en sortir. C'est Poulpe, elle a un très bon land, je suis d'accord. Et tu vois, chez Quidditch, j'ai l'impression que personne n'a réussi à décoller, même de luxe, tu vois, qui était une ligne pensée pour la deuxième fois de suite, mais qui décolle pas en stade. Ouais, 70 de chance. Ouais, je suis d'accord. Non, je suis totalement d'accord. Mais tu vois, Deluxe, et ça je le redis, il était dans une bonne position pour faire une game de l'US1. Il était frissime. Et il a beaucoup d'îles à settle. Et avec des lieux 1, il aurait pu du coup settle toute cette ville. Toutes ces villes. Petit feed the world là, sur toutes les cases. Surtout en plus, ouais, un petit feed the world avec tout. Ah, parce que son land. Ouais, j'ai vu. Un coursier. C'est là, mec, regarde, tu vois, Takamatsu, gros, jamais elle, gros, jamais. Jamais. Il n'y a pas de case de bouffe. Jamais elle, gros, Takamatsu. Ouais, je suis tout à fait. Alors que tu vois, là, un petit lieu 1, feed the world, tranquillement, tu vois. Tu fais ta game tranquille, quoi. Et c'est ça qui est cool en plus avec leur draft, c'est que t'as Poulpe qui peut partir Eevee Science et peut poser des ports, Victoria va poser des ports quoi qu'il arrive. Ton Japon, bah tu vois, c'est, en fait ils ont des picks vachement polyvalents en aval. Tu vois, ils sont pas obligés d'être sur un plan de jeu, port, libre pensée, on rush Caravel et let's go, tu vois. Ils sont vraiment, c'est des picks navals qui sont très polyvalents et ils ont pas profité de cette polyvalence. Et c'est dommage. Le GPT là qu'on voit là-haut, c'est le gold qu'ils ont en banque. Ça c'est le GPT, mec. Rome qui est bien monté en GPT. Hein. 122 qui se met bien avec l'Indo. Il y a une petite trade d'autres tous les deux là. Ah bah là ils se mettent bien. Bah, c'est ce que je dis en fait. Hier il avait pas encore sorti ses ports, il a pas sorti ses phares. Il y a Zaghi, arrière de la ville de Zaghi. Il s'est mis Costa, il a mis sa arena. Personne va lui envoyer des routes. Hein. Je pense que personne va lui envoyer d'autres. Bah, en tout cas pas tout de suite. Arsenal de Venise 11 tours, mec. Chez Dititz. C'est fini là. Je pense que la game est quasiment finie. Ouais. Je suis assez d'accord. Firsos qui a. Très bien scale dans son coin également, qui va pouvoir faire quasiment ce qu'il veut de la partie avec sa chapelle, avec ses minas là qui vont finir par arriver à un moment donné. Il aura en général, il pourra se défendre en terrestre. Azaghi qui est en train de setup ses armureries, ses ordos, il finit des bibliothèques. Ouais, et Krista qui décolle pas, hein. 66 de science, alors qu'il a eu un start explosif. Vraiment dommage, hein. Vraiment, vraiment dommage. Hein. Il a vraiment eu un start incroyable. Hein. J'ai vraiment du mal à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la game de Krista pour qu'il arrive vraiment pas à décoller comme ça. C'est dommage. Tu peux faire un petit filtre empire sur Firsos, mec. Tu peux faire un filtre empire sur Firsos. Après, on voit pas. Voilà. Place du théâtre, des places du théâtre partout. C'est beau quand même, hein. Les petits carnavals. Mec, je vais jouer le Brésil. c'est vraiment chouette à jouer. Mec, moi, c'est une de mes cives, tricky que j'aime bien jouer. Oh. Oh, petit cavalier, là. Oh, bah ah. Merde. Il a des PM encore, ce colon. Il a encore des PM. Il a des PM, mais il a des PM. Il aura pas d'accident. Il rentre chez lui, hein. Il aura pas d'accident, mec. Alors, qu'est-ce que ça take là? Voile carré, 4 tours chez Poulpe. Il n'y a pas de prébuild. Imprimerie 4 tours chez Riggy. Ah, Titit, faut pas qu'il se presse. Hein. Faut qu'il aille pex ce qu'il ouais, peut. Ouais, faut pec. Qu'il aille tranquille. Et c'est en vrai. Je suis désolé de dire ça à l'avance, mais. Qu'un mec qui est tout seul sur le naval et l'ascendant sur les autres, c'est. Il y a l'ascendant surtout sur Victoria, hein. Victoria qui est censé être. Avec. Le meilleur pick de la draft. Mec, il est en 2v1. Il est censé, ouais. Je dis bien, censé être en 2v1 naval et il a l'ascendant sur les deux mecs. Genre. Ça, c'est pas normal. Après, ouais, Poulpe. Comme... Poulpe, elle a. Ah. Après, il s'en fout de trade dans les caravels, il trade avec les jonques. Attends, regarde attends, un deal de jonques. Non mais en fait elle a plus 6 de renseignement Poulpe. Il a pas imprimerie Tizit. Ah oui il est sur un générique. Ah mec là le plus 6 de renseignement il fait mal quand même. Hein. La plus 6 de renseignement qui fait mal. Et Titis qu'il sait hein, il est pas bête, hein, il va pas se. Oh jure il y va Poulpe, mais y'a pas l'amiral. Oh non ça c'est mal joué ça. Parce que là si y'a l'amiral elle le tue. Il n'y avait pas l'amiral en zone, donc du coup elle a pas pu tuer. Et voilà, au final il se passera rien, toutes les caravelles rentrées à la maison. Oh, Titi. Attends, Titi, il a eu le temps de faire le grand phare?
Il a fait le grand phare dans Singapour. Oh, le plus... Moi, j'aime beaucoup le grand phare. Le plus 1 PM sur toutes tes unités navales, il est quand même juicy. Hein. Je suis d'accord. En plus, il vient de le finir à l'instant. Étrier pour prochain tour pour Krista. Ah, mec. On l'avait call, genre, tour 10 quand il a posé cette ville, que bah, au bout d'un moment, il y aurait des caravelles qui viendraient... s'infiltrer dans le lac quoi. Trop. Et là Krista, comment il est pendant deux là avec les caravelles? Avec des catapultes normalement. Ah bah il les a fait un peu tôt les murs hein Krista hein. Il les a fait un peu tôt les murs. En fait il a eu peur, mais il a pas eu besoin d'avoir peur, genre je pense qu'il est un peu overreact sur les murs. Petite caravelle dans l'eau là. Ah il faut des catapultes normalement pour défendre ça. Attends, mais JR a pas imprimerie? Attendez, c'est quoi ces gens qui tech pas imprimerie là? Deux tours. Deux tours, ouais, mais c'est tard. Alors, qu'est-ce qu'on a? Anshan qui est vraiment conteste. Hein, j'entends beaucoup de up là. Ah ouais, Riggy, il vient d'up toute sa flotte. Alors, c'est un peu dommage parce qu'en fait, Tititz, il peut se dire, bah je défends avec ces trois cases. Et du coup, vos 1000 caravelles là, bah elles servent à rien. Donc, Riggy, il a up toute sa flotte, donc qu'est-ce qu'il va en faire? Ah bah là, il peut rien faire. Hein. Là, il a upgrade des unités qui coûtent plus cher à maintenir. Il va les amener devant chez Titis et il va faire. Bon, bah, je peux rien faire de plus. Ah, il continue à slam. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, motivé. Hein. Motivé de luxe. Hein. Je suis étonné d'ailleurs que j'aimerais vraiment. Ah bah, ingénieur le prochain tour. Ok, il avait pas les catapultes. Poulpe fait plus de prébulles quand même, t'en as que deux. Non, vraiment, t'as pas envie? Tu prébulles là? Oh mec, quand l'arsenal de Venise va sortir, mec. Ça va être. Ça va être dur, hein. Ça va être les jonques en deux tours, ça va être les carvelles en deux tours. Ah, je pense que Tidit il a déjà gagné le naval. Hein. Je pense qu'il a gagné le naval aussi. Je sais pas, quand tu vois l'arsenal de Venise sortir en face, tu sais que ça sera très difficile de compete sur le long terme. Le différentiel, le prod d'accord. Est vraiment trop important. Oh, des petits kéchiks. Oh mec, le petit... Oh mec, le petit campement de l'autre côté de la montagne là. Oh mec, ça j'aime bien ça. Moi ça... je pensais que c'était un campus à un moment, on voyait un scout là d'un côté de la... Mec, c'est si smart. En plus, il va les chop, c'est Keshik de ce côté-là. Ah, mec, c'est trop bien. J'adore. Oh, t'es coursier, jure, il s'infiltre. Ah ouais, parce qu'en fait, Azegi, il a fait aucune unité. Mec, je suis mort. Oh non. Il a vu les supercheries. Bordeaux qui tombe, et ça, c'est terrible, mec. Bordeaux qui tombe, c'est vraiment terrible. Hein. Mec, trop bien ces petits bateaux là. Franchement, cette petite mare, gros, je les call quand il a posé Bordeaux. Que genre, il allait avoir des caravelles là-dedans, je les call. C'était sûr en fait. Où est-ce qu'on est en termes de yields? Deluxe qui tient la baraque en termes de gold avec Riggy et Merigi, qui lui est à tête sous l'eau, donc il servira plus à grand chose. De science aussi de luxe. Hein. Ouais, bah là je pense qu'il a sorti ses campus et tout. Là, je l'ai énervé tout à l'heure, je lui ai dit qu'il arrivait pas à décoller, pam. Ah oh bah. Bibliothèque là dans les campus. Oh le Krakatoa, ok mec, c'est la quatrième fois de la game qui pète, il a fertilisé 7 cases. Attention. Est-ce qu'il y a une case à 5 de science, mec? Oh le roll. Le roll, mais il y a des cases à 3 de culture. Mec, c'est là, trop. Combien de pop là, ça a tué? 4 de pop perdu. 4 de pop perdu. Aïe aïe aïe. Et Bordeaux qui est rasé par les caravelles. Ça c'est terrible. Hein. Je te le dis. C'est vrai le Force Blood. Oh non. Ouais. Deluxe qui aura pas eu le First Blood. Je crois que c'est la première vidéo. Autre que les cités. Reprends. Oh, je t'en supplie. J'ai envie de lui mettre un message. Mec, fais des catapultes, fais des minaces. J'ai envie de lui mettre un message, gros. T'inquiète qu'il va le. Il va les faire ses minaces. Là, il est à lumière de tour, il va faire nationalisme.
ne serait-ce que dans la ville qui te fait slam. Tu fais une petite caravelle, bah, tu as une petite quadrième que tu upgrades en Minas, je t'assure que la caravelle 2 étoiles elle va s'en aller. Ah oh non mais fais des projets. Riff, je t'en supplie, fais des bats. Fais des bâtisseurs. Si tu veux pas faire de colons, tu veux pas faire de ville, fais au moins des bats. Mais ça en fait c'est... Attends, c'est un escape settler? Non, je pense pas, je pense qu'il s'étale à un autre continent, non? Après il y avait... Tu pouvais s'étaler là, tu pouvais s'étaler ici... Ah ouais, il pouvait clairement s'étaler ici, qui était mieux. Mec, je comprends pas ce colon là. Il fait les points d'air dans la tournoi peut-être. Mais en fait même pas. Mec, mais... tu prends le pari que c'est un escape? Non. Je te promets que c'est un escape. Tu suis pas un escape settler alors que t'es full free sim depuis... Je te promets que c'est un escape, mec. On lui demandera à la fin de la partie. Bah, de toute façon, s'il settle pas sa ville, c'est que c'est une escape. Hein. Là, regarde, à 2 PM, il ne settle pas. Ouais, mais t'imagines, il est déjà IRL. Regarde, oh, là, il s'en va, c'est un escape, gros, je te le dis. Il est IRL en termes de stats depuis tout à l'heure. Mec, c'est fou un escape settler. Mais attends, mais si lui commence à s'escape, genre, qu'est-ce qu'il fait dans la partie? Ah, bah, je sais pas, mec. Parce que c'est pas Krista qui va débloquer une situation sur le long terme, je pense. C'est Poulpe qui peut peut-être débloquer, Poulpe ou Deluxe qui peut éventuellement faire quelque chose. Bah non, parce que Deluxe lui va prendre la pression du Brésil. Deluxe il risque de prendre la sauce là quand Fier Sauce il aura les cuirassés. Donc du coup, Deluxe il va pas pouvoir faire quelque chose. Non, bah c'est le. Moi je pense que la game est déjà gagnée pour Barking hein. Parce que là, Rome il resettle, là il va rescale. En fait, tu vois, c'est ça la différence, tu vois. Genre, JR il a sorti 5 villes, il assume, enfin, il a sorti 6 villes, il assume sur 6 villes. Il a sorti ses bats et tout. Et là où Riggy, en fait, c'est Riggy, il n'a pas fait, il a, voilà, il a refait des bâtisseurs, mais il a pas fait de colons. En fait, il a pas fait ouais, d'autres villes. C'est trop tard. Ah bah maintenant, gros, c'est trop tard, je suis d'accord. Le BO que je disais tout à l'heure, en gros, il consistait à faire 3 villes simplement. Les phares sur 3 villes, histoire d'avoir un petit peu de prod, un petit peu de bouffe, etc. Et ensuite sortir une vague de colons. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Riggy, il a fait ses phares, il a fait ses routes commerciales vers l'Australie. Et après, il a fait direct des projets, j'ai l'impression, d'Amiro, où il a commencé direct à faire des bails sombres comme ça pour contester genre Gaius ou des trucs du genre. Mais ouais, je sais pas ce qu'il a fait de sa game, Riggy. Bah... Non mais en fait, il a juste les bâtisseurs, le chop en mid-game, il a parfait de ville. Parce qu'en vrai... Tu fais un bat dans chaque ville, le bat il va chop un colon dans chaque ville, déjà t'es sur 8 villes. Enfin, tu vois genre Kaoka, il a pris Kaoka, donc il a vu ici, tu vois, il a vu il y avait de la côte là. Genre elle est pas dégueu à Settle, enfin... T'as non, des chops... Ouais, tu mets une petite ferme sur ton petit Rorema, ça te donne un chance, une petite mine... Enfin non, il a juste manqué de ville en fait. Il a juste manqué de bâtisseurs et de ville, c'est tout. Je pense qu'ils se sont trop mis en tête du timing caravel et il est là le problème. Alors regarde là, ça se bat encore. Est-ce qu'il a assez Titis là? Parce que du coup, je pense que Riggy il a. Bah, Titis il a l'arsenal dans un tour. Ah, donc, il a un Ironclad, Riggy. Ah, il a vu l'amiral de l'Ironclad. Après l'Ironclad. Bah, Titis, non mais. Riggy il a beau être en retard en stats, là il a quand même beaucoup de caravel. Il peut se permettre d'empaler et de peut-être passer en force. Bah, comme je dis, il a l'arsenal dans un tour, Titis. Genre, il va reprod, il va faire des. Enfin, il a exploration, je suppose, donc il a la carte 100% de prod pour les bateaux. Oui, il a fait il y a un moment. Enfin. Normalement. Ça devrait pas avoir de problème. Il a 3 fois la prod de Riggy. 3 fois la prod multiplié par 2 puisque tu vas faire l'arsenal qui produira 2 focus. Poulpe qui ramène des frégates quand même. Ah, il peut encore se passer des trucs hein, mais j'y crois moyen. Hein. Je vais être franc. J'y crois vraiment moyen. Hein. Regarde chez Azagi peut-être, il y avait quelques coursiers qui. Oh, c'était juste pour piller, voilà, Azagi il a sorti des unités. Il a volé un coursier même. Dommage, c'est dommage en vrai, c'est dommage. Beaucoup en fait, voilà mec, tu vois, regarde, t'as un cuirassier, mais bon. Voilà, plus de cuirassier. Il y a plus de cuirassier. Cuirassier mort. Non mais je pense juste, voilà, c'est juste des erreurs de micro, hein, de gestion qui ont été faites par Cuit. Que... Il y a rien dans la flotte à Riggy.
Y'a rien chez Riggy. Mec, y'a rien dans la flotte Tari, gros. Enfin, gros, il a perdu son Ironclad. 3 tours la caravelle Singapour, ça y est, c'est fini l'Arsenal. Non, prochain tour, c'est prochain tour qui est fini. Singapour, il fait une galère une caravelle en 3 tours. Avec l'Arsenal, c'est 1 tour et demi. Alors qu'il a 23 de prod dans la ville. Mec, attends, je vais voir. Dans la partie où j'ai joué le Brésil la semaine dernière, dans la semaine en formation. Une caravelle, ça c'est le coup en vitesse normale. Ouais, c'est en vitesse normale. Donc ça coûte 122 prod. Je me suis aperçu qu'il y a, je pense, un bug avec la carte de production pour les bateaux sur les quadrièmes. Les quadrièmes ne sont pas réduites en production, parce que j'avais l'Arsenal de Venise et j'avais une cape qui était genre à 70 de prod. Et je faisais des quadrièmes en 2 tours. Et je faisais des aéronuclades en 2 tours. Hein? Ouais, je suis d'accord. J'ai essayé de calculer. Avec l'Arsenal, j'avais l'Arsenal, j'avais presse, j'avais toutes les cartes que tu voulais. J'avais 70 de prod dans ma cape et je faisais les quadrièmes en 2 tours parce qu'il faut. Il me disait qu'il fallait 70. Non, il fallait 120 de prod pour faire une quadrième. Okay. Du coup, l'Ironclad c'était 2 tours alors qu'il fallait 340 de prod pour faire la. Donc je suis assez interloqué par les quadrièmes. Ouais, voilà, mec. C'est toujours qu'un tour. La Tidup qui me dit c'est pas que sur les quadrièmes. C'est sur tous les bateaux. Mais non, parce que les frégates. Je faisais des frégates aussi en 2 tours. Je faisais tous mes bateaux en 2 tours en fait. Ça fait des bugs sur des guerriers et autres. Ah ouais. Sur les guerriers, j'ai jamais remarqué. Non, mais là. Moi, là je sais un mec, où... Mais tu sais qu'ils vont se faire reboot, hein. Mec, il va contre-push en fait là. Avec l'Arsenal. Là, c'est fini le naval. Là, il va y avoir un déferlement de bateaux. Des unités que tu pré-build. Ah, tu penses que c'est le fait de pré-build des unités? À partir du moment où l'unité a une évolution. Des fois il arrive que tu fais un gars en 3 tours et des spades. Ah ouais. Ah, j'ai jamais fait gaffe à ça. Moi j'ai jusqu'à là avec quand j'ai joué, ça faisait un moment que j'ai pas joué l'Ottoman. À l'époque où c'était pas modifié comme maintenant, et je faisais des janissaires en 2 tours et je faisais des spades en 3 tours. Donc tu le dis. J'ai eu ce cas de figure. Et du coup c'était juste. Bah insensé quoi, quel intérêt de faire un spade en 3 tours quand tu peux faire un truc plus fort en 2 tours. Enfin, même si tu perds un prod, un de population avec le janissaire. Mais... Oh j'aime bien le samouraï quand même. Par contre Deluxe il a plus 3 de renseignements. Ils ont du mal avec l'imprimerie hein, du côté de Mec c'est chaud. Eh hey, tu faudra que tu dises à tes mates là, imprimerie quand même, plus 3 c'est pas mal hein. Tu peux monter le son de Chuck s'il te plaît? Ah ouais? Ah ouais encore? Enfin, je vais finir par hurler. Mec. Mec t'es à 200% Discord, 50% sur le PC. Quoi? Je suis à 200%? Je te jure t'es à 200% mec. Tidida. Mec, voilà, Riggy, oh, il fait des corsaires, jure, il va faire des sous-marins. Mec. Oh, il a tout intérêt, hein, ça. Oh là 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 là. Faire 2 corsaires ou 3 corsaires, ça fait le réca de. Par contre, corsaire 3 tours, alors que t'as Arsenal plus carte 100% de prod. Est-ce que c'est pas ce que je t'ai dit tout à l'heure? C'est bizarre parce qu'il faisait déjà une caravelle entre toi. Vu la game, est-ce qu'ils ont besoin d'imprimerie? Quel bâtard. Ah, mais dis-leur quand même, imprimerie c'est important, non? Je sais pas. 2 hein. Tours balistiques pour Azagi. 2 hein. Tours balistiques pour Azagi. Science militaire, 8 tours. Eh, en vrai, mec, en vrai. Mec, est-ce que c'est pas ça en fait, le move qui renverse toute la game? Est-ce que c'est pas finalement du card impériaux, mec? Comme notre game contre WCG là, qui partait, partait. On était complètement dans les choux avec Ulysse, puis j'ai fait les gardes impériaux sur le continent, j'ai rasé des gens. Au final, le garde impérial, c'est une bonne unité. Hein. Attention quand même à Titit, parce que là il fait les bateaux en 1 tour ou 2 tours, mais s'il perd la choke là-haut. Et qu'il perd trop de masse. C'est vrai qu'il faut qu'il fasse attention quand même, je suis d'accord. S'il perd plus de bateaux qu'il en construit, même s'il est construit en tour, ça peut être dangereux. Genre, il peut se faire libérer Singapour, il peut se faire encercler. Après, le truc, c'est en fait, on a l'impression qu'il a pas beaucoup parce qu'en fait, il a envoyé tous ses bateaux sur Eugène.
Et le truc, mec, et mec, c'est assez incroyable. Regarde, regarde cette. Est-ce que tu trouves pas que c'est une belle bataille navale? Il manque un truc, moi, je quand même. Mec. Est-ce que du coup, c'est pas une belle bataille navale le fait qu'il manque un truc? Bah, si, mais du coup, tu sais qu'il manque un truc là. Ça pourrait être une bataille navale plus optimisée. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est pas juste une belle bataille navale et Osef, tu vois, de l'optimisation de merde là? En vrai, ils ont peut-être fait un gentleman agreement avant la game, en mode on fait pas de scouts. Sur TBD, l'autre Zezulinan player de carrière a dit que c'était Jack qui avait carry. C'est quoi sur TBD? C'était pas d'ailleurs, Turk sur TBD, l'autre Zezulinan. On avait joué contre Wheelchair Gaming. Ah, la game où genre Chuck qui jouait la France là? C'est carrière... c'est Jack qui a carry? Que c'était Jack qui avait carry cette game? Ouais, le émote doute, tu sais. Un mec là, il gros doute quand même. Hein. Un peu. Permettez-moi de douter. C'est bon. Même carrière, douter, quand même, ouais, hein. Carrière. Mec, il se faisait laver carrière. Il était là, les mecs, j'ai des grosses couilles et tout. Il s'est fait raser sa cape et tout. Il se faisait laver en fin de game carrière. Les autres, ils ont juste cessé parce qu'ils en avaient marre. Mais je pense que si la game elle continuait, ils avaient moins de gagner. Enfin, non, pas qu'ils en aient marre. Mais le Japon aurait pu continuer et tenter la gamme en vrai. Je pense qu'il y avait match. Ok. Bon après, si il veut dire que Jack il a carré, il a le droit. Moi je sais ce que j'ai fait comme game. Et je sais que, genre je le dis, on jouerait pas contre Itapael si j'étais pas là contre WCG. Hein. Mec! Ce que regarde là, mec, on voit que quand même Barking Kong c'est une team incroyable. Regarde les yields. Bah, tout le monde est à l'unisson, tu vois. Genre, c'est à peu près, c'est propre, c'est correct. Tu sens que les lands sont aménagés. Et là, voilà, regarde, tu vois. Là, t'en as deux par exemple chez Cut Impérial. Ils sont vraiment un peu derrière. Ils sont IRL par leur choix et non pas par leur position. Soyons honnêtes, on peut le dire. C'est vrai que Krista, il était pas trop IRL avec son volcan. Hein. Ils sont IRL par leur choix et non par leur position. Et ça se voit, hein. Ça se voit. Moi, je rêverais d'avoir un petit settle là sur une case de 2-3-1 là en early avec un petit volcan. Et là, tu vois, Azagi, c'est notre joueur faible. Ah bah, Azagi, le joueur faible, bah mec, hé, Titube, est-ce que c'est pas Azagi qui t'a dit d'ailleurs de pas go naval avec ta perse là dans votre 2v2, mec? Bon, la choke commence à céder, mais il y a quand même plus beaucoup de caravelles anglaises, hein. Il y en avait beaucoup plus, hein. Et la deuxième lame, tu vois, il y a les... Et là le truc, c'est regarde, mec, il fait tout en un tour. Genre... Comme je t'avais dit, genre, Reggie, il s'est dit, je m'en botte les couilles et je vais suicider toutes mes caravelles pour forcer le blocus. Bah ouais, mais ça va rien et faire. Et là, attention, parce que du coup, Titis, faut pas que, comme je disais, faut pas qu'il se fasse non plus enfermer. Parce que là, en bas, il pourra plus ramener de renfort par le bas, puisqu'il y aura des. Il y aura juste une case de passage. Là, il faut qu'il ramène toutes ses caravelles direct en haut, là. Ouais, il faut qu'il aille en haut, ouais, je suis d'accord. Il y a une caravelle de JR qui arrive aussi. JR le sauveur. JR le sauveur, putain. JR qui vient impacter la bataille navale, on dirait que c'est grâce à lui. Hein. Ouais, mec, ah ouais, mec, viens, on fait ça à la fin de la game, on dit que c'est grâce à JR que la bataille navale elle a été gagnée. Grâce au Carvel qu'il a ramené au front pour défendre Titits. Aïe aïe aïe. Les pires trolls. Bon, comment que ça se passe ici? Ça avance tranquillement? Ça avance tranquillement. Là, mec, ah non, bah non, 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 bah non, bah non, bah non, bah non, bah non. Deluxe, tu fais... J'aime bien l'analogie de Tidub avec JR, c'est notre Jack qui carré des games parce que souvent c'est lui qui se fait raser aussi en 30 tours. Bah non, mais là par contre, je suis pas d'accord avec Deluxe là. Tu fais pas des murs contre des bombards de régiment. Ouais, je suis d'accord aussi. Et le général, c'est quoi? C'est le général. Attends, mec, attends deux secondes. Il y a des last move et de first move à regarder là. Ah ouais, Titits qui a pris la bonne décision, qui est reparti. Oh non, oh non. Oh non, JR, il peut pas venir sauver les gens. Sa caravelle, elle s'est fait détruire. Oh non. JR ne sauvera personne. J'imagine que le seul impact de JR sur la bataille navale, c'est René Caravelle qui est pris un ouragan. Imagine que le seul impact de JR sur la bataille navale, ça a été de raser une ville dans un lac. Grosse bataille navale de la part de JR quand même. Ça enfin, c'est tout à son honneur. nationalisme. Deux tours pour notre ami Titit.
Fifi qui est sur Génie Civil. Tu vas mec. Sur le rush statue là. Oh, ça y est, mec. Des minaces. S'il vous plaît, des minaces. Je vous en supplie, je veux voir des minaces dans cette game. Regarde, il fait des conneries, moi. Alors, du coup, tu disais, c'est Tamerlan, donc il marche sur les bombardes. C'est quoi le nom de la ville à Firsos qui se faisait taper par la galère? C'est un nom de ville. C'est bien ce que j'avais vu. Phonisville, but still où? J'avais pas vu. J'avais vu là tout à l'heure. Il t'envoie des messages. Aïe aïe aïe, je vais te reporter l'organisme d'un plus pour la game. J'envoie des messages aux joueurs, c'est sûrement un message codé entre vous, je suis sûr que tu l'aides. Ouais, là je lui ai indiqué en fait que Deluxe il avait plus d'unité navale et que c'était le moment de, tu vois, d'acheter des quadrirem. C'est un message codé. Ça trade encore pas mal. Ça trade pas mal, hein. Mais surtout la reprod, hein. La reprod de Titsits qui lui permet de trade, hein. De Titit, ce qui est incroyable, et heureusement qu'il a fait son ancien Deveniste très tôt. Hein, mec, ouais. Est-ce que la caravelle de JR meurt? Oh, dommage. Est-ce que ça reproduit des bateaux chez Riggy ou chez Poulpe? Je crois pas. Ça fait des chevaliers. Ah oui, parce que regarde au-dessus de. Il y a Azagi qui a pris une ville à Poulpe. Oh, mec, jure, pardon! Oh, le campement! Je t'ai dit, oh, je veux pas me casser les dents sur la France. T'imagines que tous ces trucs là, il les a fait avec un campement. Mec. Ça me termine, tu sais qu'à mon avis, quand il a pris cette ville, en plus il avait la horde mongole, je pense. Bah, je pense aussi, je pense que Poulpe elle avait son amiral. Poulpe elle est morte là, mec, elle peut pas défendre. Bah, ouais, elle est morte. Parce que là, du coup, en plus avec les golds qu'ils font, il y a Melbourne hein, qui font 4 tours. Je pense qu'il prend la ville, tu vois, ils achètent 2 bombardes, c'est fini. Mec, j'avais pas vu. Je pense que c'est bientôt le CC en vrai. Non plus, et du coup, je me suis dit, mais tout à l'heure, il y avait quand même 2 Keshik. Et là, je vois en bas sur la mini-carte. C'est vrai qu'on l'a laissé il y a longtemps, ce campement. Et je vois qu'il y avait un point rouge en bas, je me suis dit, mais tiens, mais c'était une ville à poulpe, ça. Un point rouge en bas. Ah merde, les gars, je comprends pas, il y a un point rouge en bas. Mec, Azagi, mais quel... Aïe, 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 incroyable. Voilà, Zegli qui a compris que pour, en fait, pour être top stat de sa team, il fallait prendre les campus de l'Australie. Mec. Mec, regarde, il remonte en prod. Et voilà, ah, et voilà, c'est Fifi. Point faible de l'équipe, maintenant, c'est Fifi. Voilà. Oui, mais lui, il va avoir les minas. Est-ce qu'il y a plus d'impact que JR? Alors, JR, il fait du gold. JR, on peut lui reprocher plein de choses. Mais JR, il fait du gold pour l'équipe. Et ça, c'est important. Ouais, qu'est-ce que tu peux lui reprocher à JR sur cette partie? Il a fait ce qu'il fallait, non? Oh, moi, je il pense qu'il a fait. Français, il a rasé une ville. Moi, je pense qu'on peut lui reprocher plein de choses, comme ne pas avoir fait de prébulle pour aider son copain en aval. C'est vrai. Et il s'est dit plutôt de les empaler dans les bateaux adverses, je vais les empaler dans l'ouragan. Oh, mais c'est grave hein, que Azagi ait pu poser ce campement. Hein. Et que personne. Et encore. Dans la partie, si Poulpe, à un moment dans la partie, elle avait un scout qui était sur ce campement. Et Azagi avait ramené un Keshik qui était sur la case de colline 2-3. Et en fait, il a tiré sur le scout pour le déloger. Hop là. Melbourne qui est récupéré. Mec, il garde les villes, il en a rien à foutre. Bah ouais, genre là, il les garde, il va acheter des trucs dedans. Non, je pense que c'est bientôt le GG là. En plus, ils sont en train de. Je pense qu'ils vont bientôt perdre la naval. Il y a les 2 étoiles qui arrivent. Ça en est où? Firsos qui vient de raser une ville à. Ouais, non, il y a tous les fronts qui meurent là. Firsos qui vient de raser une ville à. À Deluxe. Ah bah, il gagne sur tous les fronts. Mais. Est-ce qu'il y a bientôt les gardes impériaux? 2 tours. Il n'y a même pas de minas, ça dégoûte. Oh, une quadrirem! Il avait des quadrirem dans la ville. Il y a du charbon? Il n'y a pas de charbon, mec. Oh, il y a du charbon! Mais Lando, on a. Lando, on a. Oh, mec. Alors, peut-être. Alors, peut-être une minas avant le CC? Avant le GG? Ouais. Mec. Je pense qu'il fait 2 minas genre tout seul. Quoi. Là je pense que le GG il est pour bientôt. Hein. Là, ah bah là c'est sûr. Tout cuite impérial s'effronte. Tous les fronts de cuite impérial qui sont en train de se faire enfoncer.
Et du coup, l'escape coulant de Riggy, il est où? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un tour pour ce settle-là? Alors là, mec... Étonnant. Là, je suis complètement dubitatif face à ce move. Hein. Je suis complètement perplexe, dubitatif, tout ce que vous voulez. Je ne comprends vraiment pas ce move. Hein. Genre, mon niveau de compréhension est à moins 1000, là, à peu près. Sur l'échelle de la compréhension. Sur l'échelle de wouh. Sur l'échelle de la wouhution. Comme dirait Fifi. Brisbane qui tombe. Ah non, un tour. Ah, dommage. Petite bombarde, là. Ah, petite bombarde. Allez, let's go. Let's go, petite bombarde. Incroyable, quand même. Incroyable qu'Azagi enfonce full comme ça, gros. Par terre. Ah ouais, ouais. Genre, c'est il arrive, gros. Comme ça, là, il prend les villes par derrière, gros, en mode docker. Et du coup, bah, Poulpe qui pourra jamais aider en aval. Ah bah là, c'est fini, hein. En plus, regarde, regarde. En plus, Titits qui push back. Genre, il y a tout qui s'effondre. Là, c'est terrible. Trois tours moteur à vapeur en plus. Mais là, là, tu sais que ça va bientôt être terminé parce que JR va pouvoir enfin venir avec ses caravelles. Là. Mec, JR, il va enfin venir, mec. Tu sais que d'ailleurs, il a deux caravelles qui dorment ici, qui font rien. Ouais, je tiens juste à le souligner. JR. Ouais, mais tu sais, c'est parce que JR il a pas besoin de ça. JR, une seule caravelle, ça lui suffit à faire pencher la balance. JR, une seule caravelle, ça lui suffit à faire pencher la balance. En la faveur. Mec, c'est vrai qu'il la regène là. Bientôt JR. Et merci beaucoup, Malm, pour le raid. Mais là, c'est pour vous, vous arrivez sur une game qui est bientôt finie. Bienvenue à tous. Ils vont cesser quand ils vont voir les caravelles. Mec, j'ai envie de voir une minasse. Je vous en supplie. J'ai envie de mettre. Lando donne son charbon juste au Brésilien. Je pense qu'il a nationalisme, le Brésilien. Mais mec, c'est quand les minas là? J'ai envie de mettre Minas Wen. Tu m'autorises ou pas? Je t'autorise parce que la game, de toute façon, n'aura aucun impact. Merde. Minas. Wen. Je mets des pins dans ces villes, ils voient plus rien. je voulais raid l'autre game, mort de rire. Ah merde. Bah, bien joué, Malm. Malm qui ne sait pas raid, apparemment. Ça s'est bien passé le 2v2, Malm. C'est qui a gagné? C'était Nerevar et Spriggan contre Jack et Yeli. Je crois que ça a gagné, j'ai pas pu suivre. J'ai pas pu suivre non plus. Du coup, ça sera notre prochain adversaire. Est-ce que ça sera le carton plein de Barking Gang? Est-ce qu'ils ont gagné? Il a fait Terracotta! Oh, il y a tout dans Titit. Il y a tout dans Titit. Toute cette flotte qui a plus 1. Il y a plus d'amiral, il y a plus d'escape, il y a plus rien. Il y a plus de caravelle, il y a plus de frégate. Jack. Zéro win. Jack a win avec deux caves. Ah bah. Jack a win avec deux caves, quoi? Sur plateau de deal, tu sais, sur un petit placement hasardeux. Faut que j'aille voir cette game. Je pense qu'après cette game, je vais aller voir le cast de Malm. Ah mais mec, mais regarde, imagine, tu dis, ce gros, il est tout seul, il en devient un aval et il push back, ça me fume. Hein. Je suis désolé, mais ça me fume. Et tu dis qu'il est en 2v1, il y a JR qui est à côté? Ça, il est en 2v2. Oh! Oh, il y a JR! Oh, JR, regarde, il est si. Regarde, JR Chad, gros. Il est là. Il est sauce Tonks. Est-ce que quelqu'un dans la game pourrait dire: moi, j'ai eu une armada de Carvel? Non, JR, il pourra. Personne pourra le dire. Alors que JR, lui, il a Ice Tonks. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait avec ses Carvel? Ah, bah ouais, bah non. Il a pillé les très hauts, sauf que les très hauts des Aegel passent pas par là, quoi. Deux caves achetées grâce au Panthéon Idole Religieuse. Il jouait la City? Jure? Ah non! Ah non, Idole Religieuse, non, Idole Religieuse c'est la gold sur les machins. What the fuck? Non, mais c'était gold sur. Oui, c'est les golds, c'est les golds sur Yeld. C'est gold des fois sur les mines et. Le cuivre et les compagnies là. Ouais, ça sent la game. Il avait la City! Oh yo yo. Ça sent la game hyper ghetto quand même. Oh mec, ça sent la game tellement ghetto. Mec, Krista? Krista! Mec. On est parti, let's go. Les gardes impériaux?
Il y a le petit. Ah, mais non, poudre à canon. Bah ouais, s'il faut poudre à canon. Hein. Pour upgrade. Je pense qu'ils attendent ça avant de cesser. Je pense qu'ils attendent ça avant de cesser, ouais. Mais là, tout le monde est mort chez Cuit. Hein. Genre, y'a plus personne. Ouais. Y'a plus personne dans la baraque. La maison a été abandonnée. Les Minas, du coup. Y'aura des Minas ou y'aura pas de Minas? Je sais pas, mec. J'ai mis Minas One. Qu'est-ce qu'on a? Oh. Je pense qu'il va mettre complexe de loisirs. On préserve, non? Complexe de loisirs, il y a éventuellement le. Brasilien. Faites ce que vous voulez, de toute façon, je pense pas que le couvrir soit détruit. Yes! Same gold preserve me. Gold preserve me. Bah surtout qu'en plus c'est Barking Gang qui a gagné le premier congrès, donc c'est genre à la limite on pourrait dire bon bah peut-être que Cuit peut jouer la diplo, mais c'est même pas le cas. Genre c'est Barking Gang qui a la main sur la diplo. Bah ouais. Il y a vraiment toute il y a vraiment aucun levier qui peut mettre Alors qu'on revoit ce spawn brésilien sans jungle. Mec, il est trop triste son spawn en vrai. Il a fait une excellente game, hein, mais regarde, genre. Ouais, il a fait une très bonne game, mais comme je te disais, on peut faire des très bonnes games avec le Brésil, mais c'est juste, bah. Mais il faut vraiment. Non, mais... non mais juste, on fixe ça, je vous en supplie, genre avec BBS, à mettre un plus 1000 de spawn pour dans la jungle pour le Brésil, je sais pas, genre qu'il ait une priorité numéro 1, quoi, je sais pas. Mais il faut faire quelque chose. Genre imagine la regarde Chinguetti là, tu gardes Chinguetti, tu mets le Brésil ici gros, bah voilà. Oh Brésil il est heureux gros. La première game, le spawn du Brésil était incroyable. Il est incroyable son spawn, je suis d'accord. Y'a un plus 6 de renseignement ou quoi? Non je crois pas. Non, Poulpe elle a mis un espion sur Ah le GG. Et le GG qui est cool. Et voilà, on va couper la musique, j'en ai la musique sinon de rien. Bonjour Barking Gang. Bien joué à Barking Gang qui sont clean et sans bavure. Très très clean, hein. Malgré quand même de beaux avantages pour Cuit, hein. Soyons honnêtes. Zoom encore un peu sur le volcan là. Beaux avantages pour Cuit. Il jouait Teddy Bulmos, c'est ça? mec, t'imagines que quand même Cuit. Non mais attends, mec, faut qu'on en discute de ça. Ils ont eu trois reliques et il n'y en a pas un qui est parti reliquaire. C'est le Brésil qui a fait reliquaire. Mais c'est le jeu. Mais non, il l'a pas fait. Mec, il l'a dit tellement tard sans le sein. Genre, le Japon, il aurait pu faire tellement reliquaire avant. Mec, c'est terrible. On va les rejoindre. Allez. Où est-ce qu'ils sont? Allons huer avec eux. Allons huer avec eux. Gigi un cuirassé 2 étoiles avec Victor, Christa, sur la 2-1, là. Tu peux le taper que d'une case. Et derrière, j'ai été en campagne. Après, je sais pas, on aurait pu. GG guys. Pourquoi vous avez remap la première map, putain de merde? Gros, c'était le meilleur spawn de ma vie, mec. De ta vie entière. On avait tous des spawns indécents. Mec, j'avais B2 double tortue, B3 double tortue. Ah, c'est pas mal. Et j'avais une soie en 2-2-1 à Zrom, du coup. Oui, surtout, on avait tous des Ewar 2-3 dans nos caps. Ouais, j'avais une Ewar 2-3 aussi. Je pense que la première map, elle était loose au spawn pour nous. Match, elle était ouais, tellement bien. Map, gros, pour il n'y avait que des bonnes. Que des bonnes. Que des spawns. Le Japon qui était aux fraises, je crois. Après, l'Australie. Ouais, moi, c'était pas ouf. Mais... Loose au spawn, je sais pas, mais c'était jouable. L'Australie avait vraiment un très bon spawn. Oh, les gars, j'ai joué sans bonus à part mon quartier unique. Mec. Bah, si, il y a les Minas qui allaient arriver là. Mec, ouais, tu te dégoûtes, t'as pas fait de Minas, gros, y'a pas de Minas. Mais ils arrivaient, mec. Il y a deux quadriems. J'avais les quadriems et on avait le charbon sur Titit, mais il faut les frégates pour les up. Mec, tu dégoûtes en fait, c'est tout. Pas de Minas. Je les avais dans deux tours. Bah, ils ont cessé deux tours avant. Mec, je crois que j'ai jamais fait une game aussi lente de ma vie. C'était horrible. J'ai débloqué le premier quartier que je pouvais poser. Oh, JR, mec, JR. Full carry en aval, mec. GG, mec. Franchement, belle bataille naval, gros. Hein. Mais impressionnant. Merci, hein. J'ai rasé une ville de Christa, c'est bon. Alors, en vrai, quand j'ai setup la ville sur le lac, je me suis dit avec Christa, on va peut-être faire des petites batailles de galère, là ça va être marrant, mais en fait au final, j'ai eu la flemme. J'ai cru qu'il allait faire la bataille de galère, effectivement j'ai fait une galère en premier du coup. Mais tu sais que je l'ai cool, genre quand t'allais mettre pour Bordeaux, j'ai dit mec, il y aura des caravelles dans ce lac. Ouais, bah au bout d'un moment. Ouais.
Je l'ai tellement call. Mais mon Harley était si lent, mec. Le premier quartier que je peux poser, je crois que c'est tour 36, un truc comme ça. Quelle Ah. affaire. Ah bah. Ah, fallait travailler du bronze pour poser des quartiers, quoi. Non, mais c'est surtout que quand j'ai vu Krista, au début j'étais parti port, j'ai vu Krista, j'ai fait oups là, on retourne sur cave. Mais ouais. Mais Krista, t'avais un early assez sympa, non? J'ai ma B2 qui est assez sympa. Ah, t'es... mec, t'es sur mon stream ou pas? Si tu veux, tu peux venir voir sur mon stream, sa B2. Regarder, ouais. C'est crack à toi, c'est ça? Ouais, c'est le crack à toi, gros. Ouais, moi j'étais pas bien quand j'ai vu tes stats en early. Et mec, surtout, en fait. Vous aviez 3 reliques? Vous avez trouvé 3 reliques? 3 reliques, mec, ils ont trouvé 3 reliques. Mec, genre son crack à toi, c'était l'équivalent de 3 campus en early game. C'était indécent. Ah, par contre, c'était vraiment. Oh, elle est venue la food, mec, en vrai, c'était tranquille. Genre, en vrai, il a pas pété tard pour mettre de la food, hein. T'as pu travailler la 2-3 aggro. Oh, en vrai, c'était tranquille. C'était une messenger. Non, ce qui m'a défoncé, c'est le trop de volcans et de montagnes à droite, quoi, de Paris, là. Je vais même pas s'étaler une ville à droite de Paris, ça, ça me... Oh, ça okay, me pas bien. Pas ah, ok, je vois, ok. Ah si, t'as une ville en haut à droite, là. Ah mais ça c'est la mer, on n'a aucune personne dessus en fait, et je me dis bah si c'est pour la mettre pour prendre soit en early des galères ou autre. Non, j'aurais bien voulu mettre une ville dans la chaîne de montagne là, mais faut voir le Krakatoa soft. Les 3 de science et les 4 de science, il les a depuis le début. Hein. Ouais, bah, j'ai deux sciences de base. Ça donne 2 de science de base, ouais. Pourquoi chez Quid personne n'a fait un lieu saint reliquaire hein, quand vous avez vu que vous aviez 3 reliques en début de partie? Parce que Firsos il en a fait un. Il oui, l'a mais fait. Il a pas fait, il a pas rushé. Firsos t'as fait des projets ou pas? Ouais. Mais pour après, rusher je... en fait reliquaire. Je vais pas rusher sur B1, c'est 8 de tu... deux fois. Hein. Parce que toi t'es déjà en monumentalité pour pouvoir bénéficier de encore plus de fois, une meilleure monumentalité. Ça te coûte que un lieu saint avec un reliquaire. Un bah ça me fait une relique en fait que je peux mettre. Bah si tu fais un temple, ça t'en met 2. Ouais, voilà, enfin. Donc j'allais chercher un caractier pour faire un temple alors que j'ai Rome et les Kifi qui non, moi je pensais que c'est le Japon, mec. Ouais, des reliques qui te donnent 12, tu le fais. Hein. Je pensais que le Japon, bah tu non, vois, mais... Japon il serait parti lieu saint, du coup, bah, reliquaire et tout. Pour gratos. L'option le saint a été discutée, toi. Hein. C'est pour ça que mec, j'ai mis beaucoup de temps à settle. Ah, mec, on a failli câbler. Hein. Le lieu saint, la shrine, le temple et les deux reliques, ça te fait 24 plus 6, 7 deux fois, ça te fait 32 fois, c'est une menu UL toute seule. En plus, oui, c'est un tardif, deux c'est l'arbre du bas alors que j'ai besoin d'alliance fait aux mercenaires. Et non mais on parle pas de toi. C'est juste théologie. Hein. Oui bah. Juste théologie, on parle pas pour la France le machin, on parle pour un. Moi je pensais à un Japon ou si, une Australie. Ça a parlé... C'est Chuck qui a dit qu'on a parlé. Ça pourrait être toi ou. Et le c'était Japon. Relié par. J'avoue que j'ai pas pensé à reliquaire. Moi au début c'était j'ai vu la rivière, j'étais en mode. Soit je sais inland et je fais des rivières, soit je vais naval et puis après j'ai oublié le potentiel, soft. Le sein. Soft, ouais. Tu peux faire échappe et pour voir nos yims, on les voit pas, je les vois pas là. Ah. Fais échappe, s'il y a la pause. On enlève la pause. C'est Michael qui a la. Voilà, parfait, là je les vois. Vous étiez largement. Oh, vous étiez largement devant au niveau des yields. La game. Non mais Titi, tu fais 0 GPT, what the fuck? Mec, t'as vu, là, j'ai mis GPT. Mais attends, je suis le GPTeur de l'équipe, là, what the... Sauce ton XJR, t'as carré toute ton équipe, mec, t'es incroyable, bien joué, mec. Ah, tous les tours, j'aurais des petites de 200 balles partir, là. Aïe, aïe, aïe. Non, en early, c'était... J'ai cru que j'allais mourir. Oh, le seul truc qu'il trouve à dire sur ma game, c'est putain, tu fais pas de goal. Non, franchement, bien joué, Titi, t'as fait une super game, hein. Ah ouais, j'ai grand phare et Arsenal et... Oh, et Azagi, là, le petit push dans le bac, là, aussi. Mama, dans le bac de poulpe, là. Le petit campement dans le côté des montagnes, là. Aïe, ah, mec, j'ai kiffé le campement. Mais on n'a pas vu, en fait, genre... Enfin, on a vu que t'as fait le campement. On a vu qu'il y avait deux Keshi qui se baladaient, puis on est reparti, tu vois, on était en mode... Il y avait la bataille navale, et puis à un moment, il y a un pin rouge qui apparaît dans la map du côté de poulpe. Et là, mec, il me dit, mais ouais, Azagi, là, il fait... Le campement là de côté Titi, il lui a posé le tour 5, tour 5 ou 6. Ouais, il a posé tour 30, j'avais un scout pendant 30 tours dessus. Ouais, puis à un moment, il y a un Keshi qui est arrivé, il a délogé le scout. Fais voir le land de l'anglais là, il a l'air d'être. Ah non, Riggy, il est la tête sous l'eau là, c'est. Ouais, c'était compliqué, je peux trouver la bonne formule. Après, je voulais faire vite des. En fait, il a. Ouais, pardon, je te laisse.
Non, mais j'ai pas beaucoup de collines, hein, si tu regardes là. Après, dans ce genre de spawn, tu restes sur trois villes longtemps, et à la limite, tu fais une salle ancestrale, et juste tu s'étales un milliard de villes et. Ouais, et c'est quoi du coup, timing caravel, qu'est-ce que je fais là? Je mais suis pas en fait. Mais t'as pas besoin d'être sur le Mais t'as caravel. Pas besoin d'être juste, d'avoir les caravels. Tu fais des stats, tu fais des goals. Ah bah, vu comment c'est parti, si j'avais besoin, parce que si. Je pense que Poulpa. Je peux te dire que le Titit, il était pas bien quand Poulpa a upé 3 caravels devant lui et qu'il a dû upé les siennes. Oui, mais ça a rien passé, t'as bien vu. Ouais, mais en Poulpe, elle force à. En fait, Poulpe, elle force à Titips à avoir peu de pré-build et à up. Parce qu'il avait genre 5 ou 6 galères. Ou un peu plus, mais. Mais ça force Titips à utiliser des golds. Et du coup, à retarder son sim. Et toi, t'arrives, t'as le double des stats de Titips et juste tu l'exploses en late-game, quoi. Ouais, je sais pas, avec le land là. Est-ce que ça nous arrange que t'arrives en âge sombre parce que tu serviras à rien la game, si en fait. Je fais une salle ancestrale, je fais encore moins un âge d'or. Ouais, mais au moins t'as le trip de ville de et faire, tu fais. Avec Victorien, avec l'âge d'or, il y a moyen de le faire. Genre, tu sais, là, en haut, t'avais un roi image, je sais pas si t'as vu sur l'île en haut. T'as pas un continent à Settle hein. Tu l'as pas vu? Ok, bah, en haut, la grosse île de Anshan, en fait, il y a pas mal de bons Settle avec des campus, avec un roi à Settle, ça fait des points d'air. On l'a pas vu le roi image. Oh non, mais t'as un land compliqué, on est d'accord, mais je pense quand même que t'as manqué de resettle. Enfin, ce timing où tu peux resettle. Même une petite vague de bâtisseurs, à un moment, pendant longtemps, t'avais les quelques collines que t'avais là où t'as pas de chop. T'avais des 2-2, tu vois, tu pouvais chop, mettre une colline, tu vois, c'était peut-être un settler du coup que tu pouvais chop. Mais t'as manqué ce timing où justement tu pouvais te permettre de repartir au settle pour pas être irrel dans la game. Mais en vrai, il est pas facile ton land, hein, je suis d'accord. Hein. Tu spawns sur le bout de la primordiale là. J'avais beaucoup de forêt trop, je sais pas. Non, je pense que ça aurait pas changé grand chose. Honnêtement, si je pars à l'ancestral, je pense que je mets vraiment une balle dans le pied et pour le coup. Je suis pas sûr, en fait, t'as beaucoup de forêt trop, mais tu sais que si tu restes sur 3 villes, tu fais comme je disais, j'en ai parlé du BO sur le stream. En gros, tu fais 3 villes avec des phares, tu fais tes phares, après tu fais une tournée de bâtisseurs et en gros, c'est le temps d'aller chercher genre construction navale, puis après tu redescends sur du bronze. Normalement, c'est déjà opti. Et à ce moment-là, t'as de quoi te choper les forêts tropicales. Avec ta petite salle de bas, tu chopes, tu fais les quelques mines que t'as dans tes villes, on est d'accord, t'as pas non plus beaucoup de collines, hein. Ça on est d'accord. Ah mais quelques villes quelle ville permettent de... Check, là. En fait t'as plein de villes au nord en fait. L'île en haut. T'as tout un continent au nord et à l'ouest. Non mais ça c'est quoi, c'est 8-9 tours. Le truc c'est que le temps que j'ai après j'ai un bénéfice là-dessus, je suis pas sûr que ce soit worth. Bah, et dans la si, game, là, regarde, elle s'est résolue au tour 75. Mais donc, parce que en fait, vous, elle s'est résolue au tour 75 parce que... en fait, il y a pas de follow-up au push caravel, alors que nous on a des follow-up au push caravel. Mais si je le répète, pour moi, si je fais ça, j'ai encore moins de follow-up parce que le truc c'est que si je fais, pardon, ton délire de salle ancestrale, mais je l'ai déjà fait, hein, je comprends ton, mais mes villes elles grouillent jamais aussi vite, j'ai jamais autant de stats avec Pingala 2 et Moksha 2 parce que du coup Londres elle serait jamais à 11 de pop là, elle serait plutôt à 5. Justement, t'as le triple de stats en fait alors qu'il est. Parce que t'as 12 villes et t'envoies beaucoup plus de traders et t'as... Je suis vraiment pas sûr. Parce qu'en fait, ta différence de pop, ça va être quoi? Ça va être 5-6 de pop, grand max. Mettons, allez. T'as juste besoin de... Bristol, elle est à 6 de pop ou 5 de pop. C'est quoi, j'ai les safe, je testerai, mais là, tu me dis les triples. J'essaierai, je te dirai. Je sais pas si t'auras les triples, mais t'as commenté, tu vois, c'est vraiment... Là, t'as 4 villes. On sent que tu manques de villes, quoi. Ah oui, là, c'est sûr. Après, peut-être, je sais pas, pour le play ancestral et tout, mais même avec ta salle d'audience, genre, vraiment, t'as manqué de villes sur le late game, quoi. Ah oui, non, mais c'est sûr, bah oui. Je suis appuyé, c'est surtout la chambre qui me fait que quand j'essaye de calculer, je vois, j'avais encore le sus de Rapenui, j'avais encore, mais j'avais pas vu la merveille. Après, il fallait que je prévoie des colons, mais j'étais obligé de chop mon campus plus 4, sinon jamais je le faisais à temps. Et quand j'ai vu qu'en fait j'allais jamais l'avoir, je me suis dit, je reste à chaud. Je partais loin aussi, mec. Hein. Franchement, c'était... Légion, terme, campus, port, zone Indus, j'avais toujours pas. J'ai dû faire des. God Gamer, plus... mec. J'ai dû suivre 2 CS en plus. Oh, les CS, genre tour 47 ou 48. 47, gros, il y avait que Shinguiti dessus. Tour 47, j'ai ouvert le panel des cités-états. Mais gros, j'ai fait 3 galères avec ma B2. Ah, mais on a fait un peu de kilos, nous. Hein. J'ai fait 3 galères avec ma B2, j'ai pas vu une CS. Donc, j'écoute, j'allais crever.
Oh la vache, mec, j'ai ouvert vraiment le panel, j'ai vu Shingwedi Super Deluxe, j'étais acheté, mais qu'est-ce qui se passe avec le CS? En vrai, Primordial, je pensais que c'était marrant, tu vois, mais en fait, c'est vraiment de la merde. Hein. Mais c'est trop bien, Primordial, arrête, what the fuck. Mais je te jure que la première map, elle aurait été marrante, ouais, à jouer. Moi, j'ai vraiment une interrogation par rapport à votre draft, pourquoi vous avez pris Indonésie à leur first pick? Parce que c'est trop fort sur la map. Sur la map, c'est insane. C'est que des petites shulk et t'as les jonques, t'as les frigates 10 ou 15 stores en tout le monde et juste t'exploses un mec. Enfin, quelqu'un qui est près, proche d'une indo, il est mort en fait. Et c'était sur le Panthéon aussi que tu dis de la mer. C'est ça, assez... et t'as le deuxième âge d'or facilement aussi. Ok. Et puis j'aime bien la cible, de toute façon. Ouais, je sais que c'est bien. Alors que Fierce, il aimait bien le Brésil. C'est moi qui ai push pour son Brésil. Question, pourquoi vous avez pas remap pour le Brésil, pour son spawn? Juste pour garder les remaps. Parce qu'on applique Brésil déjà. En fait, on s'est fait engueuler parce qu'on applique Brésil et. Voilà. Quoi. Ouais, notre équipe nous a dit vous ne claquez pas de remap. Pas claquer de remap. Chuck. Quelle femme de chien. Ils ont besoin d'un arbitre juste au-dessus. Ah, moi, je vais pas avoir le temps, je vais aller me coucher bientôt. Là. 4v4-1 là. Ouais, Alexis Cramp. Ok, ça marche, bah, je vais aller voir. Bah, du coup, GG pour la partie. Puis... GG, merci Chuck pour, le cast. Et merci à toi. GG. Thank you, Michael. Sorry, we were talking in French. Yeah, it's all good. I know you're excited about the game. It's fine. Yeah, the game was fun. Yep. It was fun to watch as well. Bon, en vrai, les amis, moi, je pense que je vous envoie chez Disto. Il a la game d'Ulysse qui est encore qui est pas finie, donc je vais vous envoyer chez Disto. Et voilà. Bon, j'espère le cas vous a plu. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis une bonne nuit, je vous dis à demain. Demain, on fera du TFT le matin, je pense, sûrement. On reprend le stream matinal. Paf. Des bisous. Bonne fin de soirée à vous. Ciao, ciao.